Non mais moi sérieusement, oubliez le live du samedi soir, ça va pas à la tête. Non mais vous me prenez pour qui? Vous croyez vraiment que bon, ça m'arrive d'être en retard. Je suis le premier à le reconnaître, je suis de bonne foi, mais ne pas être là en live, jamais, jamais en fait, ça va pas à la tête. Attendez, je connecte juste mon dernier bot parce que oui, évidemment, il est quelle heure? Il est 21h52. Oh et ça va, c'est léger, c'est un petit retard appréciable. Et bonsoir à tous et bienvenue à vous dans ce tout nouveau live, live du samedi 23 décembre. Et demain, c'est le réveillon. Enfin oui, bon bref, c'est bientôt Noël, c'est tout ce qui compte. Comment ça va? Bonsoir à vous, Streamlabs qui vient d'arriver, let's go, la notification qui s'est envoyée. Bonsoir Fourmi, bonsoir Julien, comment vous allez les gars? FR, Lou, François 1er, bonsoir, comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Ok, ça y est, les bots sont connectés. Oh là, c'est optimal les gars, c'est au petit mal. Encore en retard comme d'hab, oui, mais on peut pas finir l'année. En fait, tu vois, je me suis dit que finir l'année en étant en avance, ça ferait faux. C'était pas nous donner une bonne image, c'était pas être nous-mêmes, tu vois ce que je veux dire? Il faut être sincère. Dark Shigo, bonsoir patron, bonsoir. Marc, comment ça va? Monsieur Brolac, bonsoir, la pêche purée. La pêche purée, mais la sieste tactique, hein, tu connais, ça redonne un petit peu de force, évidemment. Comment ça va, Brolac, depuis le temps? Max, bonsoir à toi. Kadian, bonsoir. Shadow, bonsoir. Léo, bonsoir. Tino, bonsoir. Il oh, y a toute l'équipe, là, il n'y a que des alphas ce soir, que des alphas. Golo Napoléonien, salut Sarge, le retardataire. Oui, 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 oui. Bon, les amis, ce soir, c'est le gros, gros duel HOI4. Hein, franchement, un petit. Qu'est-ce qu'un samedi sans HOI4? Eh ben, moi, je vais vous dire, c'est un mauvais samedi. Non, je rigole. Streamlabs qui vient d'arriver, let's go. Mao qui vient arrivé. Sarge a quand un sub goal sur Twitch, ça pourrait être sympa. C'est quoi? C'est un objectif de sub à atteindre, c'est ça? Et le Zeta Sarge, je sais plus quoi moi, Zeta, du retard comme ma dédicace. 2026. Bonsoir à tous. Go, miser tout contre Sarge. Non, comment t'as misé tout contre Sarge? Non, mais les gars, il y a un concept ce soir. En fait, je voulais finir l'année en grande pompe. Je me suis dit, putain, on veut un gros match pour finir l'année. On a fait Poirot et tout. Mais là, un classico, Real Barça, Allemagne URSS, voilà, c'est un peu les mêmes clubs finalement, c'est un peu le même défi. Ok, ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de monde. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Il y en a beaucoup qui pensaient qu'il n'allait pas avoir de live avant Noël, parce que c'est le 23, tout ça, mais je me suis dit, bon, il y a un peu moins de vidéos en ce moment, c'est vrai, on peut pas dire que le contenu est à son paroxysme, mais au moins les lives, je peux quand même tenir les lives, ça va, vous. C'est le mec qui veut faire le mec, il a 36 personnes, ouais, les gars, il y a trop de monde chez moi en ce moment, ouais, ça va, il y a personne. On est seul. Je fête Noël seul, c'est un mec qui est bizarre. Non, non, non. Au lieu de l'élite, Melax full boost élite, c'est moins dur que full boost R. Va boost élite, on va mettre tous les bonus disponibles. Ce soir, c'est Père Staline. Ce soir, c'est Père Staline, les gars. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué l'URSS. Bonsoir, Sarge. Bonsoir, les viewers. Comment ça va, monsieur Louis? Bienvenue à toi. Du coup, les gars, voilà, on finit un peu l'année. Il y aura peut-être un live samedi prochain. Samedi prochain, mais combien on sera le. Tac, tac, tac. Ouah, le 30 décembre. Le live du 30 décembre. Ouah, on va faire la fête de la fin d'année, les gars. Ça va arriver. Dark Chico qui va arriver. Je t'aime, Sarge. Merci, Max, comment ça va? Bonsoir à toi. Et du coup, voilà, non, franchement, je pouvais quand même au moins sur S-Live. J'espère, les gars, que déjà, vous êtes tous en vacances, ou que les vacances arrivent pour vous, parce que voilà, Noël, tout ça, c'est important d'être en vacances. Tu t'autorises à changer de dirigeant ou pas? Jamais! On garde le père des peuples, nous. Un match contre le H en élite, je valide. Ah ouais, ouais, les gars, tu vas reculer, s'il te plaît. Donc, tu comptes faire deux nuits blanches de suite, la veille du réveillon et le réveillon? On est streamer ou pas? On fait deux fêtes ou pas? Est-ce qu'on fait pas deux fêtes? On va boire du champomis et manger des petits fours. Oh, 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 ambiance cosy, Kadir. Non, mais sincèrement, j'espère que vous allez tous passer de bonnes fêtes, que vous allez passer de bonnes vacances, que vous allez bien vous reposer, que vous allez surtout bien profiter, que voilà, pour tous ceux qui fêtent Noël, vous allez bien fêter Noël, vous allez bien vous amuser, les gars, c'est important. C'est vrai que, franchement, Noël, il y a ce côté en plus, voilà. Je sais pas, il y a cette ambiance, c'est important d'être dans le mood de Noël et tout, et... Bon, même si, bon, calendrier de l'Avent, cette année, j'ai pas trop respecté, hein, j'ai même pas ouvert les cases, mais c'est pas grave. Salut Sarge, salut Ludivine, comment ça va? Bienvenue à toi, c'est la première fois que tu passes en live. Mais du coup, ouais, non, franchement, voilà, les gars, c'est cool, et je me suis dit, vas-y, au moins un petit live. Moi qui fête rien. Excuse-nous, les Dadamo, on n'est pas encore des giga chat comme toi, tu vois, mais c'est ça. Hey, Tino qui continue de nous suivre depuis son 10e mois, comme ça. Comment ça, j'étais plus sable? Bah là, du coup, t'es sable. Merci Dadamo, j'allais dire Tino pour le 10e mois d'abonnement. Et DGG pour monsieur Tino. Du coup, les gars, un bon gros classico pour finir la soirée. Mais avant ça, un petit mot les gars, un petit mot. Comme vous le savez, je suis le premier à vous le dire, l'année 2024 va commencer, 2023 c'est fini. Comme vous le savez, moi 2024, hein, je me casse. Je suis plus là, moi, non, je rigole. Le mec il se barre. Non, non, 2024 commence les gars, et attention, spoiler alerte les gars, pour une fois dans ma vie, j'ai quitté mon domicile. On m'a obligé à me déplacer. On m'a forcé à quitter mon logement. Non, je rigole. Monsieur ministre d'Organisation Nasty vient d'arriver. Eh, hey, bonsoir, monsieur Nasty. Alors, les gars, comme je vous le dis, 2024 commence. 2024, ça fait des mois que je vous en parle. Il faut voilà, que la chaîne progresse. Il faut que les projets se développent. Il faut que ça avance. Il faut avoir des projets. Il faut avoir des idées. Il faut avoir de l'ambition. Du coup, les gars, là, aujourd'hui, je me suis rendu dans un lieu lointain, très lointain, à l'est de la France. Un jeune mec qui fait genre, il est allé en Alsace.
Non, plus sincèrement, les gars, aujourd'hui, je me suis déplacé. J'ai rencontré une personne qui est dans le chat. Je peux pas vous révéler son identité, tout est très secret. Hein, je rigole, le mec abuse. Yuri, hey, 4e mois d'abonnement, le train de la hype qui arrive, let's go. Je suis allé en Russie, voilà. Je suis allé à l'Est, je suis allé en Russie, exactement ça. Merci pour le train de la hype, Yuri, comment ça va? Bonsoir à toi. Et du coup, les gars, comme je vous le disais, je me suis déplacé, j'ai rencontré une personne qui est dans le chat parce que cette personne-là a un projet. Un projet dont elle m'avait parlé depuis un moment, un projet qui peut intéresser la chaîne, m'intéresser moi et surtout vous intéresser vous, c'est en rapport avec l'histoire. On va pas se mentir, les gars, on est une communauté où il y a beaucoup de passionnés d'histoire, on est dans un pays, en France, où il y a beaucoup d'histoire. Je dis la France, mais je pourrais parler de la Belgique, je pourrais parler de l'Allemagne, je pourrais parler de l'Europe, enfin bref. On est quand même dans un, on va dire un continent, on va généraliser un peu, soyons un peu européens pour une fois. On est dans un continent où il y a beaucoup d'histoire, les gars, et ça, c'est un projet incroyable. Vous savez, à l'époque, on faisait beaucoup tout ce qui est vlog, Roche-Guyon, des petits déplacements comme ça. Et là, le truc qui est bien, c'est qu'on va passer un cap au-dessus. Plutôt que se rendre sur un emplacement, faire un vlog sur telle ou telle thématique. Là, on a une possibilité incroyable pour la chaîne et c'est quand même un truc de fou, les gars, parce que on a beau être 28 000 abonnés, on a beau être une entreprise, tout ça, etc., etc. On va pas se mentir, des youtubeurs, il y en a plein. Des gros youtubeurs, il y en a beaucoup. Des moyens youtubeurs, il y en a beaucoup. Et des petits youtubeurs, je considère comme un petit moyen, on va dire, il y en a plein. Et on a eu cette chance d'avoir une opportunité d'une entreprise qui veut, bah, simplement faire du contenu sur l'histoire, qui veut développer tout ce qui est culture, tout ce qui est histoire, qui nous propose en 2024. Tout simplement de s'associer à la chaîne et de vous proposer plein de nouvelles thématiques et l'entreprise vous proposer son concept qui est un concept qui était totalement unique. Je ne peux pas encore trop vous révéler le concept, mais en gros, dites-vous que c'est un concept qui permettra à n'importe qui de pouvoir visiter des musées. J'en ai peut-être déjà un petit peu parlé à certains, de pouvoir visiter des lieux où vous n'aurez pas forcément pu aller, de découvrir des endroits que vous ne connaissiez pas forcément. De Revolut, voilà, on est sponsorisé par la banque, le Crédit Agricole lance un plan, le plan culture. Ah ouais, le mec, il fait déjà des collabs. Ah, on fait déjà des collabs. Et là, justement, c'est pas une collab, c'est pas en mode, oui, bon, NordVPN va nous sponsoriser pour une vidéo et tout. C'est plus profond que ça, parce que là, c'est plus du partenariat, mais partenariat long terme. Et c'est un partenariat qui vous proposera, je suis abonné depuis longtemps à ta chaîne YouTube, c'est la première fois que j'ai eu en live. Ah, bah merci beaucoup, Ludivine, ça fait plaisir. Viens au Maroc, je t'invite chez moi. On va aller au Maroc, voilà, c'est le mec qui fait un tour de France. Et je vous parlerai du concept dès 2024, mais dites-vous, les gars, que comme c'est parti, après, voilà, encore une fois, ça se développe, c'est en cours de création, c'est en cours d'acheminement. Dites-vous qu'en 2024, on aura la possibilité, la chaîne Sarge le Chef, d'avoir, on va dire, un impact beaucoup plus large sur tout le milieu des musées, sur tout le milieu, on va dire, de tout ce qui peut être culture, que ce soit en France et un petit peu ailleurs. Parce que simplement, cette entreprise qui débute, cette start-up, entre guillemets, si on m'autorise le terme, qui justement a vocation à faire découvrir l'histoire, à faire découvrir à tous, de manière beaucoup plus accessible, un peu tous les musées qui vous entourent, tous les musées qui sont même loin de vous, pour tout simplement tous ceux qui aiment l'histoire, se renseigner un peu sur l'histoire. Et une collab, oui, évite de collaborer avec l'Allemagne par contre. Ah, vous savez, le Führer, hein. Non, je rigole. L'UE nous sponsorise, voilà, le Conseil européen, Ursula von... Non, je rigole, c'est le mec, voilà, je vais laisser les députés parler. Et donc, voilà, tout ça pour vous dire, les gars, que 2024, on mise vraiment sur des projets, qualitatifs, et surtout des projets, on va dire, un peu plus puissants, parce que la chaîne, elle augmente, et c'est cool d'avoir la chaîne qui augmente. Et donc, je vous en parle dès que c'est disponible, les gars, mais vous aurez vraiment, moi, je pense, en tout cas, une opportunité incroyable de découvrir du contenu que un concept assez fou, qui n'existait pas dans le terme de la culture, dans le milieu de la culture, tout ce qui concerne musée, etc., en 2024, qui sera en partenariat avec la chaîne Sarge le Chef. Et ça, c'est un truc de ouf, donc hâte de vous présenter ça en 2024. Dites-vous, là, aujourd'hui, je me suis déplacé, avec mon père, on s'est déplacé. J'ai pas mis de story sur Instagram ni rien, parce que, bon, on n'a pas encore rendu le truc trop officiel. Je suis allé carrément dans un lieu historique, un site historique de la Seconde Guerre mondiale, des bunkers de la Seconde Guerre mondiale, où il y a toute une entreprise qui se met en place là-bas, tout un groupe qui se met en place là-bas. Et on a eu l'occasion de rencontrer ces gens-là. Et une journée franchement incroyable, parce que le truc qui fait plaisir, les gars, c'est qu'on va pas se mentir, voilà, YouTube, il y a toujours ce côté business, une entreprise, il y a toujours ce côté business. Mais voir des gens qui sont passionnés d'histoire, qui ont envie de faire découvrir l'histoire, qui ont envie de promouvoir l'histoire, et ça fait plaisir. Et surtout de voir des gens qui font confiance à des chaînes comme nous, et ça fait encore plus plaisir, parce que voilà, comme je disais, des gros youtubeurs, il y en a plein. Et c'est ce qui m'a touché, c'est d'avoir une personne qui regarde mon contenu, qui aime HOI4 comme vous aimez HOI4, qui nous propose en 2024 d'avoir un réel impact sur tout ce qui va être milieu de la culture en France. Et quand je vous dis en France, c'est vraiment une chaîne nationale, parce que ça va être un peu partout en France. Et ça peut être Verdun, ça peut être Maginot, ça peut être même en Belgique, Bastogne, etc., etc. Tous les grands musées, quoi. Donc c'est un gros projet qu'on travaille, c'est en cours d'acheminement. Et puis on développe ça petit à petit, et dès 2024, je vous tiens au courant par rapport à ça, et ça sera lancé. Non, mais bande d'amateurs, il est parti à la ligne frite en Belgique. La fameuse, mais je comprends pas qu'elle est pas tenue, franchement. Fortification niveau 10, comment ça, ça tient pas? Bref, voilà, c'était le petit mot, les gars, on est 63 en live. J'espère que vous allez tous bien. Sur un jeu en ligne, je joue la Suède et j'oublie l'Allemagne. Ah, les gars, faut que je vous montre, attendez. Franchement, les gars, j'ai branché mon nouveau micro. Dites-moi si mon nouveau micro, il est bien. Attendez, est-ce qu'on m'entend bien? Les gars,
Le nouveau micro n'est pas incroyable. Attendez, je me branche. Ah, est-ce que le volume n'est pas mieux comme ça, les gars? Est-ce que l'on n'a pas un micro de qualité assez franchement? J'étais donné pas de la piste, j'ai bloqué la wesh. Ça va toujours, ça fait toujours. Ah, ça c'est bien parlé. Mais c'est de la. Quoi, il est pas bien mon micro, les gars, j'ai payé 600 vols. C'est en mode, c'est la version pro. Magic Mixer, pas Mixer, pas très, pas mode, il est 140. Masterclass. Console 3, let's go. Est-ce que t'as un nouveau micro, les gars? C'est un Bluetooth Evolution. Je suis pris avant, c'est grave. Hein. Répétez votre question. Allez, c'est une merde. Tu ne savais que tu travailles dans l'aviation, c'est ça. Fais choisir une nouvelle technique. C'est fait de merde. C'est fait de merde. Change de l'aviation, Bon, bref, on va arrêter les micros. Voilà. Ok, Serge le pilote. Ah, ouais, on... ah, en fait, ici, c'est un peu. C'est un peu la chaîne connectée, si vous voulez. Bonjour, c'est votre commandant de bord. Vous voulez que j'essaye? Attendez, vas-y, attendez. Deux petits trolls, là, vous me tentez trop. Vous voulez de l'avion, les gars? Je vais vous trouver de l'avion, attendez. C'est ta voix normale? Non, ah, c'était ma voix normale. Attendez, vous voulez l'avion? Attendez, il est où? C'est quoi cet effet de merde? Ouais, les gars, je suis dans une cave. C'est de la merde. Je suis un gosse. Les gars, vous me donnez un truc comme ça, moi je suis un gosse, forcément. C'était l'appel du général Serge, là, c'est ça. Non, j'ai une voix d'une politique quand les micros ont été inventés, mais... Attendez, vas-y, je vais chercher l'avion de chasse, je l'ai pas trouvé. Mais il met trop de pression avec votre avion de chasse. Attendez, laissez-moi une petite seconde. Non, je l'ai pas. Putain, il y a trop d'effets là-dedans. C'est quoi ce truc? Bien, toujours plus, il se prend... Salut, Minote, comment ça va? Oh non, mais putain, mais il y a même la voix de Biden, mais... Qui va faire la voix de Biden? I'm sleepy Joe Biden. bref, non la pub. Bref, les gars, je vais chercher le truc de l'avion et je l'ai pas trouvé. Tant pis. Bref, ok. Serge, j'ai peur de toi là. Oui, tu fais très peur. Ok, c'est bon. Les gars, je te dis, on arrête pas le progrès, ça va, non? Hello Biden. Hello. Serge, tu fais flipper. Oui, bon, bref, on arrête les conneries, on arrête de jouer avec le micro, les gars. On va rester à la version standard. Là, c'est pas plus mal du coup. Ok, avion, tu y avais le premier que tu dis, c'est assez ressemblant. Mais en fait, il y a vraiment le truc genre avion de chasse, mais je l'ai pas trouvé. En fait, tu veux que je le recherche, Dark Shigo, c'est ça? Vas-y, pour toi, Dark Shigo, je vais le trouver. Putain, au pire, je tape avion. Il y a vraiment des trucs, c'est vraiment de la merde. C'est quoi cet effet banana? Ça sert à quoi? Il n'y a aucun intérêt à avoir un effet banana. Effet Santa. Oui. Enfin, de la merde là-dedans. Mothership, c'est quoi ça, Mothership? Le vaisseau amiral, on s'en fout du vaisseau amiral. Ouais, bon. J'ai tout loupé à cause des pubs, Sarge Airline, quel bonheur. Ah, je l'ai. Bref. La drogue, c'est mauvais. Bref, les gars, on n'est pas là pour ça. Voilà, Brelac qui offre un abonnement. Et merci beaucoup, Golona Polona qui gagne son abonnement offert par Brelac. Et des GG, voilà plus de pub. Ah, quel soutien, Brelac, quel soutien. Bravo, vous venez d'échapper aux pubs. Je comprends pas, c'est parfait. Merci infiniment. Bravo. Le projet de dévolution du micro MDR, c'est pas une amélioration, c'est une réduction de qualité. C'est nul, oui. D'ailleurs, j'ai perdu stylé la voix. Ah. Mais du coup, ça, ce sera sur toute la période historique, genre Maginot, cathédrale, bâtiment antique. Alors, de ce que j'ai compris par rapport à l'entreprise, c'est surtout ciblé autour de Seconde Guerre mondiale, mais ça va s'élargir un peu, je pense, après, peut-être dans le temps avec les époques. Voilà. Et Alpha qui envoie le troisième cadeau à Trace de le fond. C'est le troisième sub de la soirée. Eh, let's go, les gars. Bon, je pense qu'on va pouvoir lancer The HOE4 Party, les gars. Il est où. Attendez, HOE4. Et The Music Time. Brelac offre un sub à le Golona. Ok, attendez, donc ce soir, les gars, il n'y a pas de mode. DLC, clac. Mettre en ligne des modes, non, c'est pas ça. Ok. Avec YouTube, ok. Ça, les gars, c'est l'ambiance Noël ou quoi? Tout le live, tu as un bouton pour cela. Et non, mais attendez, ça spam là. C'est qui qui a fait les sorts? On est les sorts.
Je suis pas à jour, les gars, je suis pas à jour. C'est qui? Mais c'est Monsieur Alpha qui envoie les 100 chers. Et parce qu'on en a jamais assez. Et c'est bien vrai. Merci beaucoup, Monsieur Alpha, ça fait plaisir. Let's go. Merci Alpha pour les 100 chers. Pour on a perdu, mais c'est pas pour autant qu'on va soutenir ça. Et c'est Flo Flo qui renvoie 2 subs. Rocinante et Arkay qui viennent de recevoir 2 subs. Et bravo pour les 2 subs. Vous voyez, les gars, franchement, moi je vous dis, c'est l'ambiance Noël. Il y a des cadeaux dans le chat. On vous fait des cadeaux avant l'heure ici. Cette communauté, c'est quand même incroyable. Hein, franchement, vous ne trouverez pas ça partout. Non, c'est le mec qui se prend pour chez Maggie. Et Star, j'ai encore abandonné mes devoirs pour voir ton live. Je vais finir dehors, moi. Oula, ouais. Rudolf, là, tu vas finir à la rue. Hein. Bon, après, techniquement, si t'es en vacances, franchement, les gars, faire ses devoirs le premier jour des vacances. Non, mais on n'est pas des esclaves, hein. Star, joyeux Noël à toi. Ah, bah, il y en a quand même un qui pense. Non, je rigole. Merci, le Flo. Je te souhaite un très joyeux Noël à toi aussi. Star, tu pourrais me rendre un jour sur Insta et Discord. Alors, les MP, on est un petit peu en retard, Marie, mais je prends en compte ta demande et j'essaierai d'y répondre. Mon vrai cadeau pour Noël, il arrive bientôt, hein. Oula. J'espère que tu vas pas envoyer un colis piégé chez moi, hein. Ok. Oh, mais non, mais Flo, il renvoie 2 abonnements, copain et chef. 319 subs offerts depuis l'objectif. Mais Flo, ça marche par deux, Flo, c'est comment? DGG le chat, DGG pour Monsieur Flo, DGG pour Monsieur Brolac, DGG pour Monsieur Alpha, DGG pour Monsieur Tino, DGG pour Noël. Merci à tous, les gars. Non, mais le cadeau que j'offre pour la commu, Serge le chef. Ah oui, le projet qui est mystérieux. Ah, le mec, tu vois clairement qui s'est entraîné avec l'URS. Ah, mais non, les gars, c'est une petite partie pour le fun, voyons. Ok, nous, on joue en 36. Ah, nous, on n'est pas là, on n'est pas venu pour beurrer les tartines. On joue en élite. Ah non, mais attends, élite, c'est chiant. Comment ça, je perds du poids politique? Vitesse de recherche, moins 30%, mais c'est de la merde. Ah, merde. Je pensais pas que c'était ça, élite. Hein. Oh, attendez, les gars, j'ai vitesse de recherche de 30%, là. Wow. En gros, élite, pour ceux là, vous voyez peut-être pas à cause de ma caméra, ma vieille tronche. Joueur, moins 15% de poids politique, moins 30% de production, moins 30% de vitesse de recherche. Mais c'est quoi cette merde? Putain, mais... C'est plus que c'était à l'Union Soviétique, hein. À l'époque, il y avait de la recherche technologique, hein. Baby mode, alors. Et what? Et Alpha qui continue en offrant un sub à Monsieur Loïc 2002 Gaming. Eh, hey, let's go. Voilà, Brolac, il a sorti le pins orange, là. Ça y est, ça rigole pas. Mais les bots de full boost, ce sera mieux. En pire, je fais les deux, hein. Je crois que je vais faire les deux. Mais si j'avoue, si je fais les deux, là, moins 30% de recherche, ils ont pas le bac, mes scientifiques. D'ailleurs, Loïc, je t'ai vu dans la dernière vidéo de Skymander. Hein. Tu m'as pas dit que tu faisais des petites vidéos YouTube comme ça. Hein. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. On est 83. Les gars, regardez. Ça, c'est l'Allemagne. Oui. Ça, les gars, ça, c'est mon niveau à Shoei 4. Et ça, c'est votre niveau. Mec, je rigole. Ah, ça va, le chat. C'était une petite blagounette avant Noël. Bon, ça applique au réactionnement. Gain de poids politique plus 50%. Mais ça va, oui. Expérience plus 50. Oui. Tu pourras créer une division d'élite à mon nom. Fais pas élite, c'est pénible. Ouais, c'est ce que je me dis, ça va être pénible, oui, ça va être pénible. Renforcer l'Italie, hop là. Renforcer l'Union, eh ben non, ah merde. Renforcer les Japonais, hop là. Bon bah voilà, nous avons un axe que je considère comme cheaté, les gars. Dans le chat, comment on offre un sub? T'as un petit truc cadeau à côté qui permet d'offrir les subs ou les chairs dans la barre de recherche, normalement à côté. Tu vas te faire écraser. Tu vois, petit Québec, vive le Québec libre, j'ai toujours su que je pouvais... J'allais dire petit Québec, mais petit Québec, c'est du fromage. Avec Click, j'ai toujours su que je pouvais compter sur toi dans la vie et tu viens de me le témoigner ce soir. Et Alpha qui offre le stop à Chipadoli. Non mais Alpha, il nous fait le combo là. Alpha, Flo, c'est un concours ou c'est comment, les gars? Comment, comme ça, on offre un sub. Belle démo, monsieur Alpha. Bon, et bah les gars, je vais aller me faire foutre, je vais m'enterrer en Sibérie. Je n'existe pas. Et encore une fois, je rappelle les règles, les gars. Du coup, Allemagne, Italie, Japon en élite. Enfin non, partie en élite. Allemagne renforcée au maximum, Japon renforcée au maximum, Italie renforcée au maximum. Moi, j'ai pas le droit de faire de ligne de repli parce que vous savez, on la connaît. Hein. Oui, je joue soviétique, le mec il se cache derrière son fleuve là. La mare au canard, on la connaît cette technique. Hein. Non, nous, on va reculer progressivement comme une grosse merde, comme un mec qui sait pas jouer, mais c'est pas grave. Et pas de fort aussi, on va pas faire la ligne Staline. Niveau 10, donc voilà. Et le dernier truc qu'on ajoute, donc attention, vraiment les gars, je fais tout pour perdre. Hein. Franchement, le mec est plus con, tu meurs. Il a vraiment envie de perdre son défi. Enfin, en vrai, non, je pense que je peux le gagner. Je ferai tomber l'Angleterre, c'est-à-dire que quand l'Allemagne aura envahi la France, on fera débarquer l'Allemagne en Angleterre, comme ça, ils pètent les alliés et ça sera vraiment un 1v1.
Contrôle Fureur, les gars. Êtes-vous prêts à affronter le H? Ah, mais il faut que j'achète des beats. Je vais demander à mes parents. Non, 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 t'inquiète. Non, non, non. Si t'es mineur, demande pas à tes parents. T'inquiète pas. C'est bon, t'inquiète pas. Juste ta présence, Ludivine, ça soutient. Vous inquiétez pas. Tout ce qui est don, c'est vraiment facultatif, les gars. Comme Sarge en 41. Non, mais ça va pas. Sarge, pour les prios, tu as les prios de purge qui nécessitent d'attendre 170 jours. Et quand tu finis le prio, attends un jour après pour la preuve que tu gagnes du temps sur les autres. Purge. Ouais, faudra faire vite. Sarge a des envies de se suicider. Sarge, tu as annexé en 42. T'avais gagné live à Axe 300%, je crois. La Finlande va te taper. Oui, merde. Guerre d'hiver. Le père. On se méfie, hein. Bon, est-ce qu'un petit modo peut nous faire le sondage qui gagne le match, Allemagne ou URSS? Après, bon, après c'est en élite, hein. Ben, en fait, clairement, ce qui me fait chier, c'est le moins 25 de recherche. Ça, c'est chiant, vous voyez, ça, c'est... Je te déconseille de laisser l'axe contre toi qui sera seul. Nous, les gars, on aime le défi. Nous, ouais, en fait, nous, on prend la sauce samouraï, la sauce algérienne. On prend pas la mayonnaise, nous. En vrai, de vrai... Là, par contre, ça pique les fesses. 266 jours pour avoir une brique. Ah ! Vitesse de construction, je suis pas ralenti. Ben non, pensez bien. En vrai, ça va, les gars. Vous savez ce qui définit un bon soviétique ? La capacité à construire. Ok, très bien. Pardon. On va bâtir un monde. Axe free win. L'allemand, sûrement. En vrai, de vrai, les gars, vous auriez tort de sous-estimer mon niveau. En vrai, de vrai, je dirais que j'ai 60% de chance de gagner. Parce que, en vrai, ouais, le truc qui a le plus me saoulé, c'est que je peux pas faire de ligne de repli. C'est-à-dire, je vais reculer. Ce qui serait bien, c'est qu'on recule maximum jusqu'à Moscou, pas plus loin. Plus le front va s'élargir, plus l'allemand peinera à avancer. Hey Sarge, comment vas-tu? Ça va et toi, Irona? En gros, quand tu finis une prio, le jeu te bloque à la suite des purges, mais si t'attends un jour, tu pourras. Un seul jour? Le Japon va attaquer en 45, oublie pas. Il est confiant, Sarge. T'as pas intérêt à nous décevoir. Les Kaiser, t'ai-je déjà déçu dans la vie? Ouais, les gars, la petite astuce, comment réussir son build avec l'URSS? Vous trouvez les zones les plus industrialisées. Hop, 80, on met une route. Usine. 80, route. Usine. Là, je crois que je peux pas construire ici. Ouais, c'est un gros piège, Leningrad. 80, route. Usine. Ah mais les gars, ça sort le build là, on va sortir le build. Faut bien regarder aussi les emplacements de construction, vous voyez là, genre là on peut construire 4, là on peut construire 6, oui. C'est mal à la technique. En fait, route, usine. Là on fait que du civil. Nous n'avons pas vocation à faire la guerre, les gars, on est communistes, on est pacifistes, ça rime. Stratégie tard, je me fais rouler dessus jusqu'à Moscou, puis on avance. Puis on avise, parce que c'est vrai que avant d'avancer, il convient d'aviser. Non, ça c'est clairement vrai. Voilà, Marina, Kazmichar, let's go, c'est parti. La tryhard de... Kazmichar, Marina, maintenant. Mais c'est pas possible. Marina qui nous remet tout sur la table. Marina qui passe à 150 000 chers en fer, let's go. Mais non, what the fuck, mais... Voilà, ça c'est... Vive la bière, t'as la référence d'Adamo. Merci beaucoup le chat. Des GG pour Miss Marina qui vient de nous offrir 15 000, je veux dire 150 000 chers. Hein. 15 000 chers d'un coup. Non mais t'as eu la prime de Noël cette année, Marina, ou c'est comment? Ça y est, elle nous a repété le train de la hype là, mais what the fuck. Et il y a quelqu'un qui a suivi, c'est Alpha qui suit avec 100 chers. DGG également pour Monsieur Alpha. Marina, 15 000 chers qui viennent d'arriver. Alpha, 100 chers qui viennent d'arriver. Aïe, aïe, aïe. Et je reprends à l'esprit un virement de Poutine pour construire des chars. En plus, t'as vu Marina, je l'ai pas dit, mais les deux gros tryharders URSS, c'est VDC et Marina parce qu'ils font des builds. Ils arrivent à 200 usines civiles en 38. Je sais pas comment ils font là. Ça tryhard l'URSS. Non, mais... Il y en a en fait. Je vais spoiler un truc. Sur la Shoei 4, il y en a leur kiff. C'est pas de faire la guerre. C'est pas d'envahir des pays. C'est d'avoir le plus d'usines possible. C'est de faire le meilleur build possible. Et qu'est-ce qui va pas dans mon plan, la Marina? T'es pas pour l'industrialisation de Moscou? Moscou n'est pas à ta convenance? Des soviétiques certifiés. Sarge, rends-toi compte de ce qu'il va t'arriver. On me dit pareil tous les jours, les gars. On m'a dit pareil quand j'ai commencé YouTube. Hein. Je rigole. Allez, les gars. Déjà, on va suivre la voie de Lénine. Tous derrière l'Oural. Ah, non, mais en vrai, de vrai, zéro van. Si je pouvais faire une ligne de repli, les gars, moi, clairement, je me mets... Moi, je campe. Et c'est où me...
Tout Kiev. Ah, c'est là. Moi, clairement, je campe derrière mon fleuve. Hein, mais moi, j'installe les tentes derrière la rivière, mais là, on peut pas. Bon, c'est pas grave. D'abord, je vais faire un truc, les gars. On va vendre sur eBay nos armes. On va produire du matériel qu'on va vendre. On fera des petites pièces. Ok. Non, en vrai de vrai, les gars. On va pas se mentir. L'allemand. Voilà. C'est du déjà vu. On va pas. En vrai, je suis le mec confiant, mais. Il y a quelqu'un qui va moins assumer dans 3 heures. Je vais dire Mais non, c'est pas possible. Alors là, vraiment, c'est pas une blague. Il convient de faire de l'anti-aérien parce que l'autre, il va nous envoyer ses. Des saloperies. Il te faut des chars légers, beaucoup de chars légers au début pour les vendre ou parce que le BT-7 Oh coucou, il est pas dégueulasse en vrai. Spam de chars légers. Déjà, ça va où si on peut gagner la guerre civile en Espagne Je mets en libre-échange. Ah mais moi clairement je mets en libre-échange. Là dites-vous les gars, parce que là je fais le mec et tout, ouais ça va péter. Là dites-vous jusqu'en 41, c'est Build Simulator les gars. Là je suis chef de chantier, hop, mes donuts, mon bureau. Allez le chat, on peut parler. On se retrouve dans 3 heures pour la bataille. Là, clairement, il va rien se passer, voilà. On est soviétique, les gars. On se touche la nouille. Let's go. Je peux être ton spécialiste des blindés. T'as des plans à nous proposer. En vrai, si tu bats Franco, c'est un bon boost. C'est vrai. Hey, Tristan, bienvenue à toi. Encore une fois, le chat. Il y a quand même 15 000 chers qui viennent d'arriver. Il y a quand même plus de 10 subs qui sont arrivés depuis le début. 6 subs. Le casque, la clope et au bec. Hey, rien à foutre, moi. Oh, les clichés sur les gars du BTP, ça va pas, non. Hey, Andreas qui vient de renvoyer 5 subs. Sky, Neven, Ivno, Max et Lina qui viennent de recevoir 5 subs de Monsieur Andrea. Monsieur Andrea qui est dans le top 10 des subs offerts de la chaîne. Let's go! Merci beaucoup Andrea! Comment ça va Andrea? C'est fait, la voix du Lexis. Merci beaucoup, alors Andrea, il débarque d'un coup comme ça, c'est subtime à chaque fois aussi. Marina, Andrea, Brolac, merci beaucoup à tous. Tino aussi, Alpha, merci beaucoup. Andrea, madame, non? Andrea, ça peut être espagnol aussi, non? Ah, tu vas me faire passer pour un con là, Brolac, quand même. Monsieur Callaghan vient d'arriver. Ah, il est là, lui. Monsieur Callaghan, quand tu cries, ton micro fait un effet bizarre. Tu veux que je remette mon. Tu veux que je remette le haut-parleur, Léo? Moi, je vais bien remettre le haut-parleur, mais je sais pas. Ah merde, attendez, ouh, priorité. Le centre. Je vais me faire avoir. Ouais, c'est peut-être en fait, c'est la sécurité anti-saturation. Donc là, regardez déjà, les gars, on est sur un build. Sur un jeu en ligne, je joue la Suède et j'occupe le nord de l'Europe plus l'ouest de l'Allemagne. Ah, sur celui-là, bon courage. Non, Andrea, ça peut être les deux, genre. Ou le genre que vous voulez en vrai. Ton son sature. Ouais, en fait, c'est la sécurité Discord, je crois. Tu perds déjà du temps. Pourquoi je perds du temps? Ah oui, avec le centre. Ouais. Faut surveiller les priorités. Donc là, on mobilise l'armée, plus 5. Let's go. Ouais, faut pas. C'est vrai que niveau des priorités, faut pas perdre de temps. On va descendre par là. Faut faire les purges le plus rapidement possible. On va faire la constitution. Oui, la crise est résolue. Ok, là pour l'instant, le build il est pas trop mal. On fait du matériel qu'on va vendre sur eBay. 15 000 chers est égal à 390 euros. Non mais Marina, j'avoue, mais des. Marina, là, les subventions de la Fédération de Russie. Si mes souvenirs sont bons, t'as pas déjà joué l'URSS contre l'Allemagne c'est possible, mais pas en élite, je crois. Pas en 1v1 élite comme ça. Ok, oh putain, Staline, paranoïa. Attention, le compteur, les gars, le compteur. Faut pas que le moteur il chauffe. Tu vas faire les grandes purges. Ah bah clairement, ouais, on va purger. Hein. Voilà, tous ceux qui parlent mal dans le chat, il y a Staline qui va toquer à votre porte. Hein. Je rigole. Tu vas faire la même stratégie que dans ta vidéo à Berlin en 42 ou pas? C'est-à-dire une ligne de repli ou faire d'efforts? Là, j'ai pas le droit de faire d'efforts. Tu perds une usine et un conseiller déjà à rush avant l'apparition de la paranoïa. Ah ouais? T'aurais fait le truc des... Vous voyez? C'est comme ça qu'on reconnaît une tryhardeuse. Ah, c'est exactement comment il faut optimiser. T'aurais fait ça d'abord, l'industrie lourde? En fait, je voulais speedrun les paranoïas dès le début. Il a pas à craindre de pas attendre 171 jours. Parce que t'as trouvé un glitch pour passer les 171 jours, Léo, c'est ça? Bon, la prédiction vient de tomber, les gars. Qui va gagner entre l'URSS ou l'Allemagne? Comment ça, vous avez voté l'Allemagne, en fait? Vous allez avoir des problèmes, vous. Mince, on ne peut pas parler de ton caleçon bleu. Il est pas bleu. Si tu purges, alors c'est le slip de Staline, les gars. C'est interdit, voilà, let's go. Bon, bien. Ok, on fait le centre terroriste. Ceux qui voulaient poser une bombe chez moi, on va vous avoir. Je préfère le Tigre 2 ou l'IS-2? Ah, IS-2, c'est stylé, mais... Ça vaut pas un Tigre 2. Après, techniquement, je pense que l'IS-2 était peut-être meilleur. Hein. Bon, ouais, non, mais la vitesse de recherche, 300 jours, mais...
écrit pigeon ou quoi? Très bien. Alors là, les gars, on est à 150 de poids politique. Moi, je mets l'économie partielle. Je mets pas l'économie de guerre parce que, en fait, l'économie partielle, elle est déjà bien parce que ça. Entre économie de guerre et économie partielle, il n'y a pas de bonus sur la construction. Il y a juste un bonus sur la consommation. Donc, on a un tout petit peu plus d'usines, mais la vitesse de construction est la même. Donc, déjà, passer en partiel, ça speedrun les constructions, les gars, c'est déjà pas mal. Team Kaiser au pif. J'ai mis 3500 points pour toi, Sarge, donc faut que tu gagnes. Ah, mais je ne vous décevrai pas. Je ne vous décevrai pas, je compte bien gagner. Pour toi, quel est le pays le plus facile à abattre en URSS, entre l'URSS et les USA? Ouf. Je dirais que les URSS, l'URSS est plus simple à battre que les USA dans HOI4. Parce que USA, faut pas chier son débarquement. L'USA, les USA, faut la speedrun. Si t'attends, c'est chiant. On raconte alors que Staline porta plus de slip bleu à cause de Patrick Mar. C'est ça. Premier procès de Moscou, les gars. Eh, let's go, monsieur Fearsome qui prend son prime pour son 6e mois déjugé pour monsieur Fearsome. Bonsoir, Fearsome, comment ça va? J'ai vu que t'étais revenu sur Discord en plus. Ah, les gars, qui s'est fait purger? Ah, tiens. Ah, je vois le portrait de Brolac, il y a une croix dessus. Ah, Brolac, t'as eu la visite du KGB? Je rigole. Le pauvre, en plus, il est tout seul à s'être fait avoir, le pauvre gars, là. Bon, très bien. Pendant ce temps-là, les gars, nous allons pouvoir développer le build des usines. Hey! Au revoir, Sarge, je vais aller dormir parce que demain, je me lève à 6h30 pour aller en Bretagne. Ah, déplacement pour Noël. Merci d'être passé, en tout cas, Ludivine, bonne soirée à toi, en tout cas. Le live bug. Ah, y en a qui ont le live qui bug. Bonsoir, Nolmi. Les USA, j'ai du mal. À chaque fois, je m'embourbe. Ça doit être mes templates. Après, Barbarossa, c'est pas évident. Ouais, non, le front qui où t'arrives pas à avancer, c'est bizarre. Calcul de la conférence de paix Union soviétique devient fantôme, je dirais que c'est le monde. N'importe quoi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Enzo, comment ça va? Bon, bah, fausse alerte. Bonsoir. Vous voyez, c'est une communauté où tout le monde se dit bonsoir. Voilà, ok, donc là, on est encore en train de faire tout ce qui va être infrastructure. On est un petit peu retardé par la vitesse de recherche. En gros, les gens normaux font une nouvelle prio dès que l'ancienne est finie. Résultat, ils ont la suite bloquée alors qu'ils attendent un jour en plus. Ils auraient dépassé la limite de 70 jours de déblocage pour la pure suivante. Mais c'est pas 170 jours à partir du jour où t'as fini la première purge. Et regarde. Là, j'ai fait ma purge. Le centre, tu vois, là, je suis obligé d'attendre à partir de cette priorité-là, je crois bien, non? Espagne. Ah, merde! Oups! Non mais tu peux pas me prévenir plus tôt, Kirito. T'avais un truc à dire dans le live, c'est que maintenant que tu te réveilles en fait. Bon, oui, en effet. Attends, vous me dites rien hein, en fait. Vraiment les gars, à quoi ça sert d'avoir un KGB si personne ne m'informe? Bon, bien, bon. Certes. Très bien, pour la peine vous partez tous en Espagne. Comment ça MDR? Je rigole. T'sais, le mec tu l'aides, il est quand même de mauvaise foi. Bon, on va envoyer Kirill. Kirill c'est un bon russe. On va envoyer des volontaires. Division. Allez, je l'avais dit dès le début. Ah ouais? Merde. Bon, bah excusez-moi les gars, autant pour moi. Il est un socialiste comme les autres après tout. Stan connaît parfaitement la démocratie. C'est une conception revisitée. C'est ce qu'il faut se projeter si vous voulez. L'Espagne, débrouille-toi, j'arrive dans 7999 000 jours. Ah là là, je pense que je vais saboter ton pays alors. Ah merde. Bon les gars, tuto très simple. Comment speedrun la guerre d'Espagne en deux étapes? Alors il y a deux possibilités, soit on prend la route difficile qui consiste à couper en deux, soit on prend la route un peu plus touristique qui consiste à couper ici. On va opter pour la route touristique, on va pas prendre trop de risques, on est en élite. Ça arrive. Putain mais ils déplacent les gros ports ou quoi là? Ok normalement les gars, je dis pas qu'on va la gagner mais wesh, déplacez-vous bande de larves. Ils ont mangé trop de burgers. Quand on a les infrastructures, faut vraiment pas perdre de temps sur les priorités. Ok. Là, ce qu'on va faire très important, c'est les problèmes de l'intérieur pour la stabilité et le poids politique. Ça fait beaucoup de poids politique en très peu de temps. Comment speedrun avec l'axe boosté? Ouais, par contre, on en parle qui. Mes unités là, ça mouline. Hein. En plus, j'ai même pas envoyé mes avions, c'est malin ça. Ok, on va prendre deux escadrilles. Vous et vous. Voilà. Allez. Go faire de l'XP. Je suis le seul à être démocratique. Démocratique parti en URSS ou. Bon courage. Hein. En plus, les gars, vous avez vu, c'est bientôt les élections en Russie. Hein. C'est quoi votre pronostic pour les élections russes? Est-ce que Poutine va être réélu? On sait pas.
Ok, ça c'est fait, c'est fait. Putain, mais tout prend 200 jours, c'est insupportable. Faire avec, hein. Bonsoir Sarge, bonsoir tout le monde, joyeux Noël tout le monde. Hey, bonsoir Général NB, joyeux Noël à toi. Guerre civile russe, frère. T'as sûrement des malus pour ton armée. Ah, peut-être, c'est pour ça que j'ai joué aussi lentement. Ok, là on est en train de faire l'XP. Ok, donc dites-vous hein, que le but c'est vraiment d'encercler. Je dis au pif, mais Poutine. 99 Poutine est élu démocratiquement. On va voir. Pas de conclusion, les gars. Faut attendre. Ok, donc là, vous voyez le problème de l'intérieur, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Amiral accusé de trahison. Franchement, s'il y a bien des gens qu'il faut purger en URSS, c'est les amiraux, parce que c'est ce qu'on sert le moins. Hop! Salut, Sergueï! Ouais, tu nous diras s'il fait chaud au goulag. Très bien, là, j'ai du poids politique. On bascule dans du libre-échange. On veut optimiser la vitesse de construction, les gars. Libre-échange, on est pour. Le naval, tu t'en fiches, hein, mais vraiment. Oh oui, c'est le S. Petite surprise, victoire du P avec 80%. Victoire du P. Eh, les gars, je suis donné gagnant pour la prédiction, là, ça y est. Hein. Si, vous avez retrouvé confiance en moi. Ok, est-ce que je peux continuer mes purges, moi? Trotsky, il faut quoi? Encore 70 jours? Eh ben, on va faire. La nouvelle soviétique, ça fait du poids politique et ça fait la stabilité. Il faut de la stabilité en URSS, c'est très bien. Vous avez déjà mangé en Afrique? Mangé en Afrique, mais Katushia. Ce sera pour la guerre. Salut le petit Pierre, direct au camp de... On est en URSS, c'est le goulag aujourd'hui, t'es pas dans le thème toi. On va encore manger de la poutine pendant des années. Ah, c'est canadien ça. Bon par contre, on en parle que je devais percer, mais c'est eux qui m'attaquent en fait. Enfin, la guerre en Espagne... Ah quoi hein. Non, je suis spécialisé dans plein de choses en URSS. Et le 1% en plus, c'est moi qui l'ai mis. Bravo, bravo, bravo. Combien de temps? Bon, on va attendre. On va attendre pour la pour se débarrasser de Trotsky là. Bon, ils veulent pas arrêter d'attaquer ces gens-là, ces personnages. Ah putain, mais je peux percer un jour ou je suis un pot de fleurs? Putain, mais je sers à rien. D'accord, attends déjà en plus. Retournez là vous. Putain, mais le mec il spam pour pas que je joue en fait, c'est drôle ça. Ok, on va attendre encore 10 jours. Ça sent la victoire de l'Axe en Espagne, très clairement. Ouais, ça sent le nationalisme là-bas. Ouais. As-tu la strat pour la ligne de défense? En fait, j'ai pas le droit de faire une ligne de défense, c'est ça qui pose problème. Je suis obligé de maintenir ma ligne. Mais la seule strat que je pourrais vous donner, les gars, pour gagner avec l'URSS contre l'Allemagne, pour tous ceux qui galèrent un peu avec Barbarossa, dites-moi les experts si vous validez l'aviation. Contre un bot, si vous avez la supériorité aérienne, normalement, on devrait le contenir. Et surtout, faites pas des templates lourdes. Le russe, faites des templates genre légères. Un truc vraiment maximum. Ça, au niveau de la template pour un russe, c'est largement suffisant. Vraiment pas besoin d'aller plus loin. Parce que le but, c'est de spam des divisions avec le russe. Et déjà, si vous avez ça, normalement, vous avez un début qui est pas trop mal. C'est cliquer sur une case derrière les Espagnols. Non, le lance-roquette, c'est OP. Le lance-roquette. Tu as le droit de faire des coups d'état communistes en France. Ouais. C'est très vicieux comme plan. J'ai enfin trouvé comment voter pour les prédictions Sarge France, Sarge Bioscience. Bravo. Bon, par contre, on en parle que la guerre d'Espagne, j'ai toujours pas joué d'une case. Hein. Voilà. En tout cas, c'est un farm à XP le truc, mais... merde. Putain, j'ai oublié Trotsky. Trotsky! Tu veux moi? Qui va nous attraper Trotsky? Qui a son épuisette pour attraper Trotsky, là? Début de guerre, lourd, fin léger. En fait, je suis un pot de fleurs. Bonjour, je suis lourd. Ah, j'ai du poids politique. Capitale d'industrie. Usine civile plus 10%. Nikolai? Non. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et là, le build, il est pas trop mal pour l'instant. Marina, le build, tu valides ou pas? Ou c'est chaotique? À tous les coups, elle va me dire c'est de la merde. Cobra vient d'arriver. Bonsoir, monsieur Cobra. Un coup d'état en France. Non, mais Cobra, les gars, parlons-en. On va parler de Cobra ce soir. Cobra qui avait mis 40 000 points. Déjà, c'est énorme. 40 000 points dans le dernier live. Même pas pour moi. Contre moi. Il a vendu son frère. 40 000 points contre moi. Et il les a perdus en plus. Mais ça, c'est le karma. C'est le karma. Faut le retrouver au Mexique avec Frida Kahlo. Bonsoir, bonsoir, Nezu, comment tu vas? Joukov qui se fait purger par la suite. Ah non, la protéine, vraiment, c'est Naxel Tanou, tout va. Vous me trollez, les gars. Très bien, dictature prolétaire. Voilà, je vais vous écrire un article. Bientôt, ouais, ça va bien. Merci de passer en live, ça fait plaisir. Il est réaliste, mais il est pas réaliste, il est fou. T'as pas honte de jouer les communistes? Enfin, on sait très bien que tu les soutiens, indirectement.
Ça serait cool que je puisse attaquer une fois dans ma vie en Espagne. C'est de la merde, d'accord. Cobra a raison, mais ça va pas, non. Cobra, tu comptes te refaire une santé économique en me soutenant ce soir ou... Ne résistez pas les gars, la prédiction, il reste la moitié du temps pour voter. La République, c'est Sarge, exactement. Le son, il est bon, les gars, le son du jeu et le son de ma voix, c'est bien réglé. Je peux gérer les goulags, les recherches blindées. Les goulags et les recherches blindées, ça c'est... La politique soviétique, dans les coups d'état, le NKVD, assassiné la propagande, relations diplomatiques entre pays européens... En fait, tu fais clairement tout, toi. Entraînement d'infanterie, artillerie. Ah bah oui, bah, t'es polyvalent. Tu devrais attaquer les unités adverses. Fais un vote du chat pour ou contre le coup d'état en France. Ils vont tous me dire non. Son, ok. Très bien. On a des ingénieurs du son, voilà, quand, franchement, on a toute une équipe, comme t'as vu. Invite ton pote Mao. Bon, les gars, j'aimerais bien percer au niveau de Cordoue, là. On va tenter une chinoiserie. Il peut arrêter de me spam comme un porte. Je suis malin, moi. Je suis malin. Et de Tutus qui envoie les centchers pour survivre face aux purges. Merci pour les centchers en plus de Tutus. DGG le chat pour Monsieur Tutus qui renvoie centchers. Non, mais vous allez nous lancer trois trains de la hype ce soir. Avec ton infanterie, attaque en cliquant derrière les Espagnols. En cliquant. En fait, le jeu m'a dit va te faire foutre. Mais c'est un spam, le Franco il est en mode... Franco il transpire derrière son PC, y a pas à jouer comme ça, ça va pas. Tiens, alors Franco, ah ah ! Le conseil d'Aragon. J'espère que tu vas perdre, et voilà. Voilà, tryharder allemand qui ramène les blindés. De gros porc, va. Putain, il est chauffé l'allemand, putain, c'est un joueur du chat. T'as un mec du chat, 10 minutes pour la prédiction. La case derrière le leurre, Mekatushia, la case derrière le leurre. La case derrière le leurre. Alors du coup, ça n'a pas marché. Ah, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Complot chez les fonctionnaires. Gain de poids politique, moins 10%. Vitesse de construction, moins 10%, mais ça va pas, non? Bon, alors j'ai besoin des fonctionnaires, tiens. Ah, ça a marché. Ah oui, Mered R3, marche soviétique, ils sont forts ces germains. Putain, son vieux Panzer 2, on va l'encercler lui. Ok, donc là on a fait la dictature prolétaire. Pour l'instant les gars, le build, vous le validez ou pas? Là ce qu'il faut faire c'est l'agit propre pour les affiches de propagande, ça va être très utile pour la suite. Recherche, c'est... Sarge STPMB Katusha. T'aimais pas la musique soviétique ou... Cette guerre me fait penser aux tranchées, très clairement. Vas-y, je vais vous mettre Katusha. Vitesse de construction. Dans environ 5 minutes, on saura si tu pourras faire le coup d'état en France. Oui, pas mal. Pierre, fais gaffe, père face au Reich. Non. Ah ouais. Bon, où est Miss Katusha? Allo. C'est où ça? C'est où? Le MP3 Seconde Guerre mondiale, les gars. Alors. Ils ont désorganisé les musiques depuis la dernière mise à jour. Elle est où ma playlist, là, en fait? Putain, mais déjà la dernière fois j'avais galéré. Ah, ok, ils ont changé de nom, c'est Katusha. Petite musique, les gars. Attention, augmentez vos décibels. Il nous faut de la musique soviétique pour qu'on te soutienne pleinement. Ah, ouais, là t'es pas dans l'ambiance en fait. Ok, let's go. C'est parfait. Et en avant. Faut savoir que pour l'exposition universelle en France, les bâtiments de l'URSS et l'Allemagne étaient en face. Les Français voyaient déjà l'avenir. C'est vrai. Le NKVD, on l'a déjà, le NKVD, il est là, c'est lui, là, Guerink. Tu vas très bien, on n'entend rien. C'est vrai que c'est le début de la musique, il faut que l'instru, elle augmente, les gars. Mise à l'abri de l'or en Espagne, let's go, c'est parfait. Ok, ça c'est fait. On fait tout ce qui est industriel. Pour l'instant, on a 63 usines civiles. Encore un marin, mais pourquoi? On purge que les marins, ici. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Vladimir, qu'est-ce qu'il a? Allez, au revoir. Bon bah la marine, les gars, il n'y aura plus personne. Let's go, c'est parti. On fait le build, pour l'instant ça va, que des unes civiles, hein. Franchement que des unes civiles. Surveille la paranoïa. Bah là en fait on l'a réduit donc ça va. Shanghai échec. Nous avons encore besoin de lui. Non, pas tuer Shanghai échec nous. Oui, mon Espagne sociodémocrate est morte. Mais non, ils vont bien, moi j'ai juste fait aucune percée, bon tant pis, au pire... Tu as vu qu'il y a un nouveau Luffy HE4? Un nouveau Luffy HE4? C'est quoi un Luffy?
Ok, Shang-Chi, front uni chinois. Ah voilà, les gars, très important, les affiches de propagande. Et on prend tout le temps la même, la moisson sera bonne. Moins 15% d'usines de consommation, c'est génial. À mon avis, c'est ce que tous les tryharders russes y font à chaque fois pour gagner des usines. Regardez là, on va gagner encore des usines de consommation, ça c'est parfait. Parfait. La marine, tu les fous droit pendant les purges, il n'y a plus besoin avec l'URSS, clairement. Qu'est-ce qu'ils ont, l'école militaire ? Vitesse, rien max. Franchement, ça peut réduire la paranoïa, les gars. On va vraiment calmer Staline. Inspecter la marine. Non, mais la marine... On a assez inspecté, je crois. Ok, je peux pas faire le complot militaire, non. Donc là, qu'est-ce que faire ? Propagande collectiviste. Héroïsme positif. Je peux pas finir le plan quinquennal ? Non. Je sais pas trop comment on peut faire pour gagner des usines, là. Ah oui, collectivisme. Déjà, on va faire ça. Socialisme, allez. Ok. Ah, parce qu'il y a des tryharders russes. Ah, clairement, sur le Discord, il y a des très gros tryharders russes. Allez voir VDC, les gars. Il va vous apprendre ce que c'est que le tryhard russe. Il va vous apprendre ce que c'est. En fait, VDC, lui, il est heureux que quand toute l'URSS c'est bleu parce qu'il a fait des usines de partout. Mais il a raison, hein, clairement. C'est comme ça que tu vois qu'un pays, il est vraiment bien joué. Quand ton pays, il devient bleu de partout. Mais bon, avec l'URSS... Faut y laisser le temps. Alors, je joue les Russes, mais je joue mal l'URSS. Bon, bah, même moi, je suis pas un expert. Hein. Tiens, bah, le mec du KVD, dehors. Hop là, y'a plus de paranoïa. Ah, parce qu'il y a des joueurs URSS, vote. Qui va gagner? Ah, c'est bientôt la fin du vote. Sergef, tu as l'intention de faire des coups d'État en France. Ah ouais, mais là, les gars, coups d'État, ça va me demander de l'espionnage, et là, ça nous baiserait le bulle de civil. Hein. Et vraiment, c'est la crise, et encore, en tous les cas, la France, ça va tomber, donc... T'as créé un bureau d'espionnage, d'améliorer le max, comme ça, T'es meurt au Mexique. Ah oui, non, mais T'es meurt grâce aux priorités, ça va aller très vite, lui, c'est ça qui est bien. Ok. Les purges, on peut toujours pas. Dans 7 jours, je peux faire les purges, on va attendre un petit peu. Ok, go. L'espionnage avec l'URSS, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ah ouais, vous jouez beaucoup l'espionnage avec l'URSS ? Oui, traité germano-soviétique. Ok, donc là, on est en train de finir les trucs des purges. Ça, c'est parfait. Mais à part VDC qui joue bien ce pays, tu as le choix entre les terres biélorusses ou... Mais à part VDC qui le joue bien ce pays, tu as le choix entre les terres biélorusses et les pignouf, donc bof. Zero One, Marina joue super bien l'URSS. J'ai fait une game avec Marina, était monté à 200 civils et je sais pas combien de militaires, D41. Ils ont joué avec les techniques, les affiches de propagande, les déplacements d'usines, je sais pas quoi. J'ai pas ce niveau-là, hein. Zero One, moi niveau build sur HV4, je suis pas très bon. Je dirais que je suis peut-être plus fort en tactique qu'en construction. Moi les gars, je suis pas Bob le bricoleur. Hein. Ah non. Allez, là je refais des usines. Ah non, niveau build, il y en a vraiment qui maîtrisent à la perfection le coup. Hein. Les espions russes, ils sont forts. Oui, vas-y, allez, fais-moi des usines, toi encore. Parti. Tu joues contre un bot. Oui. Coup d'état. Sarge, fort en tactique, bah oui, bah logique, Matka, en fait, je te dis tactique, tu penses à Sarge le chef, en fait, c'est pour ça. Hein. Coup d'état en France. Mais les gars, je vais pas faire un coup d'état en France, c'est absurde, ça va me demander beaucoup de temps et beaucoup d'espions. Ok. On a refait la purge. Et là, maintenant, on s'occupe de Trotsky. Par contre, les gars, on est vraiment bien parce qu'on va enlever les purges très rapidement dès le départ. Commence à préparer. Mais pourquoi vous voulez que je fasse un coup d'état en France, les gars? Ça n'a aucun intérêt de faire un coup d'état en France, sachant que la France va tomber en 40 à cause de l'Allemagne. Ça me sert à quoi? C'est pour avoir un double front contre l'Allemagne? Je le tiendrai pas. Hein. Je peux pas, en 40, moi, je peux pas être en guerre contre l'Allemagne. C'est inconcevable. Les gars, franchement, tout ce qui est allié, c'est mort. On pourra pas les tenir. Hein. On pourra pas les tenir. Coup d'état en Italie, ça, à la limite, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Coup d'état au Venezuela. Oui. Oui, aussi l'Iran. En notre sphère d'influence, le communisme doit se répandre. Ne vous inquiétez pas, les gars. Avec l'URSS, vous voyez Staline à son vieil âge. Il faut jouer pépère. Les écoute pas, Serge, ils veulent ta défaite. De ouf, ils veulent qu'on perde nos usines, amis. Le chat, il est vicieux, hein. Le chat, il est très, très vicieux. Ok. On n'a plus qu'à attendre 175 jours. En attendant, faire le collectivisme, ça ferait des usines, je crois bien. Allez, que de la moisson et du collectivisme, les gars. Revendique les Pays-Bas dès que tu n'as pas la paranoïa. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, pour gagner les usines, ça c'est pas mal. Nous, on rentre. Putain, les gars, mon poids politique. Il me faut clairement le mec qui va faire Xperian, celui qui fait 200. Alors lui, les gars, Alexandre Novikov. Oh, mais cet homme. On l'appelle Zeus.
incroyable l'XP aérienne qu'il va nous faire. Il faudrait aussi l'XP terrestre, c'est bon. J'utiliserais plus le terme réaliste. Ah, mais non. Franchement, les gars, désolé, hein. C'est pas pour être prétentieux, mais le bulle, pour l'instant, il est plutôt bien. En vrai de vrai, il est plutôt bien. Ça va. Il est très très propre. Ok. Il se passe quoi si ta paranoïa elle est trop haute? En fait, quand ta paranoïa elle est trop haute, et au niveau des purges, tu perds masse de personnes en plus. Et si vraiment elle est trop haute, je sais pas si tu peux te taper une guerre civile, mais en tout cas, c'est vraiment pas bon pour les purges. Laissons Sarge gasser son pépé dans l'aviation claquée russe. Hé hey Léo, j'allais te proposer un poste pour devenir pilote dans l'aviation russe. Ne pas soutenir Pierre le dromadaire. Non, mais tu vas nous faire des affiches de propagande. Vous savez quelle est la région la moins peuplée d'Ashoi 4? C'est les îles Kerguelen et tout, là. Je crois que c'est une île qui est par ici. Kerguelen, ils sont 96. Ils sont 2000. Ils sont 30, voilà, Géorgie du Sud, 30 personnes. Géorgie du Sud. Oui, une guerre civile, c'est trop. Ah, il y a quand même une guerre civile, c'est trop. Ok, bon. On est à plus de 72 usines civiles. C'est pas trop mal. J'ai claqué le PIB du Qatar. Quoi, Camille? Oh, 200 000 points sur l'Allemagne. What? Wow, le Chrome, t'as mis un tapis. Oh les gars, il reste très peu de temps pour la prédiction. Il y a des points à se faire ce soir. 157 000 contre 239 000 points. Les gars, il y a du bulletin. Je vois la prédiction qui augmente. Oh, allez, fini. Ah bah voilà. Ah, dehors tout le monde. Let's go. Je te conseille de ne pas oublier les réseaux d'espionnage complètement forts avec l'URSS. Et surtout que pour tuer Trotsky, ça va être pas mal en fait. Je peux le tuer Trotsky ou pas? Je peux tuer Trotsky, en effet. Donc là, les gars, autant pour moi. On va créer le NKVD et on va aller rendre visite à tonton Trotsky. Le fou, celui qui a mis 200K. Je crois que c'est, il a dû y avoir un 50K qui est tombé ou un truc comme ça peut-être. Ok, nous on a fait tout ce qui est industriel, c'est pas trop mal. Le caoutchouc, en vrai de vrai, il faut y penser avec l'URSS, c'est assez important pour la suite, donc je vais pas tarder à rechercher le caoutchouc. Et il me faudrait quoi d'autre, moi? L'aviation, il va falloir l'aviation. Antichar aussi. Bon, on va déjà prendre la vitesse de recherche, étant donné qu'on a que des malus. Serge, cherche as-tu, je crois, il y a 12 personnes. As-tu? personnes. Ah oui, ah, c'est la plus petite région, il y a 20 habitants à Atu. Ça sent Cobra qui a voté contre Sarge. Non mais je crois que Cobra, ça y est, il est ruiné maintenant. Ok, let's go. Le build. Ok les gars, on est pas mal. C'est pour les... Allez, on va faire les ressources. Allez les gars, ici c'est tout pour la construction, mais regardez, 200 jours, on perd un temps fou. On est déjà en 38. Ah. Ok, on a la polyburte là, etc. Excellent. On fait le collectivisme, les gars! Des fermes collectives! Franchement, si ça vous donne pas envie, ça, pour Noël, je comprends pas. On a le NKVD, très bien. On va pouvoir mettre un espion. Allô? Non, 28 jours. Ok, dès qu'on peut, on va chez l'âne trop. On va aller faire une surprise. Tout ce qu'on charge les dromadaires. Oh. Sarge, tu sais faire la danse russe, bien sûr. Mais je suis russe. Non, Encore lui! Putain, mais la marine, c'est pas possible! Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Allez, dehors, encore un marin. Putain, mais il n'y a plus de marin dans ce pays. Ah, très bien. Là, les gars, on reprend vite. Merde, elle est pas revenue, mon affiche de propagande. La moisson sera bonne. SVP revient. Sarge Fantoche, la Turquie, la Roumanie. Ouais, ça, c'est la strat. Au début, Roumanie-Turquie, ça donne un avantage. Mais vas-y, je voulais la faire en historique. N'oubliez pas, les gars, quand l'Allemagne a battu la France, je la fais débarquer en Angleterre. Comme ça, normalement, ça sera vraiment du 1 contre 1. Belek de la marine en URSS, go la purger. Ah, mais vraiment... En fait, fallait pas être marin en 37, les gars, en Russie, en tout cas. Conspiration à l'école militaire. Putain, mais c'est chiant, ces trucs-là. Attends. D'abord, je prends mon conseiller. T'es malheureux. Voilà. Et maintenant, je dis non. C'est bon, les gars, on a des conseillers de l'expérience. Et regardez, comme on est encore plus malin que la moyenne, on prend la baïonnette au clair pour encore plus d'expérience, et là, comme on est encore plus malin que la moyenne, l'esprit indépendant, et voilà. Et là, les gars, on gagne full expérience, on aura l'expérience russe. Laissons les marins tranquilles, merci. Ah ben, je sais pas, je crois ils ont dû dire un truc qui plaît pas à Staline, mais... Putain, on a eu trois fois de suite trois marins. Je crois que Staline ne savait pas nager. Ok, pourquoi la Finlande est démilitarisée? Parce qu'ils savent qu'on va les envahir. Moins par moins, ça fait plus avec toi, Sarge, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Campagne de sabotage aérienne. Gain d'expérience aérienne, moins 20%. Oh, mais ils nous font chier, mais...
La paranoïa, on est comment? Et bah tant pis, je gagnerai moins d'expérience aérienne, tant pis. Voilà, je vais me faire foutre. Ok, on fait du collectivisme, les gars. En vrai, c'est intéressant de se demander ce qui serait passé si les US avaient voulu considérer la France comme un pays vaincu et De Gaulle l'aurait supporté. Ah bah, de base, les Français, c'était pas à la conférence de paix de la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est De Gaulle qui a insisté pour y être. Hey, monsieur le ministre de la Croissance, monsieur Abaddon Honor, bonsoir, bien le bonjour. Comment ça va, Abaddon? Bonsoir à toi, 10e mois d'abonnement. Recrute tes espions. Ah oui, mes espions. Ok, on finit avec les purges déjà. Let's go. Et maintenant, on prend. Moi, je prends toujours les. C'est, je crois que c'est lui, l'assassin de Strosky. Je prends à chaque fois lui et lui. Ok, les gars. On va préparer un sale coup contre Trotsky, un petit réseau d'espionnage. La Black Legio est parmi nous. Comment allez-vous tous? Ça va et toi, monsieur Abaddon? Prêt pour Noël? Ok. D'ailleurs, les gars, j'avoue, je vous ai même pas posé la question, là. Vous avez commandé quoi pour Noël? Sans me dire des conneries, SVP. C'est quoi, là, votre cadeau phare pour Noël cette année? Vous avez demandé une petite dédicace de Serge Lechesse. Je rigole. Moi, en vrai, je vous jure, du W40K. Du W40K, c'est quoi, ça? Noël, connaît pas. À Laïd, tu demandes des cadeaux ou pas, Dadamo? Roosevelt considérait De Gaulle comme un dictateur. Ouais, de base, Roosevelt, il voulait un autre Français au pouvoir. Une victoire des Sarges. 36 euros la dédicace. Les Soviétiques au pays des tacos. J'ai rien demandé. Du talent. Non, oh, ouais, ça y est. Eh, hey, y en a pas un qui est capable d'être sérieux. On est combien? On est 144 dans le live. Y en a pas un qui est capable d'être sérieux, même pour Noël. Mon cadeau de Noël, c'est d'offrir des cadeaux aux autres. Oh, meilleure réponse ever. Meilleure réponse ever, Alpha. Olé! Mais non! Mais Andrea qui rentre 5 subs! Andrea qui nous fait les 10 subs ce soir! Let's go, monsieur Andrea! Et 2 GG pour monsieur Andrea qui renvoie 5 subs! Non mais Andrea, depuis le temps que je te propose le t-shirt de la chaîne avec tous les subs là, il faut que tu reviennes sur Discord! Encore bravo, monsieur Andrea! 2 GG à toi! Attends, mais en tout, Andrea, il a fait combien de subs? Wesh, monsieur Andrea! Andrea qui a fait en tout 66 subs depuis qu'il est sur Twitch! Merci beaucoup, Andrea, ça fait plaisir! Moi, j'ai fait Noël le 7 janvier. Ah, toi t'es orthodoxe, Milan, non? Milan. J'aimerais avoir un Shoei 4. Ah bah voilà, ça c'est un beau cadeau de Noël. Moi, c'est un anniversaire que j'attends et pas Noël. Moi, je vous jure, je préfère Noël que mon anniversaire. Quoi? Réformateur de l'économie. Réformateur de l'économie? Qui? Vitesse de recherche plus 5. Ah non. Lui, il va rester avec moi, on en a besoin. Tu vas jouer 4. Andrea qui est... Andrea, OZF, mon anniversaire, c'est vendredi, donc voilà MDR. Après, un petit peu final, je veux de la thune pour acheter plus de figurines Warhammer 40K. On kiffe ça, les figurines. Encore des GG, monsieur Titus, sans chair, tout ce qu'on veut pour Noël, c'est toi. Allez! All I want for Christmas is you. Ben oui! J'ai la rêve, les gars, franchement, un petit sarge sous le sapin. Je vous avais un petit message pour Noël là. Let's go, merci beaucoup. Horrible, non mais Vafun, je sais que c'est ton cadeau en fait inespéré, tu vois, depuis longtemps, mais bon voilà, après pas de soucis, hein. Merci beaucoup en tout cas, Titi, ça fait plaisir. Pourquoi quand il y a des chairs, il y a des images de meufs? J'ai jamais compris. C'est commercial. Je rigole. Non mais parce que c'est en fait c'est Sally qui gère les bots. La voix que vous entendez à chaque fois qu'il y a des dons, c'est Sally. Et il fallait mettre une image de Sally, donc bah pour votre ski. Ah bah non, t'as pas un nom à jouer loyaliste. Je connais pas. Vive Sally. Ah et voilà que toi tu comprends. USS Elite plus Axe full boosté et UK qui se prendra un débarqueur en Allemagne, que Serge va faire un V5 complet. Voter contre, c'est gagné. C'est pas gagné. Mais non, mais Brolac qui offre 10 abonnements à la communauté. Musique d'Halloween pour Noël. Oh. The music. Mais wesh, il nous a refait trop d'un coup là, Brolac, il est reparti. Ouais. The ambiance. Est-ce que vous voulez que je lise des noms avec le micro? Masti, Yastix, Well, Météo, Le Boss, Neven, Erwan, Boss, Gogo, Bigstem, 10 subs offerts de la part de monsieur Brolac, DGG, ça fait plaisir. Non mais Brolac qui nous renvoie 10 subs d'un coup. Andreas, Brolac, mais merci beaucoup les gars. On peut plus voter, ça y est là. Serge, écoute-moi, fais du civil jusqu'en 40. Après, est-ce que tu fais un peu de raffinerie pour le synthétique? Pour l'instant, on a 83. Moi, je vous dis les gars, un bon build. C'est pas possible. Rezzo, Doc, The NSG, Ludivine et Graphics qui reçoivent 5 autres subs avant Noël. Non mais en fait c'est le Noël de la chaîne, les gars, il y a eu trop de cadeaux ce soir.
DGG encore pour Andreas. Andreas qui nous fait 15 subs en une soirée, mais... Andreas, ça va pas être aussi mystérieux, tu sais. Andreas, tu peux t'exprimer dans le chat sans forcément envoyer des subs à chaque fois. Tu as le droit à la parole sans faire de subs, t'inquiète pas, hein, y a pas de soucis. Merci beaucoup, Andreas, en tout cas. Et Flo qui continue avec son quatrième mois de Prime. Mais c'est là, c'est Gulli Prime ce soir, je rigole. Merci beaucoup, Flo, ça fait plaisir. À la fin, il aura plus de voix, ouais, déjà, là, la voix du socialisme, elle est en PLS. Merci beaucoup, je suis pas arrivé à temps pour les prédictions, là. Et encore un marin. Mais wesh, les marins, ils se sont fait... Putain, les marins, ils se sont fait shooter. Hein. Plus jamais les marins, ils doivent toucher la vodka de Staline. Aïe, 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 on n'est pas sur Chaturbait, c'est pas obligé de payer pour parler au stream. Quoi, ça? Chaturbait? Lina, je te soupçonne de traîner dans les coins sombres du web. Je suis pas sûr, mais s'assure que sa parole soit entendue, tu m'étonnes. Sancher, GG, c'est Noël, avant Noël. À ce point-là, chaque membre de la communauté Sarge Spirit un t-shirt à l'effigie de notre grand chef Sarge le Cher. Merci beaucoup, c'est Tutus. Oui, du coup, forcément, oui. Sarge, j'ai des conseils, fais des tanks. Mais, je sais pas pourquoi. Contre un joueur, ouais, faites des grosses templates de 40-45. Mais contre un bot, pour moi, la priorité, après, peut-être que je me trompe, hein. C'est vraiment l'aviation. Le pseudo Sarge le Chef, il vient d'où? En gros, dans un jeu, t'avais un personnage qui s'appelait Sarge. Ça vient du jeu Army Men RTS. Attends, je l'ai écrit. Et le chef, il s'appelait Sarge. Et du coup, ça a donné Sarge le Chef Army Men RTS. C'est un vieux jeu de stratégie. C'est avec les petits bonhommes verts, les petits soldats en plastique. Mais c'était trop bien. Et avec un russe, normalement, tu dois faire tout char et avion. Ah, t'arrives à être vraiment polyvalent. T'as un gars chaud, Paknemto. Troisième procès de Moscou. Dehors les crasseux! Ok, très bien. On n'a même pas perdu le mec qui fait de l'industrie civile, ça c'est parfait. On a fini les purges. Ouais. Bien, 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 bien. On a fini les purges. Et bien maintenant, on va finir le plan quinquennal. On termine le plan quinquennal, les gars, après avoir tué tout le monde. On a fini de bâtir la nation. Allez, les gars, on a 85 usines civiles. Est-ce que je peux prendre la moisson sera bonne? Voilà, la moisson sera bonne. Allez! Les marins se bouffent des goulags de partout. Hein. C'est clair, ils mangent des glaçons maintenant. Quelle façon du Shanxi? Attention, le Japon il est renforcé. Hein. Le Japon il est renforcé, il va être vénère. Il va être très très vénère le Japon. Hein. Aïe. Non, bref, faut que tu aies au moins 200 civils, voire 250 si tu gères bien l'infrastructure et les focus. Ouais, voilà, mais franchement c'est ça. Hein. Un très bon russe sur HOI4, il a 250 civils avant la seconde guerre, enfin avant la guerre contre l'Allemagne. Mais moi j'arrive pas à monter à 250 civils. Hein. Moi j'ai pas le. Imaginez les gars, un jour vous allez dans un Micromania. Vous voyez un livre, le guide ultime, comment build son URSS sur HOI4. Est-ce que vous achetez le livre ou pas, en vrai de vrai? Qui achèterait le livre, le guide ultime HOI4? Le guide, il vous explique comment faire les meilleurs builds possibles, ouais. Ah, le guide HOI4, tu perds, tu meurs, ouais, clairement, moi. T'as une image de Staline. Oh, attends. Ouais, on va demander un Photoshop, là. Puis, on envoie du matos aux Anglais. Mais de toute façon, les Anglais, c'est sûr, ils ont perdu. Hein. Faut qu'ils perdent. Moi, quand t'es, il te faut le double de civil. Je l'achète pour Noël. Comment réussir son bulle d'HOI4? Pacnem, pour combien tu nous écris le guide ultime? Faut qu'il soit préassé par Abaddon, alors. Préfacé par Abaddon. Ah, d'accord. Je l'achète pour Noël. Je le lis, puis je repose le livre. Tu sais, carrément, il y a un tuto dans le livre. Ok, très bien, très important. Expert étranger, pour gagner de la vitesse de construction. Non, j'oublie pas mon pote Mao. Ouais, je vous dis, les gars, on est très focus sur l'URSS, tout ce qui se passe autour de l'URSS ne nous concerne pas. Alors ça va être très, très important. Une bonne aviation, c'est trop demandé. Moi, je fais comment perdre sur HOI4. Celui-là, je peux l'écrire aussi, en fait, t'inquiète. Faut demander à seconde personne de nous faire un Photoshop. Ouais, j'avoue. Un article là-dessus. Putain, on tient le prochain concours. Un petit livre rouge. Le guide. Le manifeste d'HOI4. LOL. Allez, go. Bien, bien, bien. Panteux, j'ai pas de marins. Bah oui, mais ils sont tous morts. Attends, on va attendre. Non. Salut Sarge, l'allemand est renforcé et élite. Oui. Ok, les gars. En vrai, on est pas trop mal. On est 161 en live. Merci à tous les donateurs. Merci aux 160 qui sont là un jour avant Noël. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Oui, franchement, les gars, c'est pour ça, en fait, je sais pas m'arrêter, parce qu'il y a toujours du monde ici. Ok, expert étranger. En fait, tu peux venir, l'expert étranger. Grosse proestroï. Go proestroï. Troï. On parle pas russe. Ok, Sergent, j'étais mis une explication du nombre de marins au goulag.
En fait, tes marins coulent dans le nord car un canal est fait mais n'est pas assez profond. Donc ils se font des entrées, j'achète le livre, voilà pourquoi il se passe par tous la case goulag. Ouais, c'est un trou dans la banquise, on va dire. Tu as du monde car c'est HOI 4. C'est vrai, bah HOI 4, c'est le produit, c'est votre type, c'est HOI 4. Ok, très bien. On a la société, les gars. Maintenant, on peut faire le troisième plan quinquennal ou pas? Non, on va d'abord faire le développement de l'Oural. Vous voyez là encore, c'est ce genre de priorité, les gars. Deux usines civiles par-ci, deux usines civiles par-là, qui va nous faire gagner. Allez, on monte à 100 usines civiles, voilà, 102 usines civiles, là c'est pas mal. Le bulle de soviétique est en train de se réaliser. Franchement, le bulle n'est pas dégueulasse, les gars. On est très content d'être là. Ok. Et l'oubli de prio aussi. Non, l'oubli de prio, là, ça va, on est à temps. Recherche aussi, on est bien. Perfecto. Le Saint-HOI 4 ou le Saint-HOI 4 ou le fait de voir Sarge rager, j'hésite un peu. En fait, c'est un mix, Enzo, tu vois, c'est un mélange des deux qui rend un cocktail agréable, tu vois. Ah, Riyad, il peut utiliser Salam. Le Salam, il marche pas avec tout le monde, là, mais ça a marché. Salam alaikum, mon frère. C'est pas ce bot stream-là, il est complètement fucké, lui aussi. Accord de Munich, ouais, tu vois, Léo, toi, tu peux pas dire Salam, tu peux pas dire Salam, toi, ça marchera pas. Vous êtes pas tous éligibles, les gars, je vous construit des antiaériens. Ah oui, non, mais clairement, on va faire une ligne antiaérienne, ça, par contre... On est d'accord, les gars, j'ai pas le droit de faire des forts, mais anti-aérien. Bon, c'est pas un fort. Enzo, tu peux pas dire salam, toi non plus, toi, ça marche pas. Il faut être digne pour pouvoir dire salam. Golo Napoléon, tu peux pas dire salam aussi. Ça marche pas avec tout le monde, les gars, je vous l'ai dit. Il faut être éligible. Uniquement les Arabes peuvent dire salam. Le bot, il est vraiment scripté selon la consonance du prénom. Tard, je vis ton start, ça va être compliqué. Mais apporte-nous du soutien moral. Voilà, tu vois, Léo, il peut dire salam. Lui, ça passe. Salam, ça marche. La fameuse moi j'ai le ticket origine. Yo Sam, tu peux pas dire Sam, ça peut pas marcher. Comment ça va Joe Gaming, bonsoir à toi. Ok, on a 112 de build, les gars. Un emplacement de recherche, on va pas dire non. Par contre là il faudrait vraiment que j'annexe les pays baltes. Andrea, tu peux pas dire salam, ça marche pas non plus en fait. Pacnem, tu peux pas dire salam, pas de salam. Il y a une minute, tu dis que je pouvais pas. Non mais c'était ouais, mais en fait le bot il a refait un ajustement. Exclamation URSS. Oui, c'est pour ça que l'on reste slash salam. Oh là slash URSS. French Crypto, tu peux pas dire salam, ça marche pas non plus en fait. Vous êtes pas éligible, les gars. Faut des critères pour pouvoir parler au bot en fait. Sarge Prio. Ah merde. Ah, mais je l'ai fait. Oh, tu m'as fait peur. Ah, recherche. Je fais le con avec mes bots, moi. Chocolat, toi, tu peux dire salam. Toi, ça marche, tu vois, parce que toi, t'es éligible en fait. Non, je rigole. En gros, les gars, le bot, faut attendre une minute à chaque fois, je pense, c'est pour ça. Tu aurais au moins 180 civils. Quoi? Il y aura au moins 186 dans les... Ah non mais tu crois Andreas tu peux payer le bot ou quoi? Merci Andreas pour les 5 sabots en plus, t'es reparti. Wyler, Rocky, Petit Rêveur, Européen Noir et Lennox qui viennent de recevoir 5 sabots en plus. On est plus de 160 en live. Et Andreas qui nous a clairement fait plus de 20 sabots une seule soirée. Merci monsieur Andreas. Oh là là, attendez. Si tu veux je vais faire un appel au micro pour Andreas là, il m'a demandé. Spécialement merci à monsieur Andreas, bonne soirée à tous, au revoir. Merci beaucoup en tout cas Andreas, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Merci pour tout soutien, merci à tous ceux qui sont là. Et franchement oui les gars, franchement qu'on soit le 15 mai ou qu'on soit le 23 décembre, il y a toujours du monde, c'est incroyable. Par contre la méta des airs a changé avec le nouveau DLC. Maintenant c'est 15. La méta des airs, c'est-à-dire au niveau des avions. Toi aussi t'as kiffé l'annonce au micro chocolat. Franchement, alors on a des effets ici, franchement, de la haute technologie, hein, c'est de la haute technologie. Oh, Buffon, il est en train de décéder derrière son écran, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce live d'abruti? Oh, Buffon, t'as honte de ta famille ou quoi, maintenant? T'as le temps, c'est en 40, les Pays-Bas. Ouais, mais nous, faut qu'on annexe les Pays-Baltes. Les Estoniens, ils le disent pas, mais ils nous aiment, en fait, on va leur montrer. Ok. Je devais pas vendre des armes. Ah, merde! eBay. Léo, au lieu de dire salam dans le chat, tu pouvais pas me donner les conseils dès le départ et après dire salam? Merde. Très bien, nous allons augmenter nos relations. Oui. Ah, mais là... Oups. Je perds combien de points politiques? J'en perds... Oh la vache. Allez. Améliorer nos relations! Aimez-nous! Ok, Trotsky a été assassiné. Ah! Allez, les Français, achetez nos armes! eBay en 37 ou 38? Il baisse à partir de 39 normalement.
de Nanjing. Ok, c'est bon les gars. Très bien, vous ouvrez eBay, vendre du matériel. Je dépose une annonce. Bonjour, je vends mon train. On va en vendre, allez. 150. Ouais, les trains, ça vaut très très cher. La voiture, on va en vendre 1000. Les convois, très important, les convois, c'est... Vous voyez, c'est ça, les travailleurs de Russes, ils font ça, ils vendent les convois, les gars. Ils vendent les convois. Oh, ça vaut cher. Je souhaite vendre mon matériel militaria. C'est lui qui fait mon annonce. Bon, j'avoue, je vais pas trop faire le mec. Hein. Voilà. Le mec, il a vendu tout son matériel, il a plus rien pour se défendre. Oh. Allez, les gars, je dépose une annonce. Stanine, il regardera ses mails ce soir. La France qui devient coco. Non. Allez, let's go. Ça serait qu'ils vont vraiment devenir communistes. Académie de sciences. Troisième plan quinquennal. Non, il faut qu'on annexe les Pays-Baltes, nous. Venez avec nous. Oui. Les Russes, les Occidentaux, 1 euro pour l'Afghanistan. Ils vendent tout et après, il est étonné de perdre. Enzo, on n'a pas l'argent. On n'a pas les finances. Il faut finance. La guerre, ça coûte cher. Il faut la finance. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Japonais? Bien, je lui vends des armes, il m'attaque. Non, les Turcs... On n'a pas d'argent. Bon, qui veut acheter sur eBay à la SVP? Les Chinois, vous êtes en guerre, achetez-moi. Achetez pas cher. Achetez local. Faites tourner l'économie régionale. Il veut pas acheter mes armes, le Chinois? Comment ça, personne veut acheter mes armes? A pu mon annonce ou... On m'a bloqué, les gars, ils veulent pas voir mon annonce. C'est malin, ça. La logique de Sarge, de toute manière, a toujours été foireux. Ça va, oui. Bon, bah, très déçu, les gars, mon matériel ne plaît pas. On m'a dit d'aller me faire foutre. Ok, la sécurisation baltique, bien. Est-ce que je peux refaire la moisson sera bonne? Oui. Voilà, la moisson sera bonne, les gars. Elle sera très bonne. Non, t'aurais pu vendre les arbres plus cher. Déjà qu'on n'a pas de clients, toi, tu veux augmenter les prix de la boutique alors qu'il n'y a personne. Tu vois, tu sais combien on a de clients pour l'instant? Une bulle. Zéro. Nul. Ma boutique, elle est boycottée. Hop, défaite japonaise, voilà. Merci, bonne journée. Enfin, la sécurisation baltique. Je sais, je suis pas sûr que la moisson sera bonne. La moisson, oui. Bon, on est à 116 usines civiles. Par contre, il va falloir commencer à penser à l'avenir, les gars. Si je parle évidemment du business de caoutchouc. Évidemment, vous aviez deviné. Où on peut faire des usines dans ce putain de pays. Ah! Des ressources, là. C'est bien, ça. Vous voulez pas les radars pour la super éthérienne? Pas de business avec des socialos. J'ai comme une impression d'être boycotté, les gars, en ce moment. Ma boutique est fermée. Bonjour, allô, achetez chez moi. SVP, les gars. Je suis gentil. Bon. Tant pis. Hein. Puisque personne veut acheter, on va persécuter les Pays-Bas. Et c'est eux, c'est de leur faute. Hein. Prends surtout pas la Lituanie. Pourquoi? C'est pas une bonne idée, hein? Trop gros front contre l'Allemagne. T'es contre? Les Pays-Bas, l'avenir c'est Pierre au goulag. Super. T'es limité car les marchés marchent si les pays t'aiment ou non. Donc ce sont les pays communistes qui sont là de préférence. Bah non, regarde, j'ai amélioré mes relations avec le chinois. Il a accès au marché. Le chinois il a accès au... Ah voilà. Ah, mon premier client. Bonjour, j'ai vu votre annonce sur le bon coin. Je souhaite acheter 15 pistolets. Ah non, c'est ce qu'on voit. Allez, achetez. On a même l'option cadeau, c'est comme Amazon ici. Bémel. Je pense à investir en Sibérie. quand je suis en bourse, je me dis Sibérie. Qui dans le monde prend l'URSS et garantit les Baltes au lieu de les annexer? L'Estonie alors que tu vas la bouffer. Ouais. T'as vu, on est pas bête. Hein. Bon, j'avoue, c'est vexant. Il y a un Estonien qui m'a acheté des trucs. Moi, je veux que ce soit l'Allemand. Le Führer, il veut pas préparer la guerre. Ou Français, ou Américain, il m'aime bien ou pas? On va améliorer les relations avec ces gens-là. Aimez-moi! Estonie, alors que faut espérer que les convois arriveront pas dans le même état que la coupe de Sarge. Ouais, ça y est, c'était trop beau pour être vrai. T'avais pas encore parlé de ma coupe ce soir et fallait bien que quelqu'un en parle. Voilà. Le SAS qui se lance dans l'économie de marché, on aura tout vu. C'est du socialisme de marché finalement, on est un peu en avance. Hein. T'es bête ou quoi? Pourquoi? Mais non, les gars, on peut vendre des armes aux Français, hein. Franchement, ça peut nous aider. Hein. Tiens, regarde. Elle, mongole. Tiens, tu veux quoi? Deux trains. Accepté. Il va faire quoi avec deux trains? Hormis les Chinois et les cocos, personne t'aime. Si, regarde. Là, j'ai les Anglais, ils ont accès à mon marché. Ils ont accès à mon marché, là. Il a pris son panier, là. Ils sont en train de faire leur choix.
Mais j'ai l'impression qu'on me boycotte de ouf, hein, par contre. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est où pour améliorer les relations, cesser d'améliorer les relations. Okay. J'avoue, les Américains, vous pouvez acheter, hein, ça va pas vous coûter plus cher. Bon. C'est du communisme libéral, voilà, exactement. C'est du communisme redéfini. Bon. Vends à Zelensky. Zelensky, il attend que les Allemands, ils arrivent pour brandir le drapeau ukrainien. Socialisme de marché, ça va, Deng Xiaoping. Oh, toi, t'as appris les cours du lycée, toi. Exactement. Tu vends des armes à l'Allemagne. Bah, pourquoi pas. Tiens, ok, très bien. On... Les gars, vous connaissez pas cette technique? Armez votre ennemi pour mieux le combattre. Ok, alors, les Estoniens... On arrive! Attendez, on va mettre une pression militaire. Tiens, les Estoniens, on mobilise l'armée. Allez! Ouais, ouais, ouais! On fait bombir les chars à la frontière. Personne t'aime, on est proche d'un RP, ça. Alors, c'est pas RP du tout, là, par contre. Sécuriser Leningrad. C'est bien, ça. On va piquer Leningrad. Donnez-nous Leningrad. Rendez-le moi. Ok les gars, civil, regardez le build civil, le build. Regardez les gars, toutes ces usines, c'est beau. Tard, il vend du matos de merde à l'allemand et après il lui défonce ses divisions. Nos fusils, tu tires avec. T'as les culasses qui tombent. Si c'est RP, n'oublie pas la guerre d'hiver, c'est fin 39. Ouais. Plus-value investor, les gars, on a gagné. Oh, regarde les usines. Oh, la plus-value. Ah, bah ouais. Ah, bah là. Et c'est pas mal, ouais. On va très bien. Maintenant, on va attaquer les Lettons. Lettons montent. Lol. Bien, 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 bien. Je connaissais raqueter votre ennemi, mais là, l'armée pour mieux le combattre, c'est le premier. La technique la plus conne du monde. Hey, Sacha, bonsoir. Comment ça va? Un fusil et deux munitions. Ouais, j'ai connu ça. Bon, on a Leningrad qui arrive. Les gars, on m'oblige à mobiliser l'armée. Toi, je sais pas qui t'es, je veux pas savoir. Il me faut les gars de l'hiver. Les gars qui ont pas peur de se jeter dans la neige. En maillot de bain. Bien, 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 bien. Vous allez voir la guerre d'hiver, les gars, avec moi, ça va être expéditif. Le mec qui dit ça, il va s'embourber. Ok. Ok. Oh, j'ai fait un perfect. Qui le maréchal là? Est-ce qu'on a un bon maréchal? Non. Bon. Vous allez voir les gars. On n'est pas venu pour déconner. Hein. Enfin, c'est vrai que la guerre d'hiver, sans déconner là, je vais être sérieux. Il vaut mieux bien la speedrun parce que sinon après, si ça s'embourbe, bon courage. Il me reste quoi? On va lui faire des débarquements de partout. Ah, franchement, on ne laisse rien au hasard ici. En vrai de vrai, quand c'est les IA, ils font un peu de la merde pour la guerre d'hiver, mais normalement, je dis bien normalement, d'après le manuel HOI4, elle peut se gagner facilement. Ok, ma flotte, elle est où? On va pas prendre de risques. Ok. Bien, 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 bien. Attention, Serge, l'Allemand a tendance à débarquer Leningrad maintenant. Ah ouais? On va le recevoir, nous. Ok, on met la pression aux Lettons. On a nos usines, très très bien. Franchement, le build. Vraiment, je vous invite à essayer le build. L'époque de non-agression, on ne connaît pas, toi. Le build russe, ouais, vraiment, je vous invite à essayer ça un jour. Non, pas étonné, t'as grandi ton front inutilement, tu feras content le trou pour mieux. Dit comme ça, tu tues, dis donc, voyons. Ça peut être sorti de son contexte, hein. Traitez-moi à ta prime, toi. Signons ce traité, oui. Non mais t'as raison, je vais m'arrêter, juste prendre la Lettonie et je m'arrête, je prendrai pas la Lettonie. Pas juste la Carélie, non, on prend tout. Mao est tombé, quoi? Non, il a perdu la grotte. Non, il a perdu sa grotte. Ah, le chinois, il est pas bon là, hein. Oups. Ouais, bon bah, il y a ce n'est qu'un au revoir pour la Chine. À moins qu'il stabilise avec une technique bien à lui. Bon, n'ayez crainte, Hirohito a trouvé la grotte de Mao. Putain, il avait la carte de Minecraft. Non, mon pote Mao, adieu. Le petit Mao. Il est hargneux, le petit Mao. Sécuriser Leningrad.
Allez les gars, et qu'est-ce que j'en fais? Je le fantoche ou pas la Finlande? En vrai, ouais, je pense qu'on peut plutôt la fantoche. Hein. Petite fantoche. Ils ont cramé sa grotte annexe la Finlande. Annexe, carrément. Bon, on fera un sondage au pire. La guerre d'hiver est prête. À moins qu'ils vont accepter, ce qu'ils vont pas faire du coup. Revendiquer la Bessarabie, ça on va le faire après. Culte de la personnalité stalinienne. Ok, on gagne des décisions en plus. Des experts américains. Envoyer un ultimatum au gouvernement letton. Voilà, ça c'est fait. La Finlande rejette nos exigences, voilà. Ils nous pissent dessus. Ok les gars, là on va avoir une première idée de notre puissance de feu. Est-ce qu'un moto peut faire un sondage s'il faut annexer ou fantoche la Finlande? Très bien. On nous prend pour les cons. Hop. Bien, 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 bien. La Mongolie veut acheter. Ah, vous voulez quoi, vous? 60 artillerie, d'accord. C'est pas qu'on y prépare la guerre, lui. Très bien, les gars. The Cold War, c'est le cas de le dire, vient de commencer. Oui, oui, oui. Alors là, préparez-vous, général. Vous allez subir. Regardez, la cavalerie soviétique qui fonce dès le départ afin d'encercler rapidement la division ennemie de façon à ce qu'elle ne soit pas prête à recevoir le coup. Le débarquement qui passe extrêmement bien. Ok, la Zhukov qui a fait sa première percée. Ici, on va accentuer aussi. On a le débarquement qui passe. Très bien. Toi, il te faudra un petit peu plus d'hommes, par contre, c'est vrai. Ok, on est déjà à Helsinki. Ah merde, j'ai annulé la ligne de front de qui? Personne, c'est bon. Je peux pas te mettre un maréchal, toi? On n'a pas des troupes disponibles, là, dans le coin? Vous. Bah si, il y a encore du monde, là. Merde, bon, tant pis. Ok, les gars, on met nos meilleurs éléments sur l'affaire. On ne speedrun cette Finlande. Je fais une démonstration de force pour vous rassurer pour la suite. Bon, l'Allemagne, ça sera pas la même tasse de thé, évidemment. Mais... Voilà, les gars, la guerre d'hiver, en fait, si vous voulez, moi... déroule, quoi. Bien, 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 bien. Serge, quand tu pourras voir, va voir ce que je t'ai envoyé. Quand tu pourras voir même, voir ce que je t'ai envoyé. Ok, on ira checker ça. La guerre d'hiver en juillet. Oui, la guerre d'hiver en juillet. On a anticipé le truc, les gars. Franchement, il n'y a pas de mal à être visionnaire. Hein. Ok. Go. Ouais. Ok, on les encercle avec leur lac. Bien, 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 bien. Je crois que la guerre d'hiver est perdue pour notre ami finlandais. Oula, on a des emplacements de recherche. On n'arrête pas le progrès. Et là, très important, les gars, si on veut se préparer à vraiment faire la guerre, on va sortir le bon avion. Parce que si on n'a pas le bon avion, ça va être compliqué. Mais si on a le bon avion, ça va être moins compliqué, du coup. Je ne vous apprends rien. Allez, on sort les MiG. Donc maintenant, c'est la guerre d'été. La guerre d'hiver en été. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les gars, franchement, là... C'est propre. Fantoche, ok, tout le monde demande à Fantoche, la demande c'est de Fantoche la Finlande. Eh bien nous irons les Fantoches. De toute façon il s'est fait rouleau compressé. On dirait moi quand j'avais joué la Suède. Non, les mauvais souvenirs. Bien, bien, bien. Cette défense n'était pas adaptée. Qu'est-ce qu'il veut, lui, Roumain, mort blanche. Soumission de la Lettonie. Ah bien! Ah bien! Ça vous donne pas des idées, vous. On est combien? 150 usines civiles. Je suis pas à 200, hein. Est-ce que la moisson sera bonne? Le mec qui repense avec son truc de propagande. Ouais, on va commencer à sortir peut-être les champs de caoutchouc, ça pourrait être pas mal. Les tirs embusqués finlandais sèment la terreur. Ah bah merde! Bon, on peut s'inquiéter. Trouver le sniper finlandais. Sauf la carrière. Est-ce que les chars lance-flammes est méta? Moi personnellement, je l'ai jamais utilisé, le char lance-flammes. Je sais qu'il est plutôt utilisé en ligne. Mais moi, je l'ai très, très, très peu. La Finlande fait des concessions. Oui, hein. Je crois qu'on est cons, quoi. Allez, j'aimerais bien. Allez, go. Alors, elles sont où, tes concessions? On est rien à foutre, moi. Ok, on a la Carélie. Et on va prendre la petite zone, là.
Hop là. Et là, maintenant, on a une petite Finlande, les gars. Regardez-moi ça. Incroyable. Tout simplement. Et voilà. On a un puissant allié, les gars, dans le comité. Mais c'est comme ça que ça marche ici. Regardez. Confirmer et sortir. La République démocratique finlandaise. Et ouais. En plus, c'est bien. Comme ça, il a gardé ses usines. T'aurais peut-être la Laponie. On peut faire quoi de la Laponie peut-être les Samis. Non, mais là, en plus, c'est bien parce qu'ils vont bloquer le front contre les autres. Très bien. C'est une victoire expéditive. Et maintenant, le Finlandais veut m'acheter des usines, des convois. Au secours, mais quelle horreur. Non, franchement, c'est bien. On a un bon allié. Il te manque une région, mais bon. Ah merde, j'ai oublié quoi. Celle-là, ah, la Petsam, non. En couleur saumon, c'est original. Vous connaissez le saumon de Norvège? Mais attends, vous allez connaître le saumon de Finlande, les gars. Bien, 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 bien. Il convient donc maintenant de se préparer à l'assaut final, ça sera la Pologne. Liberté de débat dans l'action publique. Non, là, il nous faut nous préparer à la guerre. Lancement du troisième plan quinquennal. Troisième et dernier plan quinquennal. Ok, on est reparti, les gars. Maintenant, on n'a plus qu'à Bulde. Je vais retirer mes unités, parce que là, il y a gros risque d'attrition. Ce serait dommage de perdre des... On va stationner celle-là, on va stationner celle-là, on va stationner celle-là. Ok, on se casse. Victoire! Ouais, mais non, mais Andrea qui renvoie 6 stuns. C'est pas ça, cette fois c'est 6. Sharper, Locked, DS du DD, Crashon et Zach. Non, mais attendez, on en parle. Andrea qui a fait plus de 30 subs ce soir. DGG, tous les chats pour monsieur Andrea qui nous sub. 5, 6. 5 subs par 6, 5 subs par 1, mais c'est énorme. Bravo à tous ceux qui ont reçu les 5 subs, les gars. Mais encore DGG, mais monsieur Andrea. Non, mais Andrea, tu punches là. C'est le score de victoire à chaque fois, c'est ça. Et The Tutus qui continue de soutenir avec 100 chairs en plus. On a eu Marina qui nous a mis 15 000 chairs. On a eu 5 subs par 6, 10 subs par là, 5 subs par 6, 100 chairs par là. C'est énorme, les gars. C'est un super live avant Noël. Et je dis, on est 165. DGG. Et merci à tous pour votre soutien. Par contre, le train de la hype, t'es parti en vacances ou... Au début, on a eu 100 chairs, on a eu le train de la hype. Et depuis, il nous a dit, allez vous faire foutre le train de la hype. Et il est parti. Maxence qui continue avec 100 chairs en plus. Et DGG pour monsieur Maxence049. Comment ça va, Maxence? Merci beaucoup, en tout cas. La communauté, il est parti au pôle Nord. Le train de la hype, il est parti en Finlande. Il est parti en Sibérie, on l'a pas retrouvé, en fait. Je crois, je sais pas où il est. Bon, sans surprise, les gars, le Polonais qui a mal joué. Mauvaise préparation, c'est pas... Mais non, mais what? Andrea, qui fait 20? Andreas qui fait 20 subs en plus, les gars! Music time! 20 subs en plus! Andreas qui nous a fait 50 subs en une soirée, c'est énorme! Non, mais attends. Il est fou, Andreas! Mais attends, mais. What? Mais Andreas. Andreas qui a plus de 100 subs offerts! Mais what? Andreas qui est passé top 5, top donation en sub! Mais c'est énorme! Mais what? Mais Andreas! C'est énorme. Attendez, mais il y en a combien? Tintin, Tim, Lilou, Nine, Rentum, Parla, Vivi, Masta. Attendez, what the fuck? Mais non! Prends de la hype lancée par Brolac avec du Lichar en plus! Il est là! Il est arrivé! C'est le train de la hype, les gars! Il est revenu de Laponie! Il a survécu au sniper finlandais! C'est le train de la hype, les gars! Mais non, mais Brolac lui s'est dit... Oh yo 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 yo. Ah mais ça va l'aristocratie, des gens meurent en Pologne et là on fait la fête des dons. Non mais what? Andreas et Brolac qui relancent le train de la hype avec un 10 000 bits qui vient de tomber. On a eu 15 000 de Marina, on a 10 000 de Brolac, on a plus de 50 subs de Andreas. Mais on a plus les chairs de Tutus qui push, plus les chairs de Alpha qui push. On a eu Maxence aussi, mais what the fuck? DGG la communauté. Oh la vache, 159 personnes en live. Ça devrait être le 23 décembre plus souvent. Je rigole, merci beaucoup les gars. Oh, mais c'est énorme, mais vous me faites un mois de décembre. Wow, 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 wow. Le concours de Noël là, ça y est, il est... Oh la vache, joyeux Noël MDR, non, mais c'est énorme. The Tutus qui continue avec les 100 chairs, Maxence qui continue avec un sub offert et ça continue. Ouais, merci beaucoup The Tutus pour les 100 chairs passés, les 100 chairs par là. Rappelons-nous des 54 chairs la dernière fois, mais c'était énorme. Et Maxence qui renvoie encore un sub à Belisarius. Non mais, regardez. Regardez les gars le chat. Le chat, vous dites c'est quoi cette communauté de riches? Tout le monde est sub, tout le monde a l'emoji sub.
Ah mais n'importe quoi. Merci beaucoup Andreas, merci beaucoup à tous, merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent. 162 personnes, ça fait super plaisir. Mais franchement, comment perdre contre l'Allemagne? Non, moi je suis pas sub. Regardez Julien, c'est un mec qui trouvait un truc les gars. Ça Julien, c'est pour se foutre de moi un événement en fait. Reste focus Serge, il essaie de te déconcentrer. Ouais, c'était depuis la Finlande ça. Oh, merci pour l'abonnement cadeau, merci beaucoup en tout cas Maxence. Hein. Merci beaucoup, récupère le Tanou tout va. Hey. Jingo Bello, Jingo Bell, Jingo Bell, Jingo Bell. Pas très sympa XD. En fait, Julien, c'est le roi des événements avec l'accent du sud le plus coté de la chaîne. Y'a que moi qui l'aime. En tout cas, merci beaucoup pour les 10 000 bits, merci beaucoup pour le train de la hype. Merci beaucoup à tous les gars, ça fait plaisir. Moi, je reste dans l'ombre de Sarge. Toi, on sait très bien que tu fais des dons PayPal secrets mais que tu veux pas te faire connaître, va fun. Tu veux garder cette image. C'est moi, l'Allemagne, t'as pas donné l'est de la Pologne. Non, mais ils vont respecter là, le Führer, il va m'envoyer un mail. Putain. Vraiment, les gars, 0,20, ça se pimente. Hein. Mais pourquoi il a fait ça, lui, ce Xib? D'accord de merde, là encore. Là. Ça a été scripté avec le cul. J'avoue, le Führer, j'attends ton snap, là. Il m'a bloqué sur Snapchat. le bitmoji du Führer. Le H est en train d'écrire. SVP. Hey, let's go! Gars qui renvoie en sub! Toi, mais c'est bon, Andreas, là, t'as fait les 303 subs, là, ça y est, c'est. Oh là là, Julien qui vient d'avoir le sub offert par Andrea, merci beaucoup, Andrea! Défonce-le pour le punir! Et Andrea qui offre à WoW le Chrome! En fait, c'est tous les non-subs qui reçoivent les derniers subs offerts! Bravo, 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 Julien, bravo, WoW le Chrome! C'est la fin de l'oppression des pubs! Oh yo 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 yo! Mais what the fuck! Oh, vous m'avez bombardé les gars ce soir, même Brolac 10k, c'est énorme, c'est énorme. GG, DGG le chat, bravo, 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 bravo à tous. Curate Mantown, bonsoir à toi, welcome, welcome. GG, GG, je veux bien, lol, amer, GG, GG. Bravo. Allez, le chat, tous ceux qui ont les petits emojis Sarge Disco, là, mettez-nous une petite pour remercier tous les donateurs. C'est parti pour The Sarge Disco Time. Let's go. Ah mais merci, merci à tous les gars, franchement, putain, c'est incroyable. Un jour avant Noël, vous me faites... Mais les gars, comment voulez-vous vous dire que vous allez passer un Noël? Genre, Noël, c'est déjà là, genre... Il y a déjà eu 100 000 Noël. En fait, il y a Noël le 23, il y a Noël le 24. C'est comment le chat? The Star Disco, c'est parti! Et The Star Disco Time dans le chat! C'est the Disco Party! Merci beaucoup, merci. En même temps, tout le monde est sub maintenant, c'est pour ça. Voilà mon cadeau pour Noël, MDR. Merci pour tous les donateurs des Sarge Disco, merci beaucoup. Même sans chair, les gars, même un sub offert par-ci, par-là, en vrai, ça fait super plaisir parce que pas tout le monde peut se le permettre et même sans chair, ça reste énorme. Et c'est pour ça que je dis encore une fois merci à tous les donateurs. Je sais que chacun fait comme il peut et c'est déjà énorme, c'est un soutien incroyable. Donc, let's go, les Sarge Disco! Il t'a dit quel allemand? Ouais, par contre, là, j'avoue, Führer. Ah, ça y est les gars, il avait pas de 4G en fait, il captait mal depuis la forêt de Prague. Bien, Allemagne, this way, okay. Dehors, bien. La Belgique a rejoint les alliés, oui, ok les gars. Notre technique est simple. Déjà on a un bulle de... Oh, Churchill, SVP va te mute. Ok, là on a fait beaucoup d'usines civiles, maintenant il faut faire des usines militaires. Là on a 150 civils, c'est pas trop mal. Sarge, salut Sarge, c'est la première fois que je passe dans ton live, je suis le frère de Ludivine, si tu te rappelles. Oui, elle était passée tout à l'heure, bonsoir à toi, Julien Sargis, comment ça va? Bonsoir, Allemagne, nous revoilà, ça fait moche avec la Lituanie. Oui, mais c'est utile. Okay. Bon, les gars, nous allons ouvrir les champs de pétrole du Caucase. Il convient maintenant d'avoir du caoutchouc. Je peux le foutre dans mon Caucase, le caoutchouc ou pas? Enfin, on va pas le mettre dans le Caucase, parce que j'avoue, imaginez, je recule. Un petit peu le seum. Ok, on va clairement installer les champs de caoutchouc. Oui. C'est de la merde ça. Ouais, ici, vous voyez, je repère bien chaque fois où il y a les possibilités de construction les plus poussées. Non mais là, une construction, vous voyez, ça pue la merde. Une construction, trois constructions, ça pue la merde. Là, six constructions, c'est déjà un peu mieux. Ok, on va sortir les champs de caoutchouc, les gars, parce que le problème, c'est que si la Malaisie tombe, j'aurai plus de caoutchouc à acheter. Donc mon aviation, je peux dire bye bye. Donc on va acheter les champs de caoutchouc de tout le monde. Re tout le monde. Hey, Striker, petit joueur, si tu annexes pas la Lituanie.
Tentez pas trop, les gars. En vrai, vous savez quoi? Allez, on est des bonhommes ici. Vous voulez me chauffer? Regardez ça. La foutre! Non, en vrai, de vrai, je peux tenir le front. En vrai, de vrai, je peux tenir le front. Non! Non, mais Titus, on m'a provoqué, là, aussi. Oui, oui, la Norvège. Non, Sarge, ne le fais pas. The Abruti Man, par défaut, le mec, tu provoques, il joue le jeu maximum. Non, en vrai, de vrai, je pense, les gars, ça va me faire gagner des usines. Le Lituanien, défi de garde 5, grade toute la game. Si, fais-le. Ouais, je vois les prédictions. Ok. Très bien, on a l'anti-char qui arrive. Sans déconner, les gars, on a vraiment ce qu'il faut. Vous inquiétez pas, on a les chars qui vont arriver. Là, pour l'instant, on est un petit peu en retard, mais ce n'est que partie remise. Commencer à produire de l'armement, accroître les réserves. On va accroître les réserves, les gars, vous inquiétez pas. Ok, il faut vraiment que mon caoutchouc, il commence à se produire. Non, je suis sûr, t'es le genre de personne qui, pour 100 balles, saute par la fenêtre. Diabruti man. Ça va. Non, en vrai, de vrai, ça va. Bon, allez, il faut juste vraiment méchant de caoutchouc, là. Qui ne s'est planté du caoutchouc ici? Ok. Allez, les gars. Allez, 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 allez. Ah, voilà, regardez. Donc là, j'ai 155 usines. Et maintenant, 158. 3 usines, direct. Ok. En vrai, de vrai, on va tenir. Il va juste falloir spam de trucs et c'est bon. En vrai, RIP en 42-43. Non, ça va, ça va. Andreas, merci pour le sub. Fais gaffe à toi, puis à l'ombre, on peut toujours cacher des monstres comme Staline. Mais non, on est en train d'accroître les ressources. Ok. Bon, par contre, il faut vraiment que les caoutchoucs arrivent. La plantation de caoutchouc, les gars. La réserve personnelle, la consommation de Staline. Par contre, l'allemand SVP ne me speedrun pas. Il a pris Paris ou pas? Je le fais débarquer en Angleterre, l'allemand. Attends, je vais la sauvegarder. Si on joue le jeu, les gars, il fallait que l'Allemagne prenne l'Angleterre pour le match équitable. Donc là, tag GER. Je regarde pas trop les réserves de l'allemand. TP. Par contre, l'allemand, t'as intérêt à... Je te laisse une chance, l'allemand, ne me déçoit pas. Non mais regardez-moi ça, l'anglais. Regardez-moi ce gros port d'anglais. Le mec ne protège pas ses côtes. Je sais pas, l'allemand, t'avais pas des troupes de... Eh, hey, troupes qui sont en URSS, là, dehors, hein. Je sais pas, moi je te mets ça là, l'allemand, tu te débrouilles. Ah, comme ça, il va pas dire... Imaginez, l'allemand, il perd quand même l'Angleterre comme ça. Faisant un état neutre. Normalement, là, il devrait percer. Tag. Stop. J'enlève bien le TP, les gars. Ok. Bon. Je rigole hyper. Ça, je tire une balle dans le pied. Ah, c'était prévu comme ça, les gars, hein. On avait dit qu'on voulait l'affronter en 1v1. Ok, très clairement, je pense que l'Angleterre devrait tomber. Bah voilà. Imaginez, les gars, ça sera passé comme ça. Ah! Après, il va peut-être perdre son anglais. Non, je pense qu'il est pas... Il est pas trop débilos mental, l'allemand. Personne n'a dit le 1v1. C'est ça que j'avais dit au début, qu'il fallait que l'Angleterre tombe. Tu lui donnes trop de terre, donne-lui juste 3 cases et mets des troupes, Sea Lion. Qui pense que c'était techniquement possible que l'Allemagne débarque en Angleterre? Moi je pense aérien c'était possible, terrestre c'était possible, mais le problème c'était la marine. La marine anglaise, ça serait fait trop plaisir, je crois, dans la Manche. Oui, vas-y. Possible. L'Europe sera communiste ce soir, on ne le sera pas. Impossible, nope, impossible. Impossible, vous dites? Pour moi, c'est juste la marine anglaise qui aurait... On va poser un énorme problème. Commencer à produire de l'armement. Eh ouais! Impossible. En tout cas, c'était l'ambition. Hein. Mais là, du coup, on est d'accord que t'es mort maintenant. Mais non, les gars. On appelle ça un petit mardi chez moi. Ah ouais, ça va. Donc là, conférence de paix. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Annexion, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Raj, Malaisie, Canada, Australie, Pologne. Comment ça, l'annexion de la Pologne? Ah oui, il a annexé. Ah, il a tout annexé! Il a même pas puppet! Oh, excusez-moi, ma voix de merde. Il a même pas puppet, le cochon! Oh, les gars, franchement, il a pas puppet. Easy win. Il va se taper toute la résistance. Annexion du Canada. Ah! Bah alors, vive le Québec libre! Du bist Deutsch! Ah! Ah! Alors, comment ça, Montréal, ça appartient au Führer? Ah non, ça ferait mal au cœur. Il prend des risques. Possible clairement, mais effectivement la marine aurait été un gros problème pour le ravitaillement. Ou alors, en fait je pense que si Lion ça aurait pu marcher, si la Luftwaffe était capable de couvrir tous les convois allemands pour l'Angleterre. L'Allemagne tout puissant. Oh,
Ton rêve, hein, Waffen 78, hein, Panzerlaid. Bye bye Roosevelt, hein. Mais non. Sarge, les masochistes, alors il aime bien souffrir. Mais non. Regardez, les gars. Le bulle, on a le caoutchouc ou pas, les gars? Pourquoi vous inquiétez alors qu'on a du caoutchouc? Et là, en plus, on est en train de commencer à produire de l'armement. Regardez, on ouvre la vanne. Du caoutchouc. Ça sent l'essence. Ouais, ça, c'est de la bonne. Hein. Ok. Ravi de t'avoir connu, Sarge. Mais non, en fait, ce qu'il faut, les gars, je vous dis, la technique, ça va être de spam de troupes. J'ai pas le droit de faire de ligne de repli, donc ça, c'est un peu relou. Mais avec des troupes partout, il nous prend. Si tu prends l'Allemagne, tu libères uniquement le Québec, please. Par contre, je suis en train de me dire, j'aurais peut-être faire la scie de maintenance pour piquer le matériel. Ils avaient presque éclaté l'aviation anglaise, c'était possible de débarquer. Pour moi, s'il y avait une bonne couverture aérienne, c'est le seul cas de figure où ça aurait pu passer. Je pense, sincèrement. Ok. Hop, t'es mal à template. T'es mal à template. 18. C'est pas trop mal, hein. On pourrait juste l'anti-char qui va arriver. Ok, on a le moteur d'avion qui va arriver. Et là, le seul truc que je vais faire, la clé à molette. On va leur piquer le matériel. Non, mais il n'y a que moi que ça choque que le Germain, il a tout alors qu'on peut, on peut pas normalement. De quoi prendre autant de terre? Combien de dives? Moi, j'en ai 138, lui, il en a presque 200. Ça va, les gars. Ne nous laissons pas impressionner. Par contre, le truc qui est chiant, c'est que là, l'Allemand, il est pas en guerre. Et du coup, il perd pas d'avion, il perd pas de matériel. Et là, force mon ref, va falloir que je fasse une bonne aviation. Ok, vous inquiétez pas. N'ayez crainte, je produis mon caoutchouc maison. On est en février 41. Allez, on commence à produire là. Imaginez, là, il me déclare la guerre, genre, il justifie déjà. Oh là, je meurs par contre. Là, on n'est pas prêt. Hein. Hydrurgie, allez, go. Ok, c'est bon, on a le caoutchouc. Annex le Tanou Touva, je te dis, mais ça changera rien du tout. Tanou Touva, ça va nous faire gagner 3 usines. C'était prévu que c'était faisable. Ouais. On va voir le Raj britannique. Ils ont pas de frontières avec nous, ça va. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'ils ont la Malaisie, tout ça. Après, techniquement, peut-être que. Oh, imaginez, je débarque en Malaisie. Non, on va s'emmerder. Déjà qu'on va reculer ici. On va peut-être reculer ici. T'aurais dû attendre quasiment fin 40 pour lui donner l'Angleterre. C'est vrai que là, je lui ai donné très très rapidement. 12 février 40, normalement, il est même pas encore en France. La drôle de guerre, le jeu, tu connais ou tu te fous de notre gueule, là? Bon. N'ayez crainte, on a le caoutchouc. On fait nos plantations de caoutchouc, les gars. Tant qu'il me déclare pas la guerre, ça va, on a des unes militaires. On va augmenter un petit peu ici. Allez, caoutchouc time. C'est bon. 161 jours, mais ça va pas, non? 236 jours. Wow! Oh, l'armement, il est en PLS. Ok, on a l'avion qui arrive, on fait nos derniers trucs de caoutchouc. Allez, recherche-moi mon caoutchouc! Ce bâtiment fournit zéro à l'état. Quand ça, zéro? Eh oh, je fais mon caoutchouc ou pas? C'est contre un vrai joueur ou une IA? C'est contre une IA. Tes doctrines. Ah, exact, mes doctrines aériennes, merde. Eh oui, les gars, une bonne victoire, ça passe aussi par des doctrines. Je peux faire mon avion ou pas? Oui! Ah, bah attends, j'attends juste de pouvoir faire mon avion et c'est parfait. Efficacité. Détection des chasseurs plus 10. Il est où mon avion? Tiens, il me fallait un mec pour... insaisissable. Commissaire politique. Gain de poids politique plus 5. Accroissement de l'accommodement. Alors, on a besoin de stabilité dans l'Union, je pense. Il est où mon avion? Dès que j'ai l'avion, c'est parfait. On a alors la solution. On cherche la tech qui augmente la production de caoutchouc. Ouais, j'attends d'avoir en fait le bonus sur la tech de caoutchouc. Allez les gars, on a l'avion qui arrive. Il nous faut un très très bon avion et on gagne. On a un bon avion. Ah merde, j'ai pas la mitrailleuse lourde. Oh putain. Pénalité, excusez-moi. Bon, on perd un peu de temps, c'est pas grave. Allez, allez, les champs de caoutchouc, là. On va être en autonomie totale sur nos productions de ressources, ça va être bien. Et là, ce qu'il faut, c'est commencer à produire... Ah, j'avoue, le caoutchouc, il faut que je dose, moi aussi. Hein. Bon. Ok, on va commencer à produire tout le militaire nécessaire. Et on va voir ce que ça donne. Vous êtes optimiste, les gars, ou pas du tout?
J'avoue, je suis un peu partagé. J'ai toujours pas d'aviation. On est en 40. Il a pas d'ennemis, l'allemand. Là, il est en train de se blinder. Ok, n'ayez crainte, n'ayez crainte, n'ayez crainte. Comment ça, j'ai pas la recherche du traitement de synthèse. Ah, je n'ai pas fait la première. Putain, merde. Optimiser les lignes de production. Pas optimiste. Ça pue, Marina? Oui, hein. Je te l'ai dit, Marina, j'ai pas ton build, on n'est pas à 200. Ton artillerie. Prends les unités de la fin. Non, mais on n'en est pas encore arrivé là, les gars. Attendez que je recule avant de me dire ça, quand même. Ok, attendez, on a les premières templates qui arrivent. J'attends juste d'avoir l'avion. Je vais spam d'avion, hein. Je vais spam d'avion comme un porc. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois de moins en moins en toi. Ah merde, Dieu, serais-tu en train de perdre ta foi? Non mais... Par contre, j'ai pas demandé sa Bessarabie. Ouais, s'il veut me la donner, lui, je devrais peut-être lui demander sa Bessarabie après. Ok, on a la site maintenance qui arrive, comme ça on va vraiment essayer de piquer le matériel. Ouais, comme ça les Allemands ils vont me speedrun dès le départ. Hop, moi je leur pique le matériel. Bon, R2-19. Allez, il faut le matériel de soutien. On va leur piquer leur truc aux Allemands. Reste derrière le fleuve au lieu de prendre la Bessarabie. Bah, y a un fleuve aussi au niveau de la Bessarabie ici. Ça nous fait gagner. Bon, en vrai, toi, t'as, c'est peut-être pas la priorité. Merde, mes usines. Ok, les gars. Allez, là, on sort la phase finale du communisme. The industrialisation. Allez, les gars. Faut que ce soit bleu. Allez, mes ressources. Putain, j'ai l'impression que c'est trop long. Mon avion, 21 jours. Allez, l'avion! Artillerie. Ah oui, améliorer l'artillerie. Et aussi de l'antichar. Parce que j'ai pas mon antichar. Wow, il y a comme un léger manque. L'Italie a déclaré la guerre à l'Arabie Saoudite. Oh! La mec, ça va pas, là? Oh, allez! Eh, Nezouz qui revoit 100 chers, ça s'ajoute à la collection! Et merci pour les 100 chers, let's go! DGG pour monsieur Nezouz, GNG, merci beaucoup, ça fait plaisir! Et ouais, je viens de faire gagner de l'espérance de vie au front en Ukraine, du Sarge. Merci, Striker. Tu vas être obligé de scrap the barrel avec l'URSS à ce rythme-là. Scrap the barrel? Ah non, c'est quoi, c'est le fond de tiroir, ça? Ouais, non, juste, c'est possible de faire des nouveaux icônes pour les 18 mois d'abonnement. Ouais, t'as les nouveaux, après général, t'as les nouveaux abonnements, tu dis normalement, mais je sais pas au bout de combien de temps ça s'active. Bon, est-ce que je peux avoir mon avion? Ok. On a les puits de l'exclavation là pour les ressources. Putain, il a annulé le pacte de non-agression. Non, mais attends, c'est trop tôt. L'allemand n'est pas en 41. L'allemand, tu joues à quoi? Imaginez quand ça me justifiait. Je vous jure, et quand ça me justifiait, les gars, je pleure. Ah, mais clairement, je pleure. Clairement. Non, c'est bon. Reste tranquille, l'allemand. Reste tranquille. Ok. Je fais pas la Bessarabie, du coup, on m'a dit. C'est la strat soviétique qui me séduit. Merci. C'est nouveau. Oh là, le badge vert. 75 000 chers, Brolac. Oh, excusez-nous, c'est vert, c'est beau. C'est quoi les barrettes de chair en haut du chat? Je croyais que t'allais me dire, c'est quoi les barrettes de shit? C'est-à-dire, il n'y a pas de drogue ici. Ok, oui, c'est nouveau, je crois qu'ils avaient amélioré le truc comme ça. On va juste améliorer l'aviation. En fait, c'est parce que tu sors les gros chiffres, c'est pour ça, je crois bien. Putain, je n'oublie pas la doctrine Asohama si tu veux spam les troupes. Ouais. D'ailleurs, mes doctrines... Ah non, j'ai toujours pas mon avion. Il est là, mon avion? On l'a. Ok, les gars, on a l'avion. Vous deux pouvez envoyer un lien pour rejoindre le Discord. Putain, je n'oublie pas la doctrine Asohama. J'oublie pas les doctrines. Ok, c'est bon, les gars, on a le Zing. The Flugzeug. Là, on part sur un chasseur. On va mélanger polyvalence et confort. Non, Mec, c'est Paul Tron et Sofa. Ok. Donc là, vous voyez, je pars sur du canon parce qu'il y a de l'attaque. Je mise beaucoup sur attaque et agilité. Voilà. Moteur, on part sur un moteur en étoile. Et là, ce qu'il nous faut, c'est un blindage. Je suis pas encore au point au niveau du blindage. Je peux encore blinder un peu. Bon, il a pas un grand rayon d'action normalement. Je pense que je peux pas l'augmenter plus que ça. Ah non, il est trop lourd. Là. Je peux lui mettre des flotteurs, ça sert à rien. Mais si besoin. Alors, faut que je l'enlève un peu de. Là, il vole. Là, il a pas. 35 en vrai, ça va, il est pas trop lourd.
Non, fait doctrine terrestre sur la tête de feu au grand temps de bataille. Doctrine terrestre, supériorité de feu. Les canapés de Staline, ce sera un tank volant. En vrai, il est pas mal comme ça, les gars. Et on va l'appeler comment? On va l'appeler l'espoir rouge. Car du communisme naît l'espoir et du rouge naît le communisme. Oh, le poème de Lénine. Ok. Voilà. L'espoir... Oh, non, mais... Pourquoi j'ai un skin de biplan? Dit qu'il est flingué, mon avion. L'espoir rouge, c'est pas ça, hein. Ça, c'est faux. Voilà, c'est ça, l'espoir rouge. La dernière chance. Mets deux canons et zéro mitrailleuse, comme ça, tu peux mettre blindage. Ah, il est moins lourd. Attends, tu m'as niqué l'agilité, là. Ah ouais, mais... Ah, tu spams de blindage? En effet, il est plus blindé, là. Est-ce que je peux être un petit canon? Ah, je peux même le monter comme ça. Ah ouais, mais là, c'est un... Deux canons et une mitrailleuse. Ah, il est plus blindé. Bon, il a plus d'attaque et il est moins agile. Non, beaucoup trop lourd, assez agile. Et écoute, ton ancien avion est meilleur et moins cher. L'avion, il va s'enfoncer dans le sol. Écoutez, les gars. C'est vrai qu'il va... Les pentes, il va coûter pépette, ton zing. Hein. Marina, je sais que t'as des goûts de luxe, mais là... Bon, allez. On va faire confiance à Marina, les gars. Marina, si on perd, c'est de ta faute, par contre. Hein. Non, je rigole. L'agilité n'est pas très importante sur cet avion. Ah, il vole, les gars. Après, voilà, il tourne. C'était pas dans le cahier des charges. L'avion, on va le monter sur des chenilles. On va l'appeler pointe. Au décollage, il y a des chenilles. Allez, les gars, on va faire confiance à Marina. Ces techniques nous mèneront peut-être loin. L'avion va servir à combattre les tanks. Par contre, là, canon anti-char niveau 2, les gars. Excusez-moi. Train de piquer. Réservoir largable. Blindage. Alors, on est... ce qu'il faut, voilà, ça c'est un avion les gars. Hérisson rouge, c'est l'hérisson rouge. Vous savez, oh Kaiser, allez. La frappe soviétique, et je parle évidemment de l'avion. Les gars, je crois qu'on tient une aviation digne de ce nom. Franchement, en frappe soviétique, je suis très confiant aussi. Moi j'ai que des skins de merde, c'est bon. Ok, on a l'espoir rouge et la frappe soviétique. Je comprends mieux pourquoi l'URL a disparu. Ah non, Titi, c'était dire. Fais pas l'avion, tu as des malus. Ah, faut que je le retire. C'est quoi son malus de merde, là? Ah oui. Oh, pendant 30 jours, non, ça va. Dans 30 jours, on a plus les malus. La moisson sera bonne. 120 points politiques. Bon, allez, l'espoir rouge et la frappe soviétique, les gars. On va spam comme des porcs. Voilà. Ça, c'est cahier des charges, les gars. Maintenant, il me faut arrêter les puits de pétrole et faire que du militaire. Avant que l'Allemagne attaque. Dès que j'ai une bonne aviation, les gars, je serai officiellement prêt à recevoir l'Allemand. Bon, attends, je vais rechercher des pelles pour m'enterrer. La radio. Il me faut le caoutchouc, là. Allez, caoutchouc. Ok, on a les usines militaires. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Regarde les esprits nationaux, regarde l'armée de l'air soviétique. Armée de l'air soviétique. Oui, 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 oui. Ben là, on est en train de réduire les malus, on est en train de limiter les restrictions déjà. Et je pourrais, je pense, après améliorer un peu. Bougez pas, on arrive! Pierre, tu pourras faire une vidéo YouTube sur All Fast Nation at War. C'est un peu un jeu qu'il faudrait tenter. All Fast Nation at War, on en avait déjà parlé. Faudrait que je m'enseigne un peu plus sur le jeu. Là, je fais gaffe en Ukraine. Ouais, ils vont pas se rebeller, les Ukrainiens. Ok, là, on améliore la mobilisation. Allez, les gars, engagez-vous dans l'armée. Parce que c'est vrai que j'ai des malus militaires qui sont assez aberrants. Priorité à la cohésion. On veut une armée cohérente! On a marre d'avoir les cons dans les rangs! Ok. Allez, spam-moi de troupes, toi. Hop là! Je vais vous faire un schéma défensif, les gars, vous allez me dire ce que vous en pensez. La prédit, c'est est-ce qu'on arrive à battre l'Allemagne en 1v1? Normalement, oui. Qui est le meilleur général? Zhukov, c'est un mec bien. Ok, là, on a les gars de l'hiver. Étant donné que, d'après le théorème de l'hiver, on a les gars de l'hiver. Faites clic droit, les gars, pour supprimer tous les ordres avec la corbeille. On m'a appris ça récemment, c'est pas mal. Voilà, qui veut des hommes. Oula. Oula. Ok.
Ok, donc ça, les gars, c'est les gars du Nord. Ils doivent tenir. Allez, jusqu'ici. Et là, l'armée principale, elle va se battre au Sud. Ah, je vous dis pas que ça va pas claquer. Hein. Je préfère ne pas vous mentir. Ça va gronder un peu. Ouais, attends, y a un problème là. Putain, le Roumain, il va nous. Pourquoi j'ai l'impression que le Roumain il va me faire ma fête, moi. Il me reste quoi comme troupe disponible? 28 divisions, mais c'est parfait ça. Il nous manque un maréchal. Toi, Alexandre, tu as toujours rêvé d'être maréchal, n'est-ce pas? C'est ton jour, l'Union t'a choisi. Ok. Je vous fais un prototype, les gars, vous dites si ça pue la merde ou si ça sent bon. Ça sent la rose. Bon, évidemment, c'est un prototype. Hein. Tout commentaire non constructif sera censuré. Hein. Attendez de voir le placement. Avant de donner vos avis, attendez de voir le placement, les gars. Je vous vois venir, vendre de mauvaises langues. Là, vous n'êtes pas assez projeté. Vous voyez, c'est comme un achat immobilier, il faut se projeter. Allez, regardez ça, les gars. Les soviétiques qui refusent de se faire surprendre. C'est nul. Je vous ai dit, attendez de vous projeter. Vous pouvez pas vous projeter. Vous n'avez aucune idée. La Norvège, tu en fais quoi? Et si mon allié finlandais entre en jeu? Avec sa division de réserve. L'Union t'a choisi après sa première défaite et c'est direction le goulag. Regardez, les gars, regardez. On a des muscles, nous, les gars. On est de Russian Guys. Il te manque 200 divisions. Mais tu vas les trouver où, les 200 divisions, là? C'est... Putain, on a pas de manpower. Ah l'armée plaît pas. Doctrine, Sarge. Tu fais des alliances. Ouais, on a la Mongolie. Prêt à intervenir. Ok, doctrine aérienne. Allez. Let's go. Doctrine terrestre. On m'a dit puissance de feu supérieure. Vous voulez pas prendre l'assaut de masse? Que puissance de feu supérieure, c'est bien. On a pas trop d'artillerie. Hein. Que là, regardez, les gars, on a de la défense. En vrai de vrai, je pense que la somme masse, regardez, on gagne des retranchements maximum, des petits trucs comme ça. D'ailleurs, hop là, petite guerre de position, voilà, merci. Hop là, nous on campe comme des gros porcs. Ah bah s'il a la Mongolie, ça va, bah oui, attends, je croyais quand même pas que j'allais me battre tout seul. Regardez, franchement, là, j'ai l'impression que les gars, vous avez été un peu mauvaise langue avec mon armée. Vous avez pas cette... C'est comme une relation amoureuse, faut se projeter les gars, il faut comprendre l'autre. Le séducteur en carton. Eh! Et ouais! Zero manpower avec l'URSS PTDR. Non mais attends. Attends, on n'a pas fait nos affiches de recrutement. Les affiches du grand Staline, poids politique plus 7, ouais, soutien la guerre, voilà. Voilà les gars, attends, j'avais pas mis mon poster à l'époque. Ok. Le divan. On est foutu. En vrai, de vrai, là, ça vous plaît pas? Franchement, il y a quelque chose, tiens, le NKVD surtout. Fait de la maintenance. On récupère le matériel, tout le matériel. Wow, putain, 6000 de matériel manquant. Wow. Et mon caoutchouc, putain, mais... Allez, priorité à la cohésion. Oui, on attend ta défaite. Non. Allez, regardez, on a une armée cohérente. Très bien. On fait la réhabilitation militaire. Bien. On ne se laissera en aucun cas surprendre. Mes espions, ils sont où? Tiens, l'homme en blanc. Ok, on met des espions. Oui, vas-y, déclare la guerre à la Grèce. Par contre, attention, risque d'invasion navale, fortement probable. Je change tes divisions de cavalerie et NKVD. Je mets tout en armée standard. Je sais même pas si je peux changer le NKVD. Wow, ah oui, j'ai tout converti. Oh. Ah mais attends, mais j'ai quand même gardé mes blindés, j'ai pas tout... Puis les chevaux, c'est bien pour la percée aussi. On va reconvertir un peu, mais là... Wouah, 8000 matériel de soutien manquant. Ah! Les gars, qui a joué avec la facture? 300 usines allemandes. Et des troupes en Hongrie, en Roumanie. Ah bah... On est prêt, hein, on est là. On se laissera pas surprendre, nous. Faut voir, regardez. L'avantage, les gars, c'est qu'on a un très bon build. Moi, j'ai foi en mon build, j'ai foi en mes compétences. Je n'ai nul doute sur ma capacité à gérer les événements qui vont suivre. Je vous demanderai de ne pas douter de mon talent, merci. Voilà. Bon, on peut construire où dans ce pays? Ouais, là je me... Comme une petite réticence. Les gars, vous voyez, hein, si vous regardez les traces bleues, comme une impression que ça va beaucoup reculer au début. T'as pris ta template d'avion ou pas, Sarge? J'ai suivi un peu les conseils du chat, mais c'est déjà la frontière Jap. Ouais, c'est s'il y a un conflit frontalier.
5, 5. T'as, y a pas plus que 5 ? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Mais merde. Bon, bah, tant pis. On anticipe une... Regardez, regardez les gars, ça spam d'usine militaire, ça spam grâce au build. Le build, les gars, le build. J'ai une question si possible. D'accord, mais une seule. Non, je rigole, vas-y, dis-moi. Si tu veux, tu veux que je t'envoie un PDF du build, si je t'envoie une bonne template sur Discord. Il y a un max à la hype. Au train de la hype. Il y a un record qui est noté, je crois que le record il était niveau 12. Mais non, je sais pas si non. Je sais pas si. Non, je crois que après, ça, tu sais, ça monte à chaque fois progressivement. Tu couvres même pas tous les fronts en Hongrie et en Roumanie. Quoi ? Mais si ? Ah, bah si. URSS 6 mois avant la débâcle. Sans le manpower, tu ne peux rien faire, ça. Non, mais ça va arriver, regarde. Non ! Mais what ? 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 75 000, le plus gros train de la hype qui est arrivé, 75 000 de la hype, mais c'est pas possible, il nous l'a refait, il nous l'a refait, il avait fait 60 000 durant le Wars, il vient de passer à plus de 75 000 en une soirée, let's go le chat, mais c'est pas possible, plus Marina qui a mis 15 000, plus 10 000 avant, on va avoir plus de 100 000 chers ce soir, plus de 100 000 chers. En live, mais c'est pas possible, c'est pas possible. What the fuck, c'était jamais arrivé, c'était jamais arrivé. Quasiment 100 000 chers en seul live, le chat, let's go. Oh la vache, mais what the fuck, mais what. Attention. J'ai un message. Ah, tu vois, voilà, qui vont dire, c'est une première heure, c'est à cause des événements comme ça, mais voilà. C'est pas possible, mais c'est pas possible. On fait l'année de Sarge, mais c'est quoi cette fin d'année, les gars? Bon, là, que tu te souviens ce que tu m'avais dit sur les 38 000 euros, là ? Tu vas me faire dépasser le plafond, en fait. What the fuck ? Relax, 150 000 chers offerts sur la chaîne, mais c'est quoi cette folie ? On est 173 en live, mais Brelac qui prend la top 1 de chers, mais même Marina qui avait poché à mort. Mais c'est quoi cette dinguerie? Mais encore merci, merci à tous ceux qui ont suivi. Attends, je suis même plus à jour les gars, il y a eu tous les Sarge Disco, il y a eu les temps de chair de Tutus, merci beaucoup. Il y a eu Velio qui a activé son troisième mois d'abonnement, merci beaucoup. Non mais quand même. Mais c'est quoi cette dinguerie? Là, c'est tous les subs de tout à l'heure qui retombent, mais what the fuck, j'ai joué Noël, le cadeau Noël, là mais les gars. Mais c'est plus Noël là, c'est 15 Noël de suite les gars, j'ai jamais... Vous croyez pas que mes Noël c'est ça, ça a jamais été ça de ma vie Noël hein. Mais what the fuck, c'est quoi cette dinguerie, je m'y attendais pas. Oh la dinguerie, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 75 000 chers. Et la tournée de Sarge Disco qui continue, merci beaucoup. Encore une fois, c'est pas une compétition les gars, mais c'est un truc de dingue, 75 000, c'était jamais arrivé de toute l'histoire de la chaîne Twitch. Oh là là, non mais j'en permets moi, c'est quoi cette folie? Ah, voilà, il a carré. Excuse-nous, voilà qu'il a carrément débloqué l'emoji avec la rose là. Et ouais, il a... What the fuck? Mais c'est complètement fou! C'est complètement fou! Et on a deux Tutus qui envoient les 1000 chers en plus avec! Mais non, mais c'est pas possible! Ça continue, les gars! La hype qui est relancée par deux Tutus! Mais what? Mais. C'est n'importe quoi! 1000 chers de Tutus qui viennent d'arriver en plus! Merci beaucoup, le son il s'est même décalé sur les alertes! Tellement que ça a fait que d'enchaîner! Mais n'importe quoi! Merci! 1000 chers de Tutus en plus! Et non, mais vous m'avez fait, vous m'avez fait l'année, les gars, ou quoi là? Brelac explose les records, what the fuck. Ouais, même Marina qui avait mis 15 000 avant, les gars, vous dites-vous que ça fait plus de 100 000 là. Ça fait plus de 100 000, c'est n'importe quoi. Et Maxence qui continue avec les abonnements offerts. Osiris qui vient de prendre son abonnement, merci Maxence. Maxence qui a envoyé des stuff toute la soirée aussi, mais le chat c'est une dinguerie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais n'importe quoi là.
J'en ai même plus de voix, les gars. Brelac, non. Tu nous avais déjà fait ça. Brelac, pour ceux qui s'en souviennent, il avait déjà fait ça pour les Awards. Il nous le refait même pas 3 semaines après. Brelac, il se bat pour son précédent record de chair. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Tu vois les étoiles rouges qui brillent de partout, là, même l'étoile bleue du 5000. Merci encore aussi de Tutus pour les 1000 chairs. 1000 chairs, c'est énorme, ça va prendre 20 euros, c'est incroyable. Non mais les gars, dites-vous, j'ai jamais eu un Noël de ma... C'est pas Noël, ça, c'est pas un Noël normal, là. Le Führer serait là et vous dirait comment vous voulez vous diriger un pays dans de telles conditions, hein. Prédit une défaite en 43, what the fuck, indeed. Non, mais c'est une dingue. Regardez, les gars, là. Je me dis, pour une chaîne de 28 000 abonnés, avoir une communauté comme ça, mais c'est un truc de malade. 75 Noël sont passés, là. Mais de ouf, c'est plus de Noël que toute ma vie, Serge. La rupture de voix demain. Quelle couleur ton étoile de chair? Waouh, la vache. Bon, encore une fois, j'insiste là-dessus. Merci à tous les donateurs. On a The Tutus, on a Maxence, on a Andreas qui a été là, on a Marina qui a envoyé 15 000 chairs. C'est énorme. Merci à tous les donateurs. Encore une fois, c'est bienveillant tout ça et c'est incroyable de voir que chacun soutient comme il peut et c'est un truc de ouf. Et c'est pour ça que je le disais depuis tout à l'heure. Mais encore une fois, merci et j'insiste là-dessus. Merci à tous les donateurs. Peu importe la somme, mais encore une fois, au-delà de ça, merci à tous ceux qui regardent, merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui sont de la communauté parce que c'est tout le monde qui fait vivre la chaîne. Et c'est juste incroyable, donc là, aux 165 qui sont là, merci à tous le chat, merci à tous pour cette année Twitch 2023 qui a été incroyable, le live est fini, j'ai qui se barre, merci à tous de nous faire vivre autant de choses, merci à tous d'être là à chaque fois, merci à tous ceux qui ont passé tous ces samedis avec nous, merci à tous ceux qui ont passé tous ces vendredis avec nous, merci à tous ceux qui sont là le mercredi, merci à tous ceux qui regardent les vidéos, et c'est juste un truc de dingue, et puis bah tant pis pour la voix pour Noël, mais juste merci à tous les gars, oh la vache, alors c'est une folie, c'est juste une folie, ouais j'ai l'impression là j'ai la voix quand tu reviens du front de l'Est, mais c'est un truc de dingue, les gars. Et franchement, je souhaite à chacun d'entre vous qui a une passion, qui a un objectif dans la vie, de connaître ce genre de choses un jour. Je suis content de le partager avec vous, mais je ne vous souhaite qu'une chose. C'est que vous aussi, tout ça, ça vous arrive un jour, pas forcément en live, pas forcément YouTube, mais professionnellement dans votre vie, quand vous avez l'impression de réussir comme ça et que bah vous avez autant de soutien, autant de chance. Enfin, c'est la chance, mais je sais qu'il y a eu du travail derrière. Et c'est juste... tu vas être moins joyeux lors de l'invasion. La fête est finie, non mais c'est fou, et moi je... Bruit d'applaudissements, je dis bravo, le discours de Serge a la même intonation que le discours du H, on aime te voir perdre, que veux-tu, non mais c'est un truc de ouf, Serge bois un peu d'eau pour restaurer ta gorge, ça y est les gars, c'est la panne sèche là, non mais Brelac, voilà, voyons, souviens-toi ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je préfère l'étoile du first. Aïe. Moi, ayant pas de chance dans la vie, ça m'étonnerait que ça m'arrive. Ah, mais t'en sais rien, Julien. Franchement, les gars, quand j'avais 14, 15, 16, 17, 18 ans, je savais même pas où j'allais dans ma vie. 19 ans, j'ai eu du mal à trouver. C'est à partir de 20 ans que ça a vraiment commencé à changer. Et bah, je souhaite à tous que ça vous arrive un jour parce que tout le monde mérite ça. C'est fascinant. Même là, 158 personnes qui vous regardent sur Twitch, une chance de fou d'avoir ça un samedi soir, alors que clairement, il est minuit les gars, on est le 24 décembre, ce soir, c'est match, non, c'est Noël, oh, c'est un truc de ouf les gars, franchement, je vais pas vous mentir, je vais vous faire une confidence, je crois que mon souvenir de Noël, évidemment, je serais heureux de voir ma famille et tout demain, mais je crois que la soirée que je vais retenir, bah ouais, joyeux Noël, tu m'étonnes, joyeux Noël à tous, mais... Pour moi, il est 18h le 23, RIP. Tu peux d'avoir que de rester de vie lorsque ton streamer préféré fait une pause dans le live rien que pour toi. Bah non, mais il faut prendre le temps de remercier, les gars. On peut pas nexter même 10 000 chairs, même 15 000 chairs, c'est énorme. Même 1000 chairs, c'est énorme. Et franchement, c'est un truc de ouf. Bah, joyeux Noël à tous. Et moi, ce que je retiendrai de mon Noël 2023, bah, bien sûr, je serai heureux de voir ma famille, mais c'est ce moment-là. Il a passé un mois au Sahara, vu sa voix. Le désert, mon dieu. Ça, j'ai pas fait pour être commentateur, ça voit par n'importe comment trop vite. Ah mais y a pas d'entraînement pour ça. Joyeux Noël la team, joyeux Noël à tous les gars et j'espère que vous passerez la plus belle des soirées demain soir. C'est fascinant, c'est juste fascinant. Y a pas les mots, c'est juste fascinant. Et 100 000 chairs en une soirée les gars. 100 000 chairs en une soirée, j'avais jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça de ma vie. Je vais vous dire officiellement. Que vous avez connu ce soir le plus gros record de la chaîne. Voilà, tous ceux qui sont là. Du coup, train de la hype infini. C'est même plus train de la hype, là, c'est la fusée de l'espace, là. Vive la communauté. Encore une fois, je dis vraiment et j'insiste là-dessus sur le bravo à tout le monde. Et incroyable. Moi, je te donne du vent et un accent du sud. Je prends.
Gros, j'ai loupé quoi? Regardez, regardez la barre en haut. Bon, allez, les 149 jusqu'au prochain live. Bon, on a fait la fête, mais quelqu'un a informé le H que la guerre, rien, bah oui, bro, là, que rien, bah oui, bien évidemment, que la guerre allait continuer. Hein. 5000 chers, c'est combien d'euros, je saurais même pas dire combien c'est. Je saurais même pas dire combien c'est. Encore une fois, il y a eu tous les subs de Andreas qui ont suivi avec. Et c'est Staline sur Intakessar, tu verras lors de l'event HOI4 vendredi. Vive l'invasion de Pierre Le Gueux, 2000 euros. Pouah, je m'en rends même pas compte, c'est énorme. Je m'en rends même pas compte. Bon, eh bien, les amis, nous avons un Führer qui nous attend en face, qu'il conviendra de s'occuper. Après, même si tu perds la game, vu la soirée, tu seras quand même fier. Ah bah, les gars, en tout cas, ne vous inquiétez pas, je ne compte pas lâcher le combat. On a un combat à mener et on va mener ce combat... du mieux qu'on peut, on se prépare pour la guerre. Allez les gars, c'est parti. Let's go to the war. Et merci encore à tous les donateurs, à tout le monde, peu importe la somme, et merci à tous ceux qui sont là. Staline avec sa voix explosée, les gars, va revenir dans la game. Let's go. Alors, ça va financer les usines militaires, parce que là, en fait, on était un petit peu en crise de militaires. On vendait des flingues aux Chinois, mais ça ne faisait pas tout. Marche demain, tu m'étonnes. Si tu perds ce soir, tu rembourses tous les donateurs. Avec intérêt ou pas, Waffen? Alors, je gagne le SMIC à une soirée, hein, c'est énorme. La Banque de Russie qui fait une plus-value, hein, c'est énorme. Regarde, les étoiles rouges commencent à briller, mais c'est... chut, repose-toi, merci pour les 100 cheers. Du coup, je me repose, là. Merci pour les 100 cheers en plus, Titus, ton manpower. Ouais. Bah, tu sais quoi, je vais mettre en service... Bon, les gars, on passe à la vraie question. Vous donnez combien la probabilité de victoire en pourcentage? Allez, moi, je suis sur un 65%. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas encore l'aviation qui est prête. Vous mettez combien de pourcents là de... Il n'a pas compris l'intérêt du message. Je l'ai compris, mais en fait, contre-goût. 25, 30, c'est Noël pour Sarge. 1%, 40%. Non, mais 1%, t'abuses. Marina, 40%, ça va. David, 54%. Ouais, David, t'as fait une étude de marché. 54%, c'est extrêmement précis. 0,01. C'est ça. Foutez-vous de moi. Foutez-vous de moi. Ok. 50%, tu gagnes soit... Soit tu gagnes, soit pas. Très perspicace, Brolac. Soit on gagne pas. Ouais. À moins qu'il y ait match nul. 0,9. Moins 10. 12. 10. 100% avec Mao. 66. 100. Ok. Là, j'améliore l'armement. Comme ça, on est bon. Je vais améliorer le retranchement. Il faut vraiment que là, on perde vraiment plus une seule seconde. Réorganisation de l'armée. Hop. On s'en occupe, comme ça c'est fait. J'essaie d'enlever le plus de malus possible. Le manpower, il commence à remonter. Bonsoir, c'est quoi ta template d'infanterie? R19, infanterie, anti-aérien. J'ai juste mis le truc qui me coûte très cher, c'est la maintenance pour piquer le matériel. Je trouve que tu n'as pas bien géré tes divs, donc 15%. En mettant Erika au début du win easy. 30% avec de la triche. Vous êtes drôles, les gars. Vous oubliez que j'ai un bonus. La template. Tant que l'allemand ne justifie pas, plus il attend, mieux c'est pour nous. Parce que là, regardez, pente mon putain de caoutchouc, on peut en parler ou... Il arrive quand? Sans jeu le caoutchouc. 162 jours. Il me faut mon caoutchouc, mais tout de suite. Hein. On fait la réorganisation de l'armée, on fait le caoutchouc et c'est bon. Je dirais même qu'il faudrait le caoutchouc d'abord. On attend. Allez, on réorganise l'armée. Ok, très bien, comme ça va aller beaucoup mieux. Sérieusement, je mets environ 70-80%. Allez, vive le Québec, let's go. Moi, je prends. Surtout que, n'oubliez pas, les gars, on va être un farm d'infanterie. On va faire ça comme on peut. Le problème, là, c'est qu'on manque de ressources. À la limite, tant que j'ai pas trop de ressources, on va acheter aux Américains. Eh oui, les Russes qui achètent aux Américains. La Marina, je sais que je te déçois, mais on n'a pas le choix. Putain. Salopard d'allemand. On va acheter à l'allemand aussi. Allez, on produit les avions, c'est bon. L'Air Force soviétique. Est-ce que je peux prendre un expert? Il me faudrait un expert, gain de productivité plus 5. Ok, il me faut les experts japonais chez moi. J'ai besoin des experts japonais. Bonjour. T'as plus de chances de reconquérir Marina que de gagner cette partie. Les deux, c'est pas gagné. Regarde la résistance chez l'allemand. Vas-y, on va des infos sur place. 52% de caoutchouc manquant, les investissements ne portent pas leurs fruits. Non, la plus-value n'a pas été rentable cette année, c'est réel. Oui, comme Québec League, 80%. Achète. Bah non, en plus, tiens, plein de trucs des colonies d'Angleterre. Ouais, mais plus je serai équipé aussi. Enfin, faut voir. Ouais, j'avoue, c'est un pari à prendre, mais. Faut voir. On va voir ce que ça donne. Ok.
à la petite PPSH des familles, mais ça serait plus dans le temps. Ok. Vraiment, on développe tout ce qui va être matériel, infanterie. Japonais, je peux faire venir des experts ou quoi? L'Italie a pris okay, l'Arabie Saoudite, c'est fini. Les deux, il va falloir rentrer dedans brutalement, ça va être terrible. Ouais, ça c'est clair. Ok, expert japonais. Allez, c'est bon. On a les experts japonais en gagnant en productivité de base. C'est qui tout double ton jeu, Sarge? Ouais, c'est... Tu manques d'aluminium. Donc on va quitter le libre-échange dans pas longtemps, parce que là, il commence à me coûter trop cher. On va acheter aux Suisses. Je prends un petit peu d'avance sur les usines pour pas être trop dérangé. Allez, c'est bon, on a l'aviation qui arrive, l'aviation soviétique. Allez, franchement, si les chasseurs, ils sont bons, les gars, c'est bon. Et lorsque vous dites que vous étiez à ce live 24-12, on vous dira que vous êtes un brave. J'ai la ref, Austerlitz. C'est beau. Réorganisation de l'armée. Ok, let's go. Très bien. Maintenant, étape finale. Le caoutchouc avant la guerre. Un avion par jour, lui, il en produit 4. Ouais, mais techniquement, si mon pimp d'avion, il est bon, si notre ingénieuse, elle nous a pas dit de la merde, normalement, on a un bon avion. Une vraie boucherie. Allez, on produit nos avions. Un avion par jour, c'est pas assez, mais il va être très puissant. On va juste l'entraîner et on va voir ce que ça donne. Si on a les doctrines en plus, parce que là, le gros problème, c'est que l'Allemand, il fait pas la guerre. Là, il a trop de matériel. L'Allemand, il va avoir un de ses matériels, les gars. Clairement, on va pas attaquer avant 1950. Hein. Du tryhard, tu peux l'emporter haut la main. Merci, Julien. Ça, c'est un beau discours. Ok. Est-ce qu'on a des ressources qui arrivent? On a l'appel qui arrive. Putain, vitesse de recherche, moins 7%, c'est horrible. C'est pénalisant à un point. Là, faut que je quitte le libre-échange. Ça me coûte beaucoup trop cher, le libre-échange. Allez, au revoir le libre-échange. Là, j'attends juste de pouvoir quitter le libre-échange et c'est bon. Ok. Ok, les usines. On continue, on push le build au maximum. C'est où? Je vais faire ça, hein, putain. J'ai même plus d'emplacement pour construire, c'est fou. Super. Allez, on réindustrialise. Tu auras pas assez d'avions avant la guerre, mais à force, tu vas détruire les siens. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Si ça s'équilibre dans le temps, je pense que c'est bon. Ne me déçois pas, Sarge. C'est voir, French Kirito. Jamais. La haute trahison. On rentre là, je vais quitter le libre-échange. Ah bah, je peux. Exportation limitée, let's go. Voilà, putain. Ok, on manque juste de caoutchouc, mais vous voyez, hein, ça sert plus à rien parce que ça me coûtait trop d'usine. Je peux pas régler son problème de caoutchouc, putain, je suis obligé. J'étais pas encore de... J'ai plutôt acheté à... Je suis obligé d'acheter à l'Allemand, putain. C'est l'Allemand qui a toutes les réserves de caoutchouc. Bon, 5 usines, ça devrait pas le tuer. Ok, on a l'aviation, il me faut encore beaucoup plus d'avions, je pense. Allez, mes avions! Ok, faut que je fasse mes pistes. Quand il commencera à déclarer la guerre, il faut surtout que je fasse mes pistes et mes DCA. Expert du camouflage. Allez, tout ce qu'on peut prendre, on prend. Nos hommes sont des hommes, et ce que l'homme sait mieux faire, c'est tuer des hommes. Les Ous 24-012 2023. C'est beau. Hey, Gaëtan Florio qui active son 17e mois d'abonnement. Bonsoir Gaëtan, comment ça va? Welcome to the live party. Voilà, on est 157 dans le live, les gars. La soirée n'est pas finie, même si ma voix, elle, est finie. Comment tu vas, Gaëtan? GG, merci à toi, Gaëtan, pour le soutien. Le Japon déclaré avec Xebe Senma. Mais je pense que qui peut le faire, c'est quand même l'URSS. On peut le faire, les gars, on peut le faire. Ah, ça coûte un petit peu cher. Va avoir lance-roquette. Je fais jamais par contre, les chars. Au pire, je fais juste du char léger. Bois de l'eau, Serge. J'ai 70 usines de retard sur moi. Excuse-nous, Marina. Tu conseilles char léger ou pas char... Parce que le char moyen, il va prendre du temps, char léger. Au pire, je fais vraiment... Non, j'avoue vraiment pas de char, c'est peut-être un peu chaud. Au pire, on sort la détection. Non, pas de char léger inutile. Même pas pour speedrun, fait du bon KV1, ouais, du bon blindage là, truc qui a roulé à 4 km/h, mais c'est pas grave. Ok, spécialiste du camouflage, on améliore un petit peu. Ouais, pétrole, science. De toute façon là je suis bloqué au plan quinquennal, production de pétrole, carburant de synthèque, ouais. De toute façon après le carburant j'en ai déjà, mais bon allez, autant le faire si on peut en avoir un petit peu. Char léger c'est fort, mais en 41 tu devrais déjà faire du moyen. Je veux bien, mais le moyen, j'espère que vous n'êtes pas pressé du coup.
Allez, go, il arrive. Quand c'est. Allez. Ok, les gars, l'Italien a attaqué la Yougoslavie. Après le Yougoslave, c'est clairement moi. Voilà, Pierre. Ah, c'est un signe, ça. Pierre 2, après Pierre 2, Pierre 1 qui va se faire. On est bientôt en juin, il y aura l'attaque. Ouais, je suis le prochain sur la liste. Ok, on va commencer à faire les pistes. Dès qu'il commence à me justifier, les gars. Oh, puis attendez, je crois que je peux déjà commencer à faire. Par contre, le problème, c'est qu'il faut pas reculer, hein. Parce que si je recule, les desserts, ça sera contre moi. Au pire, je fais genre ça, 3. Oh, ça va. Eh, ça va claquer, les gars. Eh, ça va claquer. Bonne ou mauvaise idée? Et les pistes sans avion. Alors les avions sont prévus, hein, ça va t'étonner. Mais ils étaient prévus, les avions. Mauvaise. Faut pas reculer. Hein. Là, c'est, si je recule... J'ai pas de DCA? Mauvaise. Très mauvaise. Plus loin, les DCA. Bon, bah, je vais me faire foutre. C'est noté. D'accord, le projet de la grande ligne... No step back! Il va se faire défoncer. Loin, camarade. D'accord, camarade. J'adore votre fait de dessert en Ukraine. Je l'ai fait où? Sur Kiev? Nous allons défendre les pôles stratégiques. Quoi, ici, c'est un secteur aérien. Alors, il faut que je les fasse là. On a prévu de reculer ou c'est comment là? Et ça, si elle sera prise par l'ennemi, ça sert à rien. Ouais, mais j'ai pas en faire qu'à Kiev quand même. Bah, ok, je veux bien essayer. Pas de dé- Au pire, on fait pas de dessert du tout, les gars. Mais vous avez des couilles, vous, hein, parce que les pistes, on est comment? Okay, il faut des pistes. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir une déroute. Il va y avoir une déroute, les gars. Elle va être méchante, la déroute. Hein. Putain, manque de ressources. J'ai toujours pas mon caoutchouc. Ah merde, j'ai pas amélioré. Oh, l'Allemand qui veut m'acheter. Vas-y, vas-y, achète, achète. Vas-y, mon petit. Oui, 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 oui. Ok, bah la Yougoslavie est finie, je suis le prochain sur la liste. RIP. L'autonomie des ressources, on n'y est pas trop. Hein. 7000 matériel de soutien manquant. Ouf. Il va falloir piquer le matériel allemand. 4000 canons de déficit un mois avant la guerre. Oui, mais bon, c'est pas méchant. Ok, on va faire les dernières usines manquantes. J'avoue, là... Il y a même des fusils manquants, carrément. Wouah. J'avoue, fusils manquants, j'abuse. Le foutage de gueule, t'es foutu, sergent allemand, va t'annexer. En vrai, de vrai, les gars, on ne crie pas défaite trop vite. No step back. Ok, n'oubliez pas les bonus militaires dont les 30% d'attaque et les défenses dans les états nationaux. Ouais, ouais, ah non, mais de toute façon, moi, l'allemand, je vais pas le toucher, hein. L'allemand, je le touche même pas avec un bâton. Non, 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 c'est... Ah, nous, on est en mode de défense maximum, hein. Ok, on va entraîner les nouvelles recrues aériennes. Allô, la piste. Allez, là. Ok, notre aviation, les gars, c'est ça. Pauvre la Royal Air Force de 39. Non, en vrai, ça va. En vrai, peut-être l'Allemand il entraîne ses troupes à la frontière. Une aviation moche. Et quand tu veux, l'Allemand. Non, non, non. J'avoue, oh putain, il est en train de s'entraîner. Il faisait du sport, le Führer. Il fait quoi? Oui, il fait de l'entraînement. Ok, on a plus le pari pour Molotov-Ribbentrop. Alors, l'Allemand, si tu peux attendre genre un an, je place ça là, c'est une option, évidemment. On va pas te dire ce qu'il faut faire, mais. Vol transpolaire. Y'a pas un truc. On va modifier l'armée de l'air soviétique, c'est ça qu'elle est pas bonne. Nul ton aviation. Merci, Waffen, je m'en étais rendu compte. Hein. Ok, attends, on va regrouper tous les avions. Une force de frappe, les gars, inédite. Oh merde. Est-ce que vous êtes prêts pour le show? Ouais. Ouais. Ok. J'avoue que là, les gars, je pourrais faire une ligne de repli. Clairement, j'aurais fait la ligne de repli derrière le Dniep, là. Ok, allez. The entraînement aérien. Eh, les gugus de l'air. Mmh. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Y a une brèche dans ta ligne. Non. Elle est où, la brèche?
Faut juste que je protège les côtes, par contre. Roumanie. Hein? Non, il y a quelqu'un ici. Hein. Là, il y a quelqu'un ici. C'est le petit bout là, ils sont. Là, il y a du monde. Par contre, ici, il y a de l'attrition, c'est pas ouf. Ok, ces troupes, mais là, sont... oh, putain, ils justifient. Donc là, les gars, n'ayez crainte. Déjà, on va mettre des troupes de secours là-bas. Un mec qui aime la défense, si possible. Y'a pas un mec qui aime le froid. Y'a pas un soviétique du froid, là. Tiens, toi. Ok, on va mettre un mec en défense ici. On va mettre un mec en défense sur les côtes, parce que là, ils vont tenter des débarquements, c'est sûr. Ouais, même une sinkill bordel, là, faut protéger. Peut-être pas sur l'île. Allez. T'as besoin de renfort ou pas? Non, c'est bon. Et là, on va mettre un dernier mec. J'ai plutôt envoyé des renforts à lui. Cette division pour protéger, genre juste là. Bah, comme ça, les gars, on se fait pas surprendre. Parce que c'est vrai qu'en vrai, un débarquement est très vite arrivé. On a le dos tourné, hop, on se fait avoir. Et donc là, on a 14 divisions. Si ça se passe mal quelque part, on va les mettre à Gomel. Allez, les gars, let's go! The Soviet Army! Ok, il faut vraiment le plus de militaires possible. Mon aviation va se faire écraser. Hein. Si mon aviation se fait vraiment trop écraser, on se replie et on bloque. On bloque. Ne fais pas entrer la Finlande en guerre. Ah oui, exact. Bon, ça n'empêche pas de protéger, Link. Est-ce qu'un jour, Serge va progresser sur le jeu? On se le demande tous. Oh, ça va, Monsieur Panda. C'est quoi cet a priori, là? C'est une fausse idée, ça. Ok, allez, regardez. On a le matériel, les gars. C'est juste le matériel de soutien qui est un petit peu manquant contre toute attente. L'avion aussi, vol transpolaire, oui. Allez, encouragez les clubs aéronautiques, allez. Un agent a été capturé. Ils sont entraînés ou pas les avions? Entraînez-vous! Ok, on va les recevoir les Allemands. La ligne de front se termine au lac Baïkal. Le lac Baïkal? C'est tout au fond là-bas? Protège Arganlesk en mer Noire, ça risque de débarquer aussi là-bas. Sur les hauteurs là? Vicieux comme ça. Bon bah rien. Ok, allez les gars, on la tient notre ligne. On la tient notre ligne. Ok, on a la défense. Le chat est en mer Noire. Mer Noire c'est protégé, ouais. Mer Noire elle est protégée. Protéger la mer Noire. Ok, on va améliorer une dernière fois les doctrines. Et après on va prier le Seigneur. Hop là, il y a l'armée du peuple. Là, on a les doctrines aériennes. On peut peut-être légaliser sur les doctrines aériennes. Pour moi, c'est le seul truc où on est bon. Doctrine aérienne. Ah, Arkhangelsk, c'est plus bas que Mourmansk. Ah, excuse-moi. Là. Franchement, qui viennent là, ils vont s'embourber. La prière, c'est tout ce qu'il nous reste. Non, qu'à dire le désespoir. Ok. Bon, très bien. Après analyse, notre aviation, ça donne ça. SVP, moquez-vous discrètement. Voilà, donc là les gars, j'ai fait un test aérien à grande échelle. Ça donne ça. Mets ton fusil d'infanterie en prod. Ah, ma PPSH? Mais attends, mais elle va coûter une blinde. Hein. 33 par jour. Allez, il faut de la PPSH. T'es croyant, Pierre? Ouais, ça dépend des joueurs. Non, plutôt oui, quand même oui. Mais pas d'aviation dans les Pays-Baltes, MDR. Quoi? Non, oui, non, mais dans les pays baltes, il y a des avions en bois. On n'est pas dans la merde. Un peu d'espoir, mes amis. Ok. On a deux avions par jour. Il faut juste que j'ai mon truc de caoutchouc. Il est où? Il est là, le caoutchouc. Ah, le caoutchouc! Même du bois, il n'y a pas. Non, regardez. Là, on a un pente. Ah, les gars, j'ai oublié un petit truc. J'ai oublié un détail. Il nous faut la détection. Et ouais. Allez, il nous faut Canal+. J'avais pas cafeté.
Ok, donc c'est ton nom Pierre. Ouais, je m'appelle Pierre. Bah, c'est vrai que tout le monde dit Sarge, en général, vous pouvez dire Pierre, ça me dérange pas. Putain, il va se faire fumer. Putain, le con, il va se prendre une balle. Les Pays-Bas, t'avais vraiment écouté quelqu'un qui veut annexer la Lituanie. Ouais, bah, oui. Devine le mot en anglais. Oh, Juska, voyons. Montre la guerre du Pacifique. Ah, mais il n'y a pas de guerre dans le Pacifique, en fait. La guerre, elle est finie. Hein, genre, le Japonais, il vit ça. Ah, quoique si. Oh. Bah, très bien. Bah, fous-toi sur la gueule avec l'Américain. Ça se bat, là, pour les Philippines, les gars. Ah, en fait, tu dis, il n'y a pas de guerre du Pacifique. Je fais, ok. J'espère que ton testament est rédigé. J'ai recassé ma manette, bonsoir. Quoi, Tino ? Toi, t'as ragé sur Unlisted. La chute de Manille. Allez, c'est bon, les gars. On a la satellite. Regardez, je vais vous montrer un truc très simple. Si les Allemands avions franchissent le secteur. Oh, putain, mais pourquoi il m'a mis le radar là, ce con ? Je vais me le faire piquer. Hein. Mais moi je le voulais pas si près le radar. J'avais dit là. Ah oui mais la ville elle est là. Ah merde. Oh mais putain. Faut vraiment être débile pour mettre un radar à la frontière. Un radar de perdu. T'es mort, il a des fois plus de troupes que toi. Ouais mais si on tient Marina, si on a une politique de défense globale. Oh putain, il a mis 20 divisions ce tryharder. Surtout que moi j'ai pas beaucoup de matériel. Ok, on a de la PPSH de réserve. Ça va piquer au départ, ouais, c'est ça les gars. C'est... Moi je vous dis, les premiers jours ça veut rien dire. Faut attendre de voir sur du long terme. Regardez, ça perce pas. Ça perce pas. On tient bon ! Fumer le nazi ! Du nazi fumé, oh non. Défense désespérée, no step back ! Allez les gars ! Explosez le rouge ! Enfin, le. Oui, bon, ouais. Il a appelé tout le monde. Ah ok, bon, très bien. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, l'Ukraine est protégée. 3000 avions, ok on lui pète ses avions, tu vois, là c'est ça le truc qui est rassurant les gars, c'est qu'on est en bonus par rapport à lui. On va reculer un petit peu, certes, ce qu'il faut c'est reculer intelligemment. Attendons l'hiver, c'est un maxi outil mystère qui nous servira pour plus tard. Les gars, vous savez les Russes historiquement ils gagnent pas au début, ils gagnent après. Allez, et on pique leur matériel. Ok, par contre là je risque d'avoir un gros manque de PPSH. Une surprise pour personne. Donc on va réduire les nombres d'avions. Il nous faut de la PPSH. Et j'ai plus accès au caoutchouc. Fuyez, pauvre fou. Mais non. Les gars, replier, pourquoi pas. Replier intelligemment, oui. Regardez, il galère. Il ne prend que quelques miettes de mon territoire. Regardez combien il a perdu d'hommes. 12 000. Et moi, j'ai perdu combien? 37 000. Quoi? Réveillez-vous, la Turquie est en guerre. Non, ma fanté. Non, attendez. Déjà. Taux de recouvrement des divisions, voilà. Allez bon si on perd un peu de territoire, c'est pas grave. Reculer, c'est pas grave. Reculer intelligemment. Il a mis 4000 avions, le bougre. Oh là là. Elle a mis combien? 1000. Ok, on tient mieux au sud, Connor. Faut espérer que le Japon attaque l'Allemagne pour l'Indonésie, la Malaisie. Ah, j'avoue, pas bête. Non, mais regardez, les gars, franchement, ça va en vrai. On a connu pire dans notre vie, franchement. En vrai, de vrai, si on est honnête. C'est pas la bérésinade pour l'instant. Allez, ils vont se fatiguer. Quand ils n'auront plus de matériel, ils céderont. On a la Russie, il l'a dit, Poutine, pays grand comme ça. La France, une vache qui rit. Ah, on tient bon, les gars. Fais-toi encercler. Non. Surtout ne contre-attaquez pas. Ouais, mais quoi? Jamais j'ai engagé, hein. N'importe. Mais pété d'air, t'es qui? Je t'ai rien demandé, toi. Mais. Il m'a fumé la flotte, le con. Waouh. Ça va pas, non? On se replie. Large, t'es focus. Ah, les mesures désespérées, vite. Dites les mesures désespérées. Il y a 400 usines, tu veux qu'il manque de matériel. Il va manquer le matériel, les gars. Cette offensive est bien trop ambitieuse pour un petit pays comme l'Allemagne. Je pense qu'il me casse les pieds, c'est de pas avoir de ligne de repli, ça c'est gênant. Ouais. PTDR, il va m'encercler, ce petit malin. Bon, pour l'instant, c'est rouge de partout, les gars, mais rouge, ça veut tout et rien dire de nos jours. De nos jours, il y a des voyants rouges, les bateaux de Sarge qui n'ont pas fait long feu.
Ça y est, ça commence. La pente. 1-1, on va reculer intelligemment. Bon, il convient d'accepter. Oh ! Alors là, non, du coup, non. Excusez-moi un instant. Il va me faire perdre, mais voilà, mais toutes mes PPSH, lui. La couleur du communisme rouge, oui, c'est vrai, c'est vrai. Pas de panique, les gars, pas de panique. Il y a de quoi être un peu, il y a de quoi être un peu nerveux, il y a de quoi. Mais je vous assure que la panique est un faux ami. Hein. Allez, on se replie intelligemment, les gars. On fait ça proprement, SVP. Allez, on est russe. Allez, voilà. On se fait pas encercler, les gars. Wow, 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 j'ai failli me faire sauter mes troupes, moi. Oh là, oh là, oh là, ça c'est une repli intelligente. Voilà, ça c'est une repli intelligente. Ah merde, on a perdu quelques troupes. Ok. On s'est fait sucrer quelques troupes. Bien, bien, bien. Ainsi les. Wow, 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 wow. Mais attends, non, mais voilà, bateau, bateau. Allez. Hé, regardez. Hé, ciao, bande de nazes. On avait notre ticket pour le ferry. Eh, oh merde. Ouais, le ticket pour le ferry, c'était pas une bonne idée. Ah ouais, ça va. Ok. Bien. Ouais, il m'a foutu une pagaille là. Ils prendront quelques miettes de notre territoire. Ah, voilà, c'est pas la majorité du pays qui est tombé encore. Non, en vrai les gars, attendez. Ce qu'il faut en fait, c'est gérer ses replis. Hein. Vous voyez là, ça c'est pas une repli gérée, ça c'est pas intéressant. Ça. Voilà. Donc toi tu surtout t'attaques pas du coup, hein, merci. Voilà. Allez voilà, faites-moi des lignes, voilà. Là, le truc qui me dérange le plus, c'est que j'ai pas le droit à la ligne de repli. Ça, c'est très perturbant. Pétez-moi ces avions. Sergent Noural, this is fine. Non, ça... Enfin, s'inquiéter, là. Ouais. Ok, on est bloqué niveau pétrole, niveau caoutchouc. Ouais. Regardez, les gars, la Russie, c'est immense. Regardez le chemin qu'il en reste à faire jusqu'à Moscou. T'as mis un mode car le bot là il est énervé. Ouais, il est en difficulté maximum. Là, je l'ai renforcé et tout. Il a mangé du lion. Là. Le mode ça s'appelle Dream of Hitler. Oh putain la vache. Il veut pas se calmer là. Putain, l'offensive il y va. Hein. Il a dit Hitler. Moi quand j'arrive, j'arrive. Wow, 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 wow. Où est-ce que ça donne Sarge sans l'effort niveau 10? Il est énervé, il est énervé. Après voilà, encore une fois les gars, il n'y a pas de mouvement de panique, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Quand vous avez une situation compliquée dans la vie, ne paniquez pas, ça sert à rien. Organisez-vous, réfléchissez, cherchez des solutions. On n'apprend pas de ligne de repli, c'est horrible. Hein. Ah, c'est horrible. Regarde-moi ça, il se déploie même pas. C'est de la merde le no step back, parce que là clairement je peux, je fais une ligne de repli derrière le fleuve et je fais mes DCA. Hein. Essayez faire un chevauchage sur Berlin avec un peu de chance. Hitler capture Hitler et vous revenez à Moscou. Ouais. Ah putain de merde! Ça voilà, c'est ce que je ne voulais pas voir. Marina, une solution SVP. Faut regarder les pertes. Ils ont perdu que 130 000 hommes, putain, j'avais perdu le triple. Ah, j'avais pas appelé mes alliés. J'avais pas appelé mes alliés aussi. On commence correctement. Hmm. Le sud tient bon, c'est le nord qui tient pas. Consultez VDC. Le voyant. Non mais regardez ça, déjà c'est pas normal, putain. J'ai mis trop de malus entre Suplezuka, pas de fort, etc. etc. J'ai mis la barre haute. Hein. Est-ce que
Est-ce que je peux faire ma ligne de repli manuellement? Est-ce que je peux autoriser des replis? Et si je fais pas de ligne de repli avec un outil, ça va ou pas? Pitié, fais une ligne de repli, on est d'accord. Parce que là, le problème, c'est que je stabilise pas mon front, en fait. Genre, là, c'est... Oui. Non. Allez, bâtard. c'est ça, vrai, on peut pas négocier avec ces gens-là, fin de game pour Sarge. Non. Les gars, est-ce que un petit vote, un petit vote, un petit vote, une petite démocratie, FF. Ici, on tient. On a 20 000 PPSH de retard. Repli manuel, ok. Repli manuel. Vas-y. Les gars, au diable, les règles fuient. Les gars, j'ai fait un repli manuel. Pour la première fois d'HOI 4, vous allez voir un idiot qui va me déplacer ses troupes à la main. Ok. Très bien, très bien. Attention, les gars. Êtes-vous prêts pour la repli manuel? C'est absurde. Là, ce qui va se passer là, c'est littéralement absurde. Ça s'appelle la repli manuel. Oh putain, la vache. Mais t'es mal à déroute. Là, attention les gars, la repli manuel. Attends, y a plus de ligne, hein. On est d'accord, y a plus de ligne. Attendez. Hop, annulez tous les ordres, voilà. Hop, vous n'allez nulle part maintenant. Vous obéissez aux ordres. Je vais m'endormir. Pire que la France en 40, ah mais vraiment. Ok les gars, la repli manuel. Qu'est-ce que la repli manuel? Avant tout, accepter ses erreurs, voilà. Trois cases là. En vrai de vrai, n'inquiétez pas, on va faire la repli manuel. La déroute, live macro repli HE4. Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre comment replier tes troupes si tes outils ne fonctionnent pas. Mais du coup, tu relances le jeu. Non, en vrai de vrai. En vrai de vrai. Rigolez pas trop, les gars, je vais la faire ma repli manuelle. Alors, replie-toi derrière le fleuve. Oui, ah bah, oui, je crois que je vais suivre ton conseil, hein, y a pas de souci. Je suis pour. Putain, ouais. Voilà, là, au bunker du Ferrand, il y a une de ces fêtes, les gars, il y a la Java. Allez. On se replie. Voilà, excellent. Ok. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Merci de vous replier, monsieur. Voilà, merci. Toi, tu vas là. Putain, mais repliez-vous! La repli manuelle, c'est pas une chance. Hein. C'est horrible. Tu vas me coller le cul pour pas que. Voilà, toi tu vas là. Toi tu vas là. C'est horrible. Attendez les gars, il y a la repli manuelle qui est en cours. Vraiment. Je me dis, quand même, faut vraiment être un attardé pour avoir mis cette règle. Ah, c'est bon. Qui écrit les règles pour les lives, là, quand on le retrouve? Voilà, et là, très important, les gars. La terre brûlée, Serge. Ah oui! Mais exact, j'ai zappé. Ouais, on va les ralentir. Qui a les bâtons de dynamite dans le chat, là? Exact. La terre brûlée, bah oui. Voilà. Qui a la TNT en réserve? Il ne lit pas, surtout, il écoute pas, c'est la meilleure technique, mais bon. Ah oui, non, mais c'est vrai, on n'avait pas la terre brûlée. Moi, j'ai la dynamite French Kirito, bah sors les bonbonnes. Oh, on fait péter. On se casse! Bande de cons, allez. J'aurais peut-être dû faire péter après être passé, par contre, parce que le problème, c'est que... C'est avec les moyens du bord. Moi. Ouais. Bah, c'est toi qui écris les règles. Hein. Moi, tu es con, le bonhomme. Okay. C'est bon. Ok, c'est bon, les gars. Vous voulez une bonne nouvelle? La ligne de repli est en cours.
Putain, mais il voulait pas me lâcher les baskets là, vraiment. Je sais que plus personne dit cette expression, mais. Mais laissez-nous nous replier. Il nous saoule. Allez. Toi, vas-y, remplis-toi, idiot. Bouze. Wow, c'est quoi ça? Ok. Sans le sourire, bien sûr. MDR, il fait péter le pont avant d'être passé. Bon, j'avoue, le japonais, tu peux déclarer la guerre à l'allemand. Dans cette uchronie, ça pourrait être un scénario assez réaliste, moi, je trouve. Wow, la repli manuelle plus jamais. Allez. Vas-y. Ok, c'est bon, en vrai, ça passe. Mais putain, mais obéissez aux ordres, par contre, sinon ça va être vraiment très relou, je vous assure. Bah oui, tu te fais encercler, idiot. Ok. Ah, je vous garantis pas, les gars, la validité de l'opération. Putain, mais replie-toi, c'est insupportable. J'ai l'impression d'être un gros idiot qui sait pas jouer, qui... Putain, je comprends pas. Ah, c'est bien ça. Rappelez-vous, hein. À la limite, là, je peux refaire une ligne de front, regardez. Alors, on va faire une petite ligne de front. Oui, c'est que ce soit lui qui fasse la... Stabilise-moi ton front, toi. Allez, let's go! Le Japon qui a déclaré la guerre au Reich allemand. Ah! Ma carte piège! Ah, j'avais deux. Qu'est-ce qu'il dit? J'avais deux tours dans mon sac! Bien, allez, vas-y, va lui foutre sa branlée, lui. On n'a plus qu'à tenir, les gars! Bientôt l'hiver, non? Bientôt l'hiver, on est en octobre et. Très bien. J'avais plus d'un tour dans mon sac, exactement, voilà, c'est ça. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ah merde, Kiev, oula! Ah! Ok, là on a une. On a un début de ligne de repli en fait. Non, mais Kiev! Putain, mais il fallait le tenir, bande d'idiots, vous avez un ordre! C'est de tenir Kiev, vous l'avez pas tenu. Ok, ils ont un peu d'attrition. Ils ont réduit le nombre d'effectifs, ils prennent vraiment pour de la bouse, hein. Il gère pas du tout. Vous savez quoi? Tant pis. Si je peux pas faire une ligne de repli, je vais mettre une garnison. Je vais en retirer tout le monde et je vais le laisser avancer. Ça sert à rien, on va mettre une garnison. Ouais, je suis l'Uchronie, c'est quoi plus la... En plus, c'est quoi plus la technique de la parachute du Japon? M'explique là. On imagine les requins rejoint l'Allemand. Leningrad, c'est un parking gratuit pour les tanks allemands. Écoutez-vous de ma gueule. Vous paierez ces moqueries. Hein. Que Staline, il enregistre tous ceux qui se foutent de sa gueule. Hein. Bon, attends, par contre. Ça me sidère. Comment on peut être aussi stupide? Ok, là ça tient. Regardez, la ligne elle tient. Mais en fait, y a un truc qui s'appelle le fleuve, les gars, et le but c'était d'aller derrière le fleuve. Ça tient. Le Japon est loin de l'Allemagne. Oui, rassurez-vous comme vous pouvez. Votre fin est proche et vous le savez maintenant. Bon, replie-toi. Hein. Barrez-vous. En vrai, les gars, il y a eu de la déroute. Il y a eu de la bérésinade là, mais. On se la fait à la Napoléon, quoi, les gars. En vrai, de vrai, ça tient. La ligne s'est un peu stabilisée. Ok, c'est bon.
Allez les gars, on a passé les 6 premiers mois, voilà Barbarossa, il y a eu cette sorte d'extase qui veut que l'opération soit incroyable et tout, ok. Maintenant va te taper le japonais toi, va bouffer du riz. Et vas-y, ah merde. Ok, ça stabilise beaucoup plus là, regardez, non, sans déconner ça se stabilise beaucoup plus. Je le sens les gars. En vrai de vrai ça va. Ça va. On a eu, bon, hein, voilà, il y a toujours ce petit moment où on se pose beaucoup de questions. Putain, avec ces avions, lui. On va se battre en Ukraine. Et nous tiendrons l'Ukraine, monsieur. Vas-y, on va l'affronter en Ukraine. Explose-le. Bon, par contre, la Biélorussie, c'est une autre ambiance, mais on a les desserts. Ça. Honor s'inquiète en situation, mobilise plus. Mobilise plus. À la limite, je peux ramener les réserves, mais... Ouais, ils me prennent de l'attrition, eux. On va ramener les réserves, mais... Wow. Après, voilà, ils sont montés très haut. Ça devrait se calmer, les gars, ça devrait se calmer. Ok, quittez les zones d'encerclement et stabilisez-moi les fronts le mieux possible, en fait. Et attaquez sous aucun prétexte, voilà. Tenez le fleuve, tenez l'autre côté du fleuve, piquez le matériel, ils vont commencer à galérer. C'est plus le nord où ça pêche, je suis d'accord avec vous. Faites comme vous pouvez, les gars, faites comme vous pouvez. Il n'y a pas un pas en arrière. Attendez, là, on va mettre des trucs qui peuvent nous aider. Organisation des divisions. Nous combattrons jusqu'au dernier. Il faut défendre Moscou. La mère patrie appelle. Nous combattrons jusqu'au dernier. Organisation des divisions plus 5, ouais. Il n'y a pas un truc de propagande, là, qui peut m'aider Héritier de Lénine. On va faire des campagnes de propagande. Serge Gommel, pitié. Gommel ? C'est quoi Gommel ? Gommel, là, c'est mort. Malheureusement, on stabilise d'abord en Ukraine. On est. Mais putain, mais arrêtez. Et vous me saoulez, les gars. Arrêtez d'attaquer. Voilà. Je donne pas d'ordre. Arrêtez d'attaquer. C'est tout ce que je vous demande. Arrêtez d'attaquer. Voyez de la défense, pas de l'attaque. Ok. C'est pas grave d'avoir reculé. Ce qui compte, c'est de stabiliser et maintenant de reprendre de l'avant quand on sera en mesure de reprendre de l'avant. Tant que notre aviation progresse, on a le reste. C'est ça qu'il me met, hein, de ses forces d'attaque, l'allemand. Waouh. Y'a pas un pas en arrière, là, l'ordre... On peut pas lancer l'ordre 226. Retraite en bon ordre. Eh, non, mais là... Défense des divisions plus 5. Nous avons une demande d'amis. J'ai besoin des milices, là. Allez, sortez, les partisans. Ordre 227, c'est tout le temps des décisions. Je peux pas encore le lancer, je crois que j'ai pas les leçons de la guerre. Bon, allez. Les gars, il faut espérer la stabilisation du front. Allez, prenez le matériel des Roumains, on va les avoir. On va finir par les avoir quelque part. Le front est très 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 large pour eux. Ça va... Putain, c'est vrai qu'on a beaucoup reculé. Hein. Voilà, repli, elle est pas propre. Hein. Oh putain, elle était pas propre du tout. Hein. Je vous jure, c'est pas sa puissance de feu qui me fait mal, c'est le fait de part de ligne de repli, là, depuis le début, le no step back, il pique. Hein. Ok, heureusement qu'il y a le japonais qui me sauve un peu dans l'histoire, et même avec le japonais, c'est fou de se dire qu'on arrive à... On se fait push, mais à une vitesse... Tu as pas assez de troupes. Ouais, clairement. Bah, le problème, c'est que là, il y a eu de la perte. Hein. 1 million de pertes. Ouah. Et lui, il a eu 100 000 morts. Ouf. Putain, comme c'est qu'il fonce. Hein. J'aime pas mes replis, là. C'est pas propre. Regarde ça, c'est pas propre. Bon. Ok, au niveau des Roumains, on va récupérer le matériel. Ça, c'est bien. On a le Roumain qui s'épuise. Qu'est-ce qu'il fait ? Laisse-le passer. Vas-y. Allez, le japonais va faire la misère à l'allemand. Putain, la vache! Oh, c'est pas une déculottée. Une terrible race au Miam. Ouf. Oh, va falloir défendre Moscou. Voilà, les gars, on court à notre propre perte. Hein, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. On va refaire des lignes de repli. Le problème, c'est que là, j'ai un gros manque de matériel et d'hommes. Hein. Oh, y a pas de division. Il va falloir rassembler tout le monde. Ouais. Bon. On va refaire une ligne de repli. Bon, les gars. Là,
Je vais être de bonne foi. Il serait temps de s'inquiéter. Comme certains auraient pu le constater, la situation n'est pas favorable. Voilà. Une repli automatique. Je vais donner un ordre, regarde. On va se mettre derrière Rostov. Là, il y a un fleuve, Kharkov. On va tenir le fleuve, là, Koursk, tout ça. Là, on va faire une repli comme ça. Ah bah, Leningrad, c'est mort. Leningrad, c'est complètement mort. Ok, voilà. Je vais tenter une repli comme ça, les gars. Pas de retraite, camarade. En Russie, là, c'est la décadence. Ah oui, non, mais là. Après, je vous dis là. Non, si je vous dis inquiétez-vous, c'est que là, même moi, je me rends compte que. Encore 3 mois comme ça et je suis KO. Là, j'ai pris des mauvais coups, les gars. Bon. Allez, tout le monde se replie. Et le plus vite possible. Tout le monde se replie le plus vite possible. Allez, tant pis, on laisse tomber les lignes. Là, ce qui me casse les pieds pour rester poli, les gars, c'est que mes productions vont. Putain la vache. Est-ce qu'ils peuvent me laisser une chance de sortir ou pas? Visible. Ok, c'est bon. On arrive à quitter les zones d'ancien, enfin les zones de front. Ouais, c'est bon, on quitte les batailles. On va tout dynamiter. On va faire péter les ponts, mais après être passé cette fois. Terre brûlée, Sarge, pas bien. Ouais, on va faire la terre brûlée, mais d'abord je me replie. Des fois je me mets en sécurité cette fois et après. Après tout, les gars, Napoléon est arrivé jusqu'à Moscou et il a pas pour autant gagné. Hein. Voilà, la déroute elle est salée. Hein. Oui, Staline, l'eau-parleur, c'est pas le moment là de. Ok, la défense de Moscou va s'organiser petit à petit. Allez, cassez-vous les gars. Hein. Ok, on a. Putain, regardez. Oh la vache. Ah, ils m'ont roulé dessus. Hein. Allez, c'est bon, on se laisse une petite marge, course, qu'on y est. Non mais putain, ils cassent les pieds, ils savent pas se replier. En 2 mois, il est à Moscou. Tu me laisses 2 mois de survie, là hein. Ok. Attendez. Wouah. Attendez, les armées elles sont vides, hein. Regardez, on a perdu tous nos hommes là. Mettez là où les généraux ils sont bons. Allez les gars. Vous savez, dans la vie, il faut pas s'avouer vaincu trop vite, pas avant d'avoir livré bataille jusqu'au bout. On est loin d'avoir tout donné, on est comme le vieux Doc. Voilà, ok. Et là on va faire une bonne ligne de repli. Okay. C'est avec qui gère ici? Toi tu gères là. Excusez-moi le chat, je vous lis juste après, je vais juste faire une ligne. Une logistique Rostock. Ah je le sens pas. L'hiver arrive. T'es... Lâche rien Pierre, rappelle-toi la Bérésina, hein, clan. L'hiver arrive. T'es vous de ma gueule. Déjà les gars. Voilà. On a rapporté les sticks de TNT. J'ai l'impression que même la terre brûlée ne l'arrête pas ce. Oh bon. Merde, j'ai pas de popo. Politique, bah. Ok. Ah, il va falloir rester au stock. Bon. Ok les gars, je me chie pas cette ligne là, je la chie pas. Promis cette fois, je la chie pas. Allez, 5 qui vont là. 3 qui vont là. Oh putain, ça va être un casse-tête. Hein. 3 qui vont là. C'est horrible. 3 qui vont là. 3 qui vont là. 1, 2, 3 qui vont là. 3 qui vont là. Putain, j'aurai jamais assez d'hommes. Oh, ça va être un concept. Hein. Là, ça va être un... Ça va être un concept, les gars.
Non, pitié, fais des lignes correctes. Les gars, faut respecter la mission, faut avoir la médaille d'or. Mais même Kharkov, je le perds, c'est un horrible course que je le perds aussi. Ah, il y a l'hiver, les gars, il y a l'hiver. L'hiver qui arrive. Je sais pas ce que ça va donner. C'est Manuel. Hein. Je sais pas plus. Hein. Et j'arrive pas à m'organiser plus là tant que j'ai pas plus de données. Vas-y, barrez-vous là-bas, vous. Kharkov, y'a qui tient? Y'a des lignes là ou pas? Okay. Là, y'a des lignes au niveau de Koursk. Ouais. Oh. Ah, c'est horrible. Vas-y, je t'autorise la ligne de repli. Ah, mais c'est pas cool pour ceux qui ont parié deux et qui sont pas là. Encore la ligne de repli. Ah, je me suis fait avoir. Hein. Aïe. Aïe. Les enfants, ne regardez pas, c'est horrible. Ah, c'est une boucherie. Hein. C'est une boucherie. Mais d'un côté, ça, moi, je vous dis, le fait de pas avoir de ligne de repli, ça ajoute un côté RP aux divisions. Allez, là, c'est bon. En vrai, regardez, là, ça va. Là ça va, regardez, c'est bon. Là ici j'ai un truc stable. J'ai un truc propre. Ok. 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 Maintenant ici, ouais voilà, vous vraiment repliez-vous. Là faut que ça tienne à Kharkov. Belgrade là où je sais pas comment ça s'appelle. Aurel ça tient aussi. Vas-y Aurel ça tient. Là il y a le fleuve. Oh là, ouais. Il y en a, ils parlent beaucoup trop. Hein. Et peut-être même que avec un peu de... Putain. Oh là. On t'autorise, tu dis non, tu t'écris dans Shonen, ma parole fait des lignes de repli par pitié. Ah, je vous fais pitié à ce point, les gars. Ça va être beaucoup plus simple. Hein. Voilà, regarde, c'est le jour et la nuit. Non, mais là, je respire, les gars. Et encore, je fais le mec, mais de toute façon, ça va rien changer. Hein. Abandonner course qu'il faut se battre dans les bois. En course, c'est logistiquement important. Putain, je sais même pas ce que je fais, les gars. Oh, elle est trop haute celle-là. Non, c'est beaucoup mieux. Bah oui, non, mais là je respire. Ah oui, là je respire complètement. C'est 10 fois mieux, c'est beaucoup mieux. Oh, la grande retraite de l'armée rouge. La grande retraite. Elle est pas noble. Hein, oh putain, et même mon aviation elle s'est fait éclater. En fait, c'est insuffisante, oui. J'ai pris beaucoup trop de temps à rassembler mon aviation et à avoir une aviation compétente, je pense. Et ça y a joué aussi, clairement. Bon, maintenant qu'on a la ligne de repli autorisée par un désespoir ultime, peut-être qu'on peut espérer une stabilisation de la ligne de front. Fais gaffe au-dessus du lac de Leningrad. Ouais, j'ai vu, il y a un espace vide. Ok, non, mais repliez-vous, allez. Ah, vous me stressez. Allez, peut-être que de l'ombre va renaître la lumière. C'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Les Allemands, ils sont beaucoup moins nombreux. Ici, ça se replie bien.
Bon, ça attaque quand même. Hein. Il s'écrit en Star Wars, fais voir les pertes. Ah, moi, j'ai pris ma race. Hein. Mmh. 2 millions de pertes, j'ai pris ma race. Après, j'ai perdu qu'une petite partie du pays, mais là, industriellement, il y aura des conséquences. Hein. Ah, même la ligne, elle est pointée ici, là. Alors, bloqué au nord. Oh là là. Wow, le bourbier. Ok, je vais faire avancer un tout petit peu mes lignes. Allez, si on défend jusqu'à Aurel là. Waouh, waouh, waouh. Il me faudrait juste genre. 2 divs, 4 divs. Pour bloquer. Ici. Allez, go. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, faut tenir. Ah, bon courage, les gars. Il n'y a plus qu'à espérer que l'hiver va les ralentir, que l'attrition va les ralentir. Et toi, t'es vraiment une grosse merde parce que t'avais un ordre, tu l'as même pas exécuté. Ah, les gars, il y a une de ces dépressions dans le chat là. Bon, allez, espérons que ça va tenir, espérons qu'ils vont ralentir les assauts, espérons que ça va stabiliser petit à petit. Il faut tenir désespérément, de toute façon, j'ai rien d'autre à proposer à part de la défense. Soit ça tient, on a de la chance, soit ça passe et on est foutu. Hein. Là, de toute façon, il n'y a plus grand chose à espérer. Hein. Ça fait mal de voir ça. Alors, tu te prends une pile contre l'allemand, oui ou non? Oui, Fred, complètement. Voilà, vache. Non, mais après, voilà. Là, il commence à y avoir beaucoup plus de verre qu'avant. Allez, avec un peu de chance, un peu de tenue, l'espoir fait vivre. Faudra voir comment le front évolue sur du long terme. Quand on voit que c'est que mes unités arrêtent de contre-attaquer. Je vous en supplie, mes unités arrêtent de contre-attaquer. Allez, ça commence à être vert, ça commence à être vert. C'est vert, c'est clair. On les repoussera peut-être. Ouais, faudrait que l'allemand, il arrête son push, hein. Il y a du vert, il y a du vert, il y a du vert. Et dis-moi qu'il prend des pertes, cet Allemand. Il prend aucune perte. Hein. C'est dans l'ombre qu'on aperçoit la lumière. Allez, on va leur piquer leur matériel, ils ont de l'attrition, ils ont l'hiver. Allez, en plein mois de décembre, putain, c'est pas possible. Moscou tiendra. Attends, y'a personne à Moscou, là. Je vais dire du coup non, mais en fait c'est plus rouge que vert. Hein. Mec, un revers, chute de Moscou. Bah, comme je vois les choses, je me sens qu'au nord, tu vas avoir un deuxième officer qui va être très douloureux. Alors... Ouais, le nord, ça a percé aussi. Ça a pas défendu le nord. Oh, le problème, c'est que là, c'est rouge de partout. Hein. Oh, le front unique, il fait mal. Hein. Oh, le front unique, il fait très, 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 très mal. Aïe. Ah, ouais, non, mais. Ah, les gars, on s'est pas relevé du début. Hein. Clairement, c'est pas relevé du début. Je suis dans l'incapacité la plus totale d'avancer. Ils m'ont mis un déficit. Il est énorme. 44 000 fusils. Là, j'arrive pas à les rattraper. Tant qu'il push, là, tant qu'il push, il me tient. Ouais, qu'il arrête de push. Mon aviation, j'ai l'impression que je suis en reculant. Quoique, dans l'aviation, ça se stabilise. L'aviation, on arriverait peut-être à les avoir, hein, encore. Ouais, y a que l'aviation qui peut me sauver, mais attendez. Je vais me mettre dans l'Oural non plus. Hein. On n'aura jamais dans la game, là. On perd le Caucase, on va jamais se relever. Hein. Faut juste espérer qu'il arrête et qu'il me laisse le temps de respirer. Alors, qu'est-ce que tu attends pour acheter les fusils sur le marché, tête de nœud? Ah, merde, c'est vrai! Ah bah oui. Je vais pas le dire avant, Fred. Ouais, non, mais de toute façon, là... En vrai, de vrai. Eh ouais. Eh ouais, y a pas de bonnes affaires. Ah oui, c'est vrai. Putain, y a pas qui m'a dit ça. On dirait que moi, quand je push l'URS... je vais perdre 26K en pariant sur toi, j'aurais parié sur l'Allemagne. Ah non, mais là, en fait... Je veux dire, hein, ce qui m'a... Ce qui m'a le plus détruit la game, les gars...
C'est même pas qu'il soit en difficulté, je sais pas quoi, tout ça. Ça, certes, il a des bonus. Mais ce qui m'a le plus déchiré, c'est de pas de ligne de repli. J'aurais fait ma ligne de repli derrière le fleuve, ça aurait été tellement autrement dès le départ. Tapis allemand, miam. Aïe, aïe, aïe. En fait, je vous dis, hein, ce qui m'a pété, c'est la ligne de repli qui vient de louper un marché de plus de 20 000. Non, mais là, de toute façon... En plus, on m'avait dit qu'ils arriveraient à Arganclest. Ils sont exactement arrivés par là. Là... Ce qui me sidère, c'est qu'il prend aucune perte. Hein. Il ne prend aucune perte. D'avoir fait de l'industrie jusqu'en 40... Non, vraiment, vraiment, je t'assure que non. Je pense que mon bulle civil, il était pas trop mauvais. Mais de pas avoir de ligne de repli et de ligne pour les accueillir, ça aurait été pareil. Je pense sincèrement que ça aurait été différent. Ils sont gros, les quelques miettes de territoire. Putain de ma gueule. Non, j'avoue, c'est vérité. Bon, techniquement, ils ont pas allé au-delà de Stalingrad. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu. On aura vu des horreurs dans la vie, mais alors là... Moi, je vous dis, très clairement, c'est le pas de ligne de repli qui m'a niqué. T'as pas encore de juste avant la guerre et tu fais ta ligne. Je sais pas, j'ai pas... J'ai novembre 39. Ah, moi, je vous jure, les gars, regardez. Alors, franchement, je vous mets ma ligne. On va devoir que la bike casque, là, là, on est en quoi? On est en mars 42. Rendez-vous novembre 39, hein, moi, je dis, hein. Non, mais la prédiction, ça, je l'ai parié. T'as tout niqué, tu avais pas assez d'industrie. Même si j'avais fait une ligne derrière le fleuve, Marina, ça tenait pas. Ouais, dans tous les cas, là, la prédiction, on va pas se mentir, les gars. Hein, celui qui dit que la prédiction n'est pas perdue, je l'invite à faire un tour sur le front. Mais je maintiens que c'est la ligne de repli qui m'a posé problème. L'URSS, il faut pas faire une ligne dès le départ. La chute de Stalingrad, là. C'est perdu, donc test 39. Bon, on peut valider peut-être au moins cette prédiction-là. Non, tu commences la guerre avec trop peu de militaires et d'armes en stock. Mais toi, t'aurais eu plus d'usines militaires. J'ai où j'ai... Non, la pub. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, non, là, par contre... Au nord, il y a même plus d'armée. Hein. Et puis, ils foncent. Hein. Ça se trouve, le japonais, il gagne même pas contre l'allemand. Ah, quoique si. Ouais, non. Ça change un peu rien. Une correction. Oui, là, je crois que le Führer, il voulait finir l'année en beauté. J'ai juré, il est fou, il a fait du civil jusqu'en 40. Oh, mon civil là, oh, 14 civil, arrête les frères, tu es foutu jusqu'au trognon. Bon les gars, est-ce qu'on, l'état-major soviétique, pouvons-nous parler de capitulation? Est-ce qu'on peut employer le terme ou c'est pas... Là, j'ai commencé une partie en même temps que toi, j'ai 220 civils et 127 militaires en juin 41. Mais voilà, eh, je vous dis, c'est une tryhardeuse, Marina, c'est une tryhardeuse. Envoie-nous, t'es en Iron Man ou pas? Non, envoie-moi un screen sur Discord. Humiliation, oui. Putain. On va faire un concours, les gars. Le concours Discord 2024. Fais ton meilleur bulle de russe. Nié si SVP. Valide la prédit et change la map en 39. Oui, en Iron Man. Tu peux m'envoyer un screen ou pas? On ira checker. Bon, bah les gars... Du coup, comme je vous le disais à l'instant, la prédiction... La prédiction sur ta save de 39 ne donne pas à l'Angleterre. Alors, ah si, faut que ce soit forcément... Moi, je vous dis, les gars, de la même façon, vous allez voir que ça va marcher. Je vais vous montrer. Mon théorème, il est bon. Qui va gagner? Allemagne. Capitulation! Il te reste la Divostok, tu peux toujours tenir. Hein, ils ont pris qu'un bout de territoire, hein, comme dit Crispy Panda. Aïe, 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 aïe. Alors là, je me sens mais tout con. Wow, le Chrome, 400 000 points et 32 autres personnes. What the fuck? Voir les détails. Oh, what the fuck, me? C'est quoi? C'est quoi cette folie? Merde, non, je peux pas vous montrer ici. Je sais pas si je peux voir les détails, hein. Je peux pas vous montrer... Non mais what, wow le Chrome, ils vont se faire chier en Sibérie, et n'avons même pas MDR, la partie est déjà terminée. Est-ce que tu as m'organiser des comptes que tu as pour voir si tu n'avais pas prêt à bail des venteurs ou ouais, tes alliés, hein. Super. Ouais, quoique, frère bail était quand même intéressant. 400 pour voir le Chrome, la plus value de fou qu'il avait fait.
Il est où? Que quelqu'un nous trouve le chrome. Ah, attendez, les gars, je vais vous montrer, regardez, un truc. Non, pas, je lui ai dit de faire ça. Regardez, je vais montrer un truc, les gars. Déjà, qui m'a dit, Maxence, la Lituanie, tu veux qu'on en parle ou quoi, ton plan pourri, là? Non, je rigole. Ok, revenons dans le temps. Regardez, je vais vous montrer un truc très simple. Ok. Là, on était en 39. Il a pas pris l'Angleterre. Je l'ai pas donné. Donc là, on va faire exactement les mêmes circonstances. Avec GER, voilà. Il avait fait quoi? TP, voilà. On lui prend ses troupes, voilà. Merde. Merde. Ah merde, TP est activé. Ok, donc là TP est activé, voilà. Hop, on va faire exactement. Je speedrun les gars pour pas faire perdre trop de temps. Voilà, 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 voilà. Hop. On va lui mettre ses troupes comme ça, il se fait pas avoir lui parce qu'il va se... Je vous jure, il est capable de perdre son Angleterre en plus. Voilà, voilà, voilà. Ok. Tag soviétique, là, j'en suis sûr que ma théorie elle est bonne. Il y a juste mon armée qui était pas organisée. Oh putain, attends, on est combien de temps en arrière là? Attends, on est revenu dans le futur les gars. Oh lolo. Je regarde que la Lituanie te fera gagner la diff. Il a commencé son live à quelle heure pour mes dossiers? Moi je vous dis les gars, le build il était bon. Voilà, accroître les réserves, je vais faire exactement comme j'avais fait tout à l'heure. Là j'avais pas. On a fait ça, truc, c'est bon. Là je m'en peux plus, j'avais fait quoi? Commencer à produire de l'armement, voilà là. Attends, me dis pas que j'ai pas les avions et tout. Oh putain. Les gars, ça va peut-être prendre un tout petit peu de temps. Vous êtes motivés ou pas? J'ai pas reçu mes points, Serge. 22h et la game vers 22h15. Hein, t'avais parié pour qui, Enzoom? J'ai gagné plus de 800 points pour ma première prédiction. Raya. Est-ce que vous voulez que j'aille au bout de la démonstration ou c'est pas nécessaire? Mais ça, je fais les avions en décembre 40. Mais mon avion, il manquait la tourelle. Attendez, au pire, sinon, regardez, je vais faire un truc très simple. Ok, je vais faire avec l'armée que j'ai. Juste pour vous montrer la différence, juste pas grave si on refait pas le même combat et tout, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Je pensais pas que la save était aussi loin. Ouais, je vais vous faire un truc très simple. Par contre, j'ai pas d'aviation, mais juste pour vous montrer la différence quand vous avez une ligne de repli. En fait, la ligne de repli du tryharder, c'est-à-dire vous mettez comme ça, là. Hop, hop. On va juste voir s'il y a une petite différence ou si vraiment c'est juste mon armée qui était à ce point éclatée. Et encore, normalement elle avait progressé dans le temps mon armée, donc un peu de respect. Hein. Okay. J'avais que ça comme armée moi. Tu es la merde mon armée, c'est vrai qu'elle était pas où. Moi je maintiens les gars, la ligne de repli. Et j'ai même pas d'aviation. Notez bien. Là c'est déjà mieux. Moi je me couchais, t'avais fait 22 divisions. Tu dois passer en un an, en vrai ça va. Quelle armée? Donc là il a fait son traité de paix, voilà. Ok, vas-y maintenant. Allo Diplo. Bon, on va juste voir si ça pouvait être une différence de ligne. Parce que c'est vrai qu'il faut jamais tenir le... Ok, voilà. Attention. On va voir si on se prend une bérésinade ou pas. Après voilà, faut supposer qu'on a une aviation et qu'on a une armée plus grande. Donc là l'Allemand il avance. Techniquement c'est vrai que si t'es malin tu lui fais une petite terre brûlée ici, voilà. Là il commence à placer son aviation ce petit malin. Bon il a pas autant d'industrie qu'en 41 mais d'un côté c'est un peu normal. Voilà. On lui fait sa terre brûlée. Ok je m'arrête là. J'ai été mis sur Discord le screen, j'arrive. On va juste regarder. Qui dit que le test est concluant? Bon, j'avoue, je pense qu'il va me push. Là, j'ai pas la même armée techniquement, voilà. Ok, la ligne a l'air de se faire percer plutôt au nord. Après encore une fois comme je vous dis j'ai pas d'aviation, lui il a son aviation donc là on se prend tout le casque qu'on n'aurait pas forcément eu si on avait l'aviation. Regardez déjà c'est beaucoup plus propre, il n'y a pas de déroute dès le départ. Après là je suis d'accord, j'ai pas mon aviation donc ça peut y jouer, il faudrait que je mette une petite aviation pour soutenir. Ouais quoi que... Oui bon la ligne, hein. La ligne c'est très éphémère. C'est
c'est pas si confiant que ça. Avec des avions, ça passe. La bataille de Wuhan pour cette défense. Ouais, bon, c'est un peu mieux. En vrai, de vrai, c'est un peu mieux. Mais on voit qu'il y a quand même, il y a quand même une différence. Hein. En vrai, de vrai, c'est quand même un peu mieux. Parce que, bon, après, comme je vous dis, j'ai pas mis l'aviation, mais on voit déjà quand même que la défense est beaucoup, beaucoup mieux gérée. Et bon, ça commence à se faire trouver. Non, est-ce que au moins tu as choisi l'option de déprétation de déplacer tes usines en Sibérie? Red, c'est comme une bombe nucléaire, j'ai même pas eu le temps de bouger. Ouais, bon, ouais, c'est sur du long terme. Ça, est-ce que au moins tu as choisi l'option de déprétation des usines en Sibérie? Red, je comprends. Je veux dire qu'il faut beaucoup plus d'infanterie. Ouais, j'ai peut-être pas assez spam de matériel d'infanterie. Ou alors j'aurais peut-être pas dû mettre. Le truc qui m'a peut-être trop niqué, c'est que j'ai voulu faire trop de matériel de soutien avec ma clé à molette. J'aurais peut-être pas dû faire ma clé à molette. Il t'aurait fallu 400 avions pour que ce soit pertinent. Tes 1000 coucous ne servent à rien. Du training pour la Luftwaffe. Ouais, il y a de ça aussi, je pense. Tu te fais quand même défoncer. Peut-être que j'ai trop tardé avant mon bulle de militaire. Ouais. Attends, je sais pas si on a le screen, j'arrive. Oula. Marina de tryhardeuse. T'es pas sur carnet. Attendez, je vais vous montrer ça. Wesh. Et la date? C'est quoi ces réserves? Attendez, je vous montre ça, les gars. Wesh, il y a carrément un diaporama. Je vous dis, moi, j'ai pas le bulle de soviétique comme certains ici. Hein. Attendez, je vous montre ça. Ok, c'est bon, j'ai. J'ai pas la date, mais elle a dit que c'était 41, ça. Je vois pas la date. Quoi, c'est 41, t'as dit? Déjà 6 avions par jour. Ouais, ben ton avion, il était trop lourd, hein, en fait. 127 civils. 126 militaires, ouais. Je joue full char d'infanterie. Elle a sorti le char automoteur. Ouais, 213 civils. Oui, moi, j'ai même pas atteint 200. J'étais à 150 ici. Et là, j'étais à 60. 16 juin 41. J'avais 60 militaires. Hey. Oh, Cadian, voyons, je suis content sur ta défaite encore et toujours ce soir. Bravo, et dire que tu fais peur sur Empire Total War, t'es mauvais déjà. En fait, Vafun, il prend sa bière et il vient devant le match et après, il voit que je perds et il se marre. Je fais le carnet. Bon, bah, je crois, Marina, tu vas faire les lives. Et combien de divisions? 253 divisions. T'as pas eu tellement de temps avec ton caoutchouc. Oh, le caoutchouc bon bonne nuit, je vais faire de beaux rêves ce soir en pensant. Mais c'est quand même. Cette communauté, elle est quand même incroyable. Tout le monde va se coucher en se disant ah putain, il a perdu. Ça, c'est chouette, ça. Marina, elle a défoncé les chiffres. Moi, je dis les dés sont pipotés, là. 300. Il a calculé, Léo, il y a 353 divisions. Moi, j'en ai combien? Ouais, bon bref, après les gars, pas le même budget, hein, ça va. Allez, reste sur ta défaite, Sarge. On va aller pleurer, les gars, c'est pas grave. Hein. Non, mais what? T'appelles, les gars, un doigt dans le cul. On adore tes défaites, ça permet de mieux dormir. Ça, c'est... Là, je pensais pas qu'il y avait un effet reposant comme ça. J'ai cru en la Grande Rouge. Ouais, j'ai cru en la Grande Rouge aussi. J'ai dit, reste pas. Et les tomates et deux fois plus d'usines. T'en avais en sortie au moins 110 et en 41 aussi. Ouais. Bah qui sait qui je fous dans la merde de plus vitesse 4 sans avoir la possibilité de rattraper ces conneries à cette vitesse. Ah bah tu sais, c'est ça le problème du Führer, hein, quand il y a le Blitz, il y a le Blitz. Hein. Putain son pays. Attends, il avait combien d'usines lui là? Attends, on va aller voir. Retour les gars dans une situation plus compliquée, retour en mars 42. On va voir combien d'usines était le Führer. Et non, ça, je me permets de barre à chaque fois que tu te fais... Je me tape des barres à chaque fois que tu te fais écraser. Sympa. Bon, les gars. Techniquement, si je prends l'Allemagne, est-ce que j'ai perdu? Ouais, moi, je vous propose la partie 2 de la vidéo. On va voir si j'arrive à rattraper les erreurs du bot. Mais Théma, c'est quoi, frère? Il m'humilie. Il n'y a même pas de général. C'est quoi, ça, ce D-Bot? 300. En vrai, il était pas invincible. Hein. Je suis désolé, il était pas invincible. Ouah, il produit 12 avions par jour, le tryharder. Ces avions, c'est de la merde, mais il y en a 100 000.
Mais quelle humiliation. Oh, ça va. Le build. Oh, putain. Ouais, ouais, je t'aime à son build. Oh. Le mec, il avait même pas envoyé toute son armée chez moi. Alors, il avait même pas... Il avait même pas tout envoyé chez moi. Hein. Il a envoyé vraiment que la... Il avait en trop, en fait. De toute façon, on a réussi à devenir jouable en histo depuis... Non, franchement, si t'as pas la difficulté, que tu fais une bonne ligne de repli avec des forts, tu peux vraiment... Tu peux vraiment tenir, mais là... Quelle humiliation, quelle honte. L'Allemand, il a envoyé ses troupes de seconde zone chez moi. La Sarge Army, bon bah... Ah non, mais là... Oh. Ça va, le tryhard, oui. Mais MDR, regarde le casque qu'il me met, l'enfoiré. C'est honteux. Il a envoyé la police municipale. Il a envoyé la piétaille. C'est juste nul, c'est tout. Combien de défaites écrasantes en 2023. J'espère que 2024 sera meilleur sur tes défaites. C'est pire que le PSG, ma pote. Il a envoyé ma prof de français. Oh, putain. Oh, la vache. Mais je suis con ou quoi, moi? Comment c'est possible, ça? Quelle indignité. Oui, c'est... Le terme me paraît adéquat. Bon, bah, là... À quand un HOI 5 pour stopper les failles de ça, hein? Moi, je crois, les gars, 2024, j'ai joué que l'Allemagne, voilà. On va pas prendre de risques. Bon, je me suis fait... Ce soir, les gars, je me suis fait poncer. Ah, mais je crois, en fait... En vrai de vrai... Franchement... Essayez le défi de votre côté, voilà, hein, d'accord, et après on en reparle, après on ira parler entre perdants, vous inquiétez pas, et dire que les gens payent pour le voir perdre. Mais non, ça fait partie du spectacle, c'est l'ambiance, ça fait pas mon ménage, Sarge est passé à l'oral, j'ai envoyé un DM, vas-y, j'ai regardé ça, Erika s'intensifiait, bon les gars, évidemment, attendez, quelle est la place, vas-y, les gars, poussons l'humiliation jusqu'au bout, quelle place à la Russie dans cette partie chaotique? J'avoue, c'est un clown de rue. Ça, c'est le PSG en Ligue des Champions. Trop d'espoir, alors qu'on sait tout ce qu'il va perdre. Très, très 47ème. Non, abuse pas. Déjà, j'ai réussi le défi. Ça. J'ai déjà réussi le défi, ça. Sérieux ? Moi, il se dit défaite dans ta coupe de cheveux. Défaite partout, là. En vrai, j'ose même pas faire le défi vu mon niveau sur HOE4. Ouais, non, là, faut un niveau quand même. Juste derrière un Luxembourg. Moi, je dis, allez, vas-y. Top. Top 10. Entre top 5 et top 10. Allez, top 7. Je dis top 7. Même Mao, il dit 4ème. En vrai, je pense qu'on est dans le top 10, c'est sûr, on a quand même une industrie. Ouais, je dis 7ème. 7ème, ça me paraît bien. Cadian, 14ème. Non, mais ça va, Cadian, enfonce-moi, vas-y. Hein. Ouais, je dis 7ème aussi. Je pense 7ème, c'est pas trop mal. Top moins 50. Classement de petits points non classés. Oh, le bâtard. 7ème. Ah, Enzo, 7ème. Merci pour la soirée, je vais aller au dodo, passer de bonnes fêtes de fin d'année. Ah mais Brolac, surtout merci à toi. J'espère que Brolac, t'as pu apprendre vraiment comment jouer à HOI 4 et comment faire une défense soviétique digne de ce nom, voilà. Non, merci beaucoup à toi, Brolac. Attends, Brolac, tu nous as régalé ce soir. Hein. Ouais, t'as envoyé la purée. Oh, Marina qui dit 5ème. T'as pitié de moi à ce point-là, Marina, ou c'est comment? Entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie. Merci pour toutes ces strates qui ne marchent pas, voilà. C'est bien. En fait, moi, à défaut de faire un guide comment bien faire, je vais faire un guide comment mal faire, ce qu'il ne faut pas faire, du coup, tu vois, toutes mes erreurs. Le livre, c'est Top Fail. Oui, aussi, un autre où j'ai le droit qu'au char. Au char. Je voulais dire, ta coupe de cheveux mérite ta défaite écrasante de rat que tu es. C'est vas-y donc. Au moins, tous les noms, tu arrives chez le coiffeur. Bunny à tous, Bunny Brolac, encore merci. Je te remercierai encore, MP. Le bouton a fait mieux. Ah, mais c'est pour ça que je suis nul. J'ai hérité du niveau de Sarv. Même place que le Royaume-Uni. Allez, moi j'ai 17. 5, 7. Il y a eu 14 aussi. Oh, 6ème. Oh, capitaine Zawad qui l'avait. Let's go. Bien joué. Quel visionnaire. 6ème. Il y en a qui l'avaient aussi. 6ème. Putain, moi j'étais Marina 5, 7. On était à côté. Hein. On était à côté. Enzo 7 aussi. On était à côté. Golo Napoléon 7. On était exactement à côté. Mao, t'étais un petit peu ambitieux. Putain, à chaque fois, on se fait avoir. Oh, let's go. Champion de la soirée, on l'épingle. Alors, du coup, c'est pas toi, Julien. Ah, merde, excuse-moi. Alors, t'es en dessous, Captain Zawad. Bien joué, 6ème. Non, j'aurais pas cru. En vrai, ça va, on a quand même une industrie. Bon, un premier allemand. Oui, ça va, Japon, USA. 6ème, c'est honteux.
Oh, ça va. Mais comment ça l'anglais elle est devant moi? Il n'existe même plus. La première fois que je fais SV, j'ai galéré moi. Mais la contre-attaque est difficile, mais j'ai vaincu. Non, mais la prochaine fois. Hein. La prochaine fois, je suis pas assez starbé pour pas faire de ligne de repli. Non, mais là, il m'a push derrière l'Italie. Il y a pas de mal à être derrière l'Italie. Hein. Franchement. Oïe. Quand je vais venir te coacher, tu vas vomir tous les jours. Voilà la menace. Bon. Ouais, t'es mal à coupe de cheveux. Je crois que je vais retourner au centre d'entraînement. Les gars, c'est à quelle heure les cours à Choi 4 le samedi? C'est à quelle heure les cours de rattrapage? J'avais pas fait de ligne de repli d'ailleurs. Joyeux Noël. Merci. Bah, du coup, voilà, joyeux Noël à tous. Hein. Oh, putain, c'est pas possible. Regarde mon DM en live STP. Ouais, vas-y, j'arrive. Léo, let's go. Oh, enfoiré. C'est honteux. C'est honteux. Oui, bah oui, c'est le résumé du live. Hein. Oui, bah, bon, alors, allez, joyeux Noël à tous et merci pour la rigolade. Ah putain, ouais. Putain, je m'en suis poilé. Non. Cadian, t'avais mis 40 000 balles. Faut pas mettre autant, les gars. En fait, dépasser 20 000, il faut pas. Hein. Là, il faut que tu t'entraînes tous les jours vu ton niveau de footballistique, c'est vrai. Simple mais efficace, joyeux Noël. Bon, vous savez, les gars, on s'amuse pas si on voit quelqu'un tout le temps gagner. Il faut aussi savoir le voir perdre, je pense, pour une bonne ambiance. Bref, principal, les gars, c'est que j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Franchement, moi, j'étais. Bah, franchement, un live comme ça, mais on en parlons-en. C'est quoi ce live de taré? Quand tu regardes même de Discord CP, tu vas rire. Même de Discord. Discussion, même. Alors, voilà, Macron. J'arrive tout en bas. Il est là, le livre. Les gars, attention, le livre, comment build son URSS. Attends, je vais vous le mettre avec le micro. Ça va faire mieux. Les gars, comment build son URSS. Ça va chouiner avec une guillotine de sorte, le chef. Franchement, je salue la qualité du montage. Incroyable. Enfin, et ça, les gars, vous pouvez utiliser tous les serveurs parce qu'il y a surtout des danses. Vraie question. Vous êtes prêt à investir combien d'euros dans ce livre? C'est quoi le salaire maximum que vous êtes prêt à donner pour ce livre? Je veux clairement de 0. 2 euros, j'achète. J'ai fait ça en salle de Nutella, je sais pas comment on doit faire avec un élève, mais il passe bien. On dirait les Québécois. Même sur l'heure, c'est trop cher. Oh là, je fuis ce livre. Je vais vous dire, oh, ça rend. Oh, bien, un peu d'instant pour l'auteur, il voit, on met 2 euros. 2 euros, ça s'achète. Alors, mais c'est le logo et tout. Il développe. Pour le premier, il est en train de remplir son record de chair de la chaîne, c'est clair. Regarde le PC, j'ai ressorti le direct. C'est quand même pas énorme, ok. C'est quoi, t'es une brûlée, j'ai envie de n'importe quoi. Ouais, merde, c'est pas ça. Oula, oh, j'ai fait quoi, moi? Oh, attendez, je me suis. Oh. Oh. Super, les gars. La chance. Hop, clean. Ok. Laisse tomber. Les bâtards. Et quel homme de bâtard. Grand atlas stratégique de Sarge. C'est que c'est un livre de poche. C'est même un agenda, c'est plus grand. Non. Qui a osé qu'on lit le nom de celui qui a fait ça? Totomato, on va te retrouver. Hein. N'importe quoi. Oui, il était très drôle celui-là. Ça va faire des autodaf, le livre des minimales. Ouais, je suis. Regarde, mais MP, tu vas rire, Julien. Ah. Non, pas lui. Je peux pas le montrer en live, lui. Le gars de l'Event. Tu sais qu'il me parle encore en privé en plus des fois. Non, oubliez ce moment. Julien, on t'a joué lever à bras direct sur le terrain. Si tu veux, on invite ton banquier préféré. Attendez. Ah oui, attendez. C'est quoi?
Mais venir entre la direction de terrasse, tu vas inviter ton banquier préféré qui était là, qui était pas là ce soir, bizarrement. J'ai payé les 6000 points à la médaille Twitch samedi, j'attends toujours. On est un petit peu en retard peut-être au niveau des médailles. Allez, montre une fraction de seconde. C'est fini, l'URSS versus Reich. Ah, t'as raté la grande victoire de l'URSS, du coup. C'était... Ah, ça allait très vite, hein. Bah, l'URSS, quand ça va vers Berlin, tu sais, ça y va, quoi. Puis voilà, ça s'arrête pas. Mais... Bon, je me suis fait foudroyer l'armée. Oh. Oh là là, c'était plutôt Reich versus URSS. Les gens me racontent que Balthazar l'a utilisé contre les Minimoys. La suite, vous la connaissez. D'ailleurs, Serge, quand je parle de Discord, t'as juste à taper, attends, exclamation Discord. Et là, t'as le Discord qui arrive, le serveur Discord. C'est plutôt Reich versus URSS. Bon, bah oui, la défaite était monumentalement incroyable. Bon, bah les gars, il reste les 10 pompes de fin de live. J'essaierai de distribuer les. J'essaierai de distribuer les dernières médailles aussi qui sont pas encore qui n'ont pas encore été distribuées. Et puis let's go. Comme ça au moins. Ça c'est fait. Ok, on fera les dernières demandes. Le mec de l'ENT était magique. Le mec de l'ENT, ah, de l'Event Unlisted, ah ouais. T'avais fait ça, on méritait au moins 1000 pompes. Je suis dégoûté. Cagnon, mais t'as vraiment mis 40 000 balles sur moi. Mais en fait, c'est votre problème. Quand faut pas me faire confiance, vous me faites confiance. Quand il faut me faire confiance, il y a une perte de confiance, en fait. Genre. Comme avec les live Black Ops le mercredi, là. D'ailleurs, mercredi prochain, je suis en live pour samedi prochain. Du coup, est-ce que je vous en ai parlé un petit peu au début du live, la date. Après, je fais mes pompes, vous inquiétez pas. Samedi prochain, on est le samedi 30. Normalement, je serai aussi en live pour le tout dernier live de l'année. On sera une sorte de petit nouvel an, peut-être. Moi, je peux gagner la médaille de la cruauté sur toi, je serai content. Non, mais toi, Vafen, t'as déjà la coupe, en fait. Et qu'est-ce que tu veux, la médaille ? Et encore une défaite. Mercredi, ce sera pas un live sur Black Ops 2. Je crois que ce sera peut-être un live. C'est pas un live un peu spécifique, peut-être un dernier événement pour le mercredi. Et on verra ce que ça donne. Moi, je peux gagner la médaille de la cruauté. Et puis voilà. Bon, allez, les 10 pompes, les gars, let's go. Attends, juste allumer la lumière, peut-être. Attention, projecteur. En tout cas, retenez juste une chose, les gars, je n'ai pas le bulle de soviétique, voilà. Hop là. Hop là. Et franchement, vous pouvez noter quelque chose, le parquet est aujourd'hui propre. Voilà, ça a été aspiré, on a le service sanitaire qui passe tous les deux jours maintenant. Ça, j'apprends ta campagne BO2, une campagne COP sur un Total War, c'est envisageable. Une campagne COP sur un Total War, lequel ? Joyeux Noël pour tous les sargistes. Ah, ça c'est un beau message, Lucas, j'épingle. Musique de Noël. Musique de Noël. Ok. Hop là. Normal, tu l'as léché. Oh, dégueulasse. N'importe quoi. Allez, c'est bon, les gars. Je sais pas, par exemple, Rome 2. Oh, je l'ai jamais fait, Rome 2. Après, on avait essayé avec Sigeron, c'était un petit peu long, mais peut-être pourquoi pas un jour. D'ailleurs, le tournoi, tu l'as complètement laissé tomber ou pas sur Rome 2? J'ai mis des pompes tout à l'heure aussi. Il y avait combien? C'était monté à plus de 10? J'avais vu 10 d'un coup. Allez, je rejoins l'armée sergiste. Attends, peut-être que je peux voir dans les... Maxence, tu veux m'abattre, en fait. Alors, attends, liste de requêtes. En effet, il y avait deux demandes de pompes. T'as bien fait exprès d'attendre le dernier moment pour que je me plante. Hein. On m'a dit que ça servait à rien. Ah, c'était peut-être au niveau de l'organisation. Attention, sportif numéro 2. Ouais, j'ai fait les 10 premières pompes, il en restait 10 autres, donc ça, j'ai vu là, il y a deux demandes de pompes en attente. Hop là, c'est bon. Eh, bonne journée. Hop. Comment tu vas gagner une guerre en chaussons? Hey, oh. On n'a pas tous le budget, ok?
Mais j'ai tout ce qui est prêt, c'est juste qu'il n'y avait pas de com dessus, donc pas beaucoup d'inscriptions. Ouais, c'est ça, faut que ça suive d'ailleurs. Et Maxence, t'es heureux de m'avoir vu souffrir. Qui se rappelle l'époque où il y avait plus de 150 pompes à faire? Oh non, moi je vais pas me souvenir de cette époque-là. Hein. Moi je vais pas me souvenir de cette époque-là. Alors tu me dis qu'il y a encore des révisions d'attente. Alors, clac, 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 Cadian, punition. Ouais, c'est un estimateur, Cadian. Ok, en effet, je vois. Test de chance en fin de live. Là, j'ai vu qu'il y avait aussi des manches. Je rembourse les récompenses qu'il n'y avait pas eu. Allez, Cadian, vas-y, Cadian. Viens là que je me venge, Cadian. Viens là que je te bats au 1v5, bien sûr. Si je te bats au 1v5 simulateur, Cadian, c'est que vraiment, je te connais beaucoup, tu vois. Là, en fin de live. Bon, tu connais les règles, hein, Cadian. Vas-y. Ok, un endroit pour le trésor, un endroit pour toi, entre le désert, le marécage, montagne, glace, forêt, ville ou île. Moi, je suis le monsieur de la police municipale. Franchement, Cadian, on a un petit peu le même humour et tout. Je pense que je peux t'avoir, même si ça ne veut rien dire. Ok, je me concentre. Si j'ai pas au moins 1 sur 2, les gars, appelez-moi grosse merde. Et j'en ai 3 en tête pour Cadian. À moins que ce soit un petit rigolo. Ok, pour moi, Cadian, ça se joue entre forêt, montagne et glace. Bah, je vois trop le trio là. Et je dirais qu'il y a de la montagne pour le coffre et que toi, tu es dans la forêt. Glace, moi et trésor, il. En plus, j'avais dit que ça jouait avec la glace. J'étais. Glace et il. En fait, t'as vraiment tout fait pour me feinter, toi. Grosse merde. C'est mérité, Lucas. C'est mérité, très clairement. En plus, là, après, les gars, pour le rattrapage, j'avais dit qu'il y avait peut-être de la glace. Bon, on était en 3, voilà. Grosse merde. Bon. Cadian, je vois que ton but étant de m'humilier jusqu'au bout, et eh bien je tiens à te féliciter, tu as réussi. Tu as réussi. Vafan, tu as tenté ta chance là, que je me connecte un peu à ton esprit là. Merci à toi, Cadian. Bref, bah. Il faut dire les choses en face, le streamer est mauvais. Bon, bref. Chez, vas-y. T'as 8000 points ou pas dans les récompenses? T'as juste à prendre les 8000 points là? Y'a quelqu'un qui voulait le faire ou pas? Pas de rattrapage au redoublement. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un a 8000 points pour tenter sa chance ou je crois qu'elle n'est pas bloquée la récompense. Quelqu'un. Le Discord, après, elle règle aussi la méthode d'installation après si les campagnes COP. Bah, ça, après, j'ai déjà fait une COP avec Sigéron sur le tout dernier. Je m'attendais à rien, je suis quand même décidé. Oh, ça va. Viens tenter ta chance aussi, Maxence. Là, venez affronter le devin prolixe. Lui seul peut lire votre avenir. Et merde. Bon, les gars. Voyons le beau côté des choses. J'ai quand même perdu le jour de Noël, c'est quand même de merde ça. Maxence, inverse un vélocimateur. Oh. Alors Maxence, franchement, si j'arrive à avoir 1 sur 2, je suis digne de tes chairs. Vas-y, concentration. Entre désert, marécage, montagne, glace, forêt, ville ou île. Là, tout ce que je sais, c'est que Maxence, il a offert beaucoup de subs. Donc, il y a un côté générosité, il y a un côté sociable. Donc, je dirais qu'il y a de la ville. Après, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, donc il y a un côté discret. Donc, il y a de la montagne ou du désert ou de l'île. On est méthodologique. Je vois pas trop de lien direct avec le désert. Mais plus avec de la montagne ou une île. Sauf que île, ça fait un peu isolé. Du coup, je dirais ville et montagne.
Ah, t'as carrément mis le coffre, t'as carrément mis le coffre à la banque, toi. Ah, d'accord, tu mets le coffre à la banque, mais la banque, c'est de là où tu pars. Ah, ok, tu l'as mis en endroit. Bon, bah, en tout cas, j'étais à côté de la plaque, je t'ai dit, y a pas le désert. Moi, je veux bien après si tu. T'as pas peur, mais si t'as les points, les 8000 points, toi depuis le temps, tu dois les avoir ou pas? Dans les récompenses, tu l'as dans le truc de 1000 points. Merde, ah ouais, la banque, y'a pas une croix dessus parce qu'en fait, la banque, tu pars de la banque. Ah merde, excuse. Bon, j'avais. Début de. Ouais, une petite chance. Merci pour les sentiers en plus, Maxence, ça fait plaisir. Ouais, oui. Bon, bah, les gars, je crois que le voyant n'est pas bon. Le voyant est même plutôt mauvais. Très mauvais. J'ai dit, ouais, je vois pas trop le rapport avec le désert. Bah, du coup, si. T'as pas les coins, Vafen? Ouais, et il sait pas comment ça marche, là. Le voyant clignote. Là, il est temps de faire la révision de la Clio, là. Oui, ma forêt est un mauvais tatouage, Rome 2 est un autre délire. Je suis meilleur à Rome 2 que si j'ai. Ouf, lui dis pas ça. Utilise pour ton ultime talent. Tu parles d'un ultime talent. Bon, vas-y, Vafen, si t'as pas trouvé, monsieur. Vafen, juste envie de l'avoir, lui. Vas-y, Vafen, marque-nous deux trucs entre désert, marécage, montagne, glace, forêt, ville et île. Lui, Vafen, il va tenter de m'entuber, lui, il va me mettre une feinte de l'espace. Son but, c'est juste de m'humilier. Cependant, en vrai, Vafen, je pense que je peux trouver. Soit t'es vraiment un gros troller, tu m'as mis marécage et glace, mais je pense que t'as mis un truc sérieux. Et je sais que t'étais allé en vacances au Portugal, et mon Portugal, ça me fait penser à la montagne et tout. Donc je dirais montagne, et comme t'aimes bien le foot, tout ça, je dirais ville. Je dirais montagne et ville. Ah putain, j'étais pas loin. Ville et désert, j'en avais un sur deux. Pourquoi le désert? Qu'est-ce que tu vas aller faire au Qatar, toi? Il est dans les marécages comme Shrek. Putain, je l'avais, la montagne. Non, du coup, il n'y a pas la montagne, mais j'avais la ville. Ah, j'ai un sur deux, Vafen, un sur deux, ça va. J'ai mis 100 heures sur un mode qui rend le jeu 1000 fois plus dur, alors que CJ, bah, il est bon coincé sur Warhammer. Oh. Allez, demain, live 24h spécial Noël. Ah, mais 2024, il faudra vraiment faire le live 24h, hein, depuis le temps qu'il m'en parle. Mais du coup, ça y est, Loïc, tu fais des vidéos Excalibur maintenant, ce que j'ai vu sur sa chaîne. Ouais. Oh, Vafen, quand est-ce que tu vas reconnaître mon talent. Mon talent d'artiste, là. Oh. Bon, j'ai un incompris, moi. Bref, les gars. Je l'ai juste aidé. Ouais, ça m'a fait bizarre quand tu dis, mais attends, mais je connais cette voix. Non, franchement, pas mal. J'ai bien aimé la vidéo. La vidéo était assez intéressante. Merci aux 58 personnes en tout cas qui sont restées jusqu'au bout. Bon bah si jamais cette idée t'a, ça fait de venir me demander. Ok, là aussi ce qu'on va être en train de voir c'est pour le tournoi Shui 4 2024, ça a commencé à s'organiser. We live, we love, we lie. Nous vivons, nous aimons. Lie c'est mentir, mais lie c'est avec un Y, we lie. C'est quoi non? We lie, je l'ai pas. Mentir, nous mentons. Et du coup voilà. Bon, les gars j'ai bloqué les récompenses, je vous mettrai ça pour le tout prochain live, mais en tout cas j'étais... content de faire ce live avec vous et franchement pour un jour avant Noël, j'ai déjà fait un nettoyage sur Discord au moins pour j'ai déjà fait un nettoyage du Discord au moins pour le HV4, c'est clair. Là, il est qu'à mentir, il n'y a pas de Y. Ah, là, il n'y a pas de Y. Excuse-moi, Powerful, je savais pas que tu étais devenu un bilingue comme ça. Moi, j'attends une vidéo où tu parles de la Belgique lors de la World War 1 et World War 2 comme tu as fait. Attends, oula. Je vais détacher ensuite. Mais putain, mais... Ah, c'est horrible ce truc-là, tiens, mais ça j'ai pas anglais, ok. Et moi, je donne vu, tu parles de la Belgique d'avoir un, comme tu as fait pour le Canada, ça serait un vrai bon sujet. En vrai, la Belgique est sous l'occupation. Non, c'est vrai que j'ai fait la France, j'ai fait le Canada, pas encore fait la Belgique. Allez, bonne nuit, joyeux Noël à tous. Bonne nuit et joyeux Noël à toi aussi, Max. Ah bah, rembourse-moi. T'as demandé une récompense? Toi, tu marcelles à la boutique des récompenses, là? Je me la pète avec mes points. Thermikira, je te rembourse. Ah, j'ai pas reçu de. J'ai un voleur simulateur, j'ai les pompes et je me la pète avec mes points. C'est vrai que t'as demandé un truc? On va peut-être avec mes points. Attends, peut-être que... Dessine-moi un truc. Ah oui, ok, canon de minute. Dessine-moi un truc. Ah bah je l'avais pas vu celle-là. Attends. Oh là. Hop là, un petit remboursement. Vas-y, je te ferai ça mercredi, le petit dessin. Moi, je demande juste à être modo Discord depuis le temps que je suis là. Je m'arrête bien ça. Bah, faudra qu'on voit avec la prochaine réunion avec Christophe.
Parce que en plus là on a une réunion avec les j'en ai déjà parlé je crois, réunion généraux, ministère et staff qui devrait arriver dans une semaine. Cadeau récupéré, ça je dois dessiner en fin de live pour insister dans 300 chaînes. Ouais, je l'ai vu, il était plus haut, je l'avais pas checké. Non, car Pierre, le problème c'est que tu n'as pas de talent, donc ce jour n'est pas arrivé. Pas mode Twitch, pas mode Twitch, pas mode Discord. Ah, modo Discord, rejoindre le staff Discord. Ouh, là, faut que tu déposes une candidature sur Discord. Pardon, j'ai cru que tu parlais des modos Twitch. Ah, ok. Bon, faites-moi rêver, les gars. Vous êtes combien demain pour le repas de Noël, là, pour conclure le live? On peut pas faire confiance aux Belges. Oh, voyons, Cadian. Ils sont perfides. Ils disent non, Twitch. Non, modo Twitch, j'ai mis clic. Ah, bah, c'est modo Twitch alors. C'est ton Rome 2, c'est parti, Sarge. Si je m'entraîne un peu sur Rome 2, ouais. Après, peut-être que la communauté est peut-être plus sur du Total War ou du Napoleon War, je sais pas. 4 pour Noël, bien. 10 pour Noël. Olé, 4. Après, vous savez, je vais vous dire un truc, les gars. Le secret d'un bon Noël, c'est pas la quantité, c'est la qualité de personne. Hein? Non, quand tu dis un, c'est t'es pas tout seul, Cadian. T'es avec Madame. C'est ça, tu vas pas nous dire. C'est la personne, en fait. C'est ça. C'est le Noël. C'est le date de Noël, c'est ça. Non, vraiment, c'est vrai que c'est pas une question de nombre. Hein. Franchement, vous pouvez être 2, 3, 4 et passer le meilleur Noël de votre vie parce que vous avez des gens que vous aimez. Hein. Moi, mon frère, ma soeur et ma mère, clairement, voilà. Hein. Mais c'est pas possible. Pourquoi, quand je vote pour une victoire, Sarge, il perd? T'as perdu combien? T'as perdu combien? Mais en vrai, tu peux faire une petite pub et on peut faire une soirée event, Sarge, pour tester. Bah, vraiment, un concours, ça s'instante en vrai. Hein. 6 et 8 si on compte le chien et le chat. Bah, attends, on va pas exclure le chien et le chat, voyons. Tu veux pas être autant déçu que moi. 6 avec mes proches, donc ça va être chill. Ah, mais non, mais 6, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà bien. C'est, franchement, même déjà 3-4, c'est déjà pas mal. Hein. T'as la quantité d'alcool pour faire un bon Noël, XD. J'ai dit ça, mais j'aime pas l'alcool. Oh, Loïc, voyons. Ton frère est nul, pareil, faut que j'arrête de voter pour ta victoire. Oh, Angelus, il y a eu un petit problème. Cobra, tu vois qu'on est ensemble, t'as perdu beaucoup. 1000 points, ça va, c'est pas grand chose. C'est surtout c'est tout ce qu'il me restait. Un petit fond de tiroir, Cobra. Après, Cobra, moi, j'ai une option à proposer. L'abonnement de tier 3 t'offre un bonus cumulable de x2 en termes de points de chaîne. Voilà, c'est une offre que je te pose ici. Ça peut être un investissement. Il faut le dire. En tout cas, j'ai compris un truc, Serge. T'as de la chance quand tu paries contre lui. Quand tu paries sur lui, le père, c'est vraiment de la merde. Hein, mais là, on peut dire que ce soir, j'ai perdu, mais comme une merde. Mais vraiment, j'ai perdu, mais comme une merde. Cobra, je crois que t'avais raison. Hein, le défi, il était compliqué. Hein. On peut voir avec la vicaire d'animation pour organiser un petit truc Rome 2 et événement l'année prochaine. Bah, quand je serai à la réunion, j'en toucherai un mot par rapport à ça. Il s'est passé quoi en gros? La replay s'est pas passée comme prévu. Ah, mais ça a déroulé, hein. Le match a déroulé très vite. Hein. Et toi, Cobra, vous êtes combien pour fêter Noël demain? Parce que Cobra, il habite plus ici. On s'est séparé de lui. Il faut voir la modération avec de l'alcool. Des fois, c'est vrai. Ouais. Enfin, tu le connais, redis-le, j'enregistre. Je connais qui, moi? Ah, moi, je connais personne, ouais, non, je rigole. Il commence à faire du militaire en fin 40, pas de ligne de repli et pas d'aviation. Telle a été l'erreur, Cadian. La prochaine fois, sors-moi un meilleur build, là, parce que ton schéma était pas bon, hein, Cadian, franchement. Bon, au moins, c'est bien, ça fait un live qui finit pas trop tard, comme ça, demain, pour Noël, tout le monde est là et tout le monde est en forme. J'aurais juste que t'es une grosse merde. Mais Vafan, c'est le pire, mais Vafan, c'est un hater de 15 ans derrière son PC. Là, retourne au collège, toi, va passer le brevet. Franchement, Vafan, je tolère tes insultes, mais t'as intérêt à nous trouver le Mbappé des temps modernes au football. Hein. T'as intérêt à nous trouver une star, là, parce que on veut voir ton talent, Vafan, là. On veut voir ton talent de recruteur. On veut que tu nous trouves les perles du football, tu vois. On veut gagner la Coupe du Monde plus tard grâce à des Français que t'as recrutés, tu vois ce que je veux dire. Je te dis, il y a plein de gens en vente la jolie, mais tu viens pas recruter ici. En France, il faut boire de l'alcool avec modération. En Belgique, il faut boire de la modération avec de l'alcool. On les a vus, Loïc, les Belges, aujourd'hui, ils parlaient, mais ils parlaient pas... Attends, je confonds. Ceux qui parlent français, ceux qui parlent wallon, et ceux qui parlent néerlandais, c'est ceux qui parlent flamand. Là, il y avait des Belges, on est allés aujourd'hui, mais c'était des Flamands. Mais ils arrivaient à parler français un petit peu, quand même. En vrai, ils étaient un peu bilingues. Bon, je vois que le Miss Mangro, tu en avais en 5-6 matchs. T'inquiète, je dirais direct que ce n'est pas Pierre, et je recrute... Parce qu'il venait du musée de Bastogne. Mais Bastogne, du coup, c'est... T'es français normalement, Bastagne. Ah, mais les deux sont peut-être mélangés. Mais ça va, en vrai, ils parlaient bien français par contre. Hein. Mais ça s'entend qu'ils ont quand même un petit accent. Pas un accent belge, mais un accent genre en mode c'est pas leur première langue le français. T'inquiète, je te dis direct, ce n'est pas Pierre, je recrute aux Pays-Bas. Ils sont bons, ils sont si bons que ça aux Pays-Bas? Parce que l'équipe nationale, bon, c'est plus ce que c'était. Hein. Ah, c'est arrivé à trouver des recrues.
J'y vais jusqu'à Kitsan demain pour voir ce qu'on peut faire à ça. Ça marche. Bonne soirée, François. Mais après, ça s'organise avec le temps. Et je recrute aussi en Allemagne. Bon, les bonus, Sarge, et bonne fête de fin d'année. Dadamo, c'est quand tu perces dans le foot, par contre, là, parce que tu fais tes entraînements et tout, mais. À part jouer au City du coin, quand est-ce que tu nous fais ta première Champions League? Là, on veut voir les résultats. Hein. Moi, Dadamo, je veux venir te voir jouer. Je veux pouvoir te critiquer depuis le banc. Je dis, oh, ça joue pas, là. Oh, le joueur, il donne pas tout sur le terrain. En tout cas, moi, les gars, on attend. On attend que tu viens à Charleroi. Moi et les gars. Oula. Vous êtes combien, Charleroi? Il y a une clique là-bas? Il y a une embuscade ou quoi? Non, mais en tout cas, c'est cool. On a encore 57. Merci aux 57 qui sont restés. Bon, allez, je vais pas vous prendre toute la soirée, les gars. Demain est un jour de fête et ou un jour de vacances, ça dépend pour vous. Que je viens te chercher, tu verras quand tu prendras des ballons dans la tête. Ah, ah, ça va. Non, Sylvain de la Croix, ils arrivent, reviennent en janvier. Il ne manque plus que toi. Ah ouais? Mais tu l'as pas vu, Algue, par contre? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, le Algue. Enfin, bref. Bon, allez, le chat, je vous souhaite un très, très, très joyeux Noël à tous. Je vous souhaite un très bon réveillon demain. Passez du temps en famille, c'est important. Passez du temps entre amis, c'est important. Et pour ceux qui ne fêtent pas Noël, en tout cas, profitez de vos vacances. C'est une période de repos, c'est une période importante. On retiendra que ce soir, c'est le plus gros live de toute l'année. Et ça arrive le jour de Noël. Il ne pouvait y avoir de plus beau de cadeau de Noël pour moi. Le match n'était pas là, mais l'ambiance était là. Et je pense que ça fait tout. Et franchement, c'est ce que je dis. Je pense que ce live de Noël est à l'image des lives qu'on a eu toute l'année. Très sincèrement. Et c'est juste incroyable. Et je suis tellement, tellement, tellement reconnaissant envers vous tous. Joyeux Noël à tous. Profitez bien. Et à mercredi pour le dernier live du mercredi de l'année 2023. Allez, à plus. Et merci pour tout.